Pokémon, c'est vraiment quelque chose de magique. Et quand je dis Pokémon, je ne parle pas des jeux, des créatures ou de la licence au sens large. Je parle du logo. Lorsque ce logo est présent sur un produit, vous pouvez être sûr que non seulement il se vendra bien, mais que peu importe à quel point il est nul à chier, il y aura une armée de drones prêts à le défendre comme s'ils étaient nés pour ça. Et ça n'a pas loupé avec ce jeu qui s'annonçait pas ouf du tout au vu des trailers et surtout de sa date de sortie. Moins de 10 mois après Legend Arceus, un jeu qui a chamboulé la formule et qui a dû demander beaucoup d'efforts à Game Freak. Le résultat fut médiocre, mais le niveau est tellement bas que ça reste le meilleur jeu principal sur Switch pour le moment. Ouais, on en est à ce stade-là, ouais. En ce qui concerne Pokémon Violet, il y a deux camps principaux. Ceux qui disent que le jeu est génial quand on passe au-dessus de ses défauts les plus flagrants, et ceux qui pensent que c'est de la merde juste parce que c'est moche et que ça lag, sans aller plus loin dans la réflexion. Je voudrais montrer avec cette vidéo que ces deux camps ont tort. Premièrement, les défauts du jeu sont tellement omniprésents et explicites que les ignorer reviendrait à... ignorer tout le jeu en fait. Mais de base, le raisonnement est stupide. Si tu ignores que ce disque est rayé, bah il marche très bien. Si tu ignores le manque d'oxygène et la chaleur sur Vénus, bah c'est totalement habitable. Si tu ignores que j'ai mis du cyanure dans ton plat, bah il est très bon pour la santé. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? N'importe quelle chose au monde est bonne si on ignore ses défauts. Il y a plein d'aspects qui sont subjectifs, mais il existe des standards dans n'importe quelle industrie et Pokémon n'y échappe pas. Putain, je sens que dans cette vidéo, j'ai passé plus de temps à expliquer pourquoi un défaut est un défaut plutôt qu'à juste citer les défauts. Donc oui, les gens qui pensent que les problèmes de ces jeux sont pas si grave et qu'on s'y habitue, accrochez-vous parce que je suis sur le point de vous réveiller brutalement. Et en ce qui concerne ceux qui ont directement lâché le jeu à la seconde où ils ont vu sa performance et ses bugs, accrochez-vous aussi parce qu'il est bien pire que ce que vous croyez. Désolé si l'intro est un peu longue, mais je dois vous prévenir. Dans cette vidéo, je n'aurai aucune pitié, ni pour Game Freak ou Pokémon Company, ni pour ce jeu de merde, ni pour les fans qui le défendent. J'en ai ras le cul d'entendre constamment les mêmes arguments débiles encore et encore et encore et encore et encore. Par conséquent, si mon ton vous dérange déjà, sachez que ça n'a pas s'amélioré, bien au contraire. Mais c'est ça le truc, ces critiques sont avant tout pour moi, je m'en branle d'être connu ou de plaire à beaucoup de gens. Je ne suis pas là pour poster des vidéos stériles et aseptisées qui brossent tout le monde dans le sens du poil. J'arrive, je dis les termes et je me casse. Mon public s'adapte à moi, pas l'inverse. Et je vais pas changer ma personnalité juste parce que ça ne convient pas à quelques randoms dans mes commentaires. Tout comme je ne suis pas là pour supprimer le fun que vous auriez pu avoir sur les jeux que je critique. D'ailleurs, par souci de transparence, et vous le verrez clairement au fil de la vidéo, je n'ai pas eu une seule seconde d'amusement sur ce jeu. Pas une. Il y avait des moments où je ne maudissais pas chaque décision qui m'a amené à cet instant, mais dire que je me suis amusé serait au mieux exagéré, au pire un énorme mensonge. Si vous vous sentez attaqué alors que vous n'êtes pas des défenseurs aveugles, je vous dirai la même chose qu'à ceux qui m'ont fait ces remarques sur d'autres vidéos. Essayez éventuellement de ne pas prendre personnellement des propos dont vous n'êtes pas la cible. Pareil, si vous trouvez que je passe beaucoup trop de temps à tailler les autres plutôt qu'à parler du jeu, c'est pas mon problème. Je suis pas le seul youtubeur critique qui existe. C'est vous qui choisissez ce que vous regardez, donc me faites pas chier. Votre avis sur ma façon de faire ne m'intéresse pas. Je sais que certains vont prétendre que je ne suis pas objectif ou impartial parce que je parle principalement du négatif. Déjà, je vous garantis que vous m'entendrez dire du positif si vous daignez raider le reste de la vidéo. Mais surtout, il faut que vous compreniez ceci. Parfois, il y a beaucoup moins de positif que de négatif à dire, ou inversement. Parfois, un jeu est tellement mauvais que ses points forts n'ont aucun impact, et parfois les points faibles sont trop insignifiants pour le rabaisser. Je vais pas m'amuser à inventer des défauts, ou dans le cas présent, des qualités, juste pour apaiser ceux qui veulent un avis contrasté. Parce que oui, il existe des jeux avec très peu de défauts, et des jeux avec très peu de qualités, et il faudra s'y faire. Le truc, c'est qu'après avoir vu des vidéos et discuté avec des gens au sujet de Pokémon Violet, en moyenne, ce qui ressort, c'est les graphismes sont nuls, la technique est horrible, la difficulté est inégale, mais l'histoire est excellente en majorité. Les combats sont fun et l'exploration est bonne. Je ne peux pas blâmer les gens de ne pas analyser en profondeur chaque aspect du jeu, et c'est justement pour ça que je suis là. Avec cette vidéo, je veux vous montrer que dès qu'on commence à creuser un petit peu l'exploration, les combats, le scénario et j'en passe, dès qu'on arrête de se limiter à une ou deux phrases pour décrire chacun de ces aspects, on trouve problème sur problème sur problème sur problème. Et c'est comme ça que je suis arrivé à une conclusion beaucoup plus négative que la majorité des joueurs. Finalement, je me permets d'anticiper les attardés qui vont me dire « Si t'aimes pas le jeu, pourquoi tu joues ?» Eh bien, je te retourne la question. Pourquoi tu regardes et commentes une vidéo avec laquelle tu n'es clairement pas d'accord et qui est très explicite sur sa nature. Avant de me reprocher quelque chose, il s'agirait de ne pas le faire soi-même. Ce genre de réflexion n'existe que parce que vous êtes des petits bébés incapables d'entendre quelqu'un dire du mal d'un jeu que vous avez aimé. Et spoiler, c'est pas parce que je ne joue pas au jeu qu'il n'en sera pas moins éclaté au sol. Bref, juste avant de commencer, j'aimerais que vous fassiez un exercice. Détachez-vous de mon opinion du jeu ainsi que de votre vision subjective le plus possible et posez-vous cette question. Pokémon Écarlate et Violet est-il vraiment un bon jeu, oui ou non? Ne l'écrivez pas en commentaire, déjà parce que je m'en fous un peu, et surtout parce que je veux que vous le fassiez pour vous. Et après avoir répondu, continuez à regarder la vidéo, et à la fin, je vous la reposerai pour voir si votre avis a changé. Maintenant, commençons la dissection de ce cadavre puant qu'est Pokémon Violet.
Je vous préviens, vous n'allez pas aimer cette partie et la suivante. J'ai décidé de commencer par les visuels et la performance car tout le monde s'attend à ce que j'en parle et j'ai l'impression que c'est littéralement la seule chose dont les gens débattent en ligne. Je veux dégager ça au plus vite pour qu'on puisse parler des défauts que personne n'est capable de pointer du doigt mais qui existent bel et bien. Bref, démarrons avec du positif. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est la qualité des textures sur les personnages et certains Pokémon qui étaient magnifiques comparé à ce qu'on a eu avant. Les VFX liés à la Terra cristallisation, que j'abrégerai désormais en Terra, sont également très jolis. Idem pour le style graphique de l'interface qui est simple mais colle bien au thème du jeu. Les cinématiques importantes sont également très bien animées, rien à reprocher là-dessus. Est-ce que vous sentez que je commence à meubler avec des trucs inutiles pour faire genre qu'il y a plus de points positifs? Je vais arrêter de tourner autour du pot. Oui, ce jeu est dégueulasse. Les textures lointaines sont soit baveuses, soit répétitives, telle une mosaïque. Je parle même pas de quand la caméra zoome sur le sol quand on capture un Pokémon, et souvent il y a un manque cruel de détails. Genre ici, il y a que la texture, il y a pas de petits cailloux, de traces, de brins d'herbe, que dalle, juste une texture complètement plate. La géométrie du décor, et notamment des falaises, est vraiment à chier, on dirait des couteaux qui sortent du sol. J'ai joué à des jeux sortis avant 2010 qui avaient plus de polygones dans leurs environnements. Quand on regarde les bâtiments au loin, on dirait des maquettes en carton, c'est ridicule. Le pire, c'est qu'il existe plein de techniques pour rendre tout ça moins dégueu, mais Game Freak n'en utilise aucune tout en laissant le joueur regarder hyper loin. Ils veulent que tu vois ça et que tu sois émerveillé, et ça aurait été possible si le jeu était sorti en 2002. S'ils savaient que le jeu ne pouvait pas avoir une meilleure gueule, le plus logique aurait été de limiter notre champ de vision, mais ils ont fait tout l'inverse. Et bien évidemment, c'est dégueu. C'est quoi cette merde, sérieusement? Je vous mets au défi de me trouver un jeu triple A sur Switch qui te crève autant les yeux avec sa mocheté, sans déconner. Mais parfois, il faut même pas aller chercher loin, au sens propre, pour voir que c'est moche. Typiquement, ici, les drapeaux ont la résolution d'un écran d'Atari 2600. Et pareil pour le portail absolument immonde. On pourrait croire que la qualité du modèle du dresseur fait remonter les graphismes, sauf que non, au contraire, ça met encore plus en avant la texture odieuse qu'il y a derrière. Tous les éléments qui ne sont pas des humains ou des Pokémon ont un aliasing de taré qui ferait rougir les jeux DS, et autant les textures sur les êtres vivants sont pas trop mal, autant le reste... Et je suis sûr qu'il existe un débile quelque part qui va dire « Non, mais on s'en branle que ça soit moche, c'est juste une maison random où il n'y a rien à faire. » Et en dehors du fait que l'argument lui-même est nul à chier, il suffit de jouer au jeu pour voir que toutes les maisons sont comme ça. Je ne pensais pas que Game Freak réussirait à nous pondre des textures avec une résolution plus basse que mon estime envers la commu Pokémon. Mais du coup, à quoi c'est dû? Premièrement, c'est parce que Game Freak sont nuls à chier en optimisation, ça c'est une évidence vu le framerate atroce dans certaines zones. Le jeu n'est clairement pas capable d'afficher des détails au loin, ce qui nous donne un mélange de géométrie ultra nette avec un aliasing dégueulasse et des textures floues et baveuses. Le truc, c'est qu'on a inventé plein de solutions pour éviter ce genre de problème sur des consoles beaucoup moins performantes. Absolument rien n'excuse ce genre de paysage sur une Switch en 2022. Ce qui manque clairement ici, c'est de l'occlusion ambiante ainsi que de la perspective atmosphérique. L'occlusion va assombrir les parties où la lumière n'accède pas, ce qui donne du relief à chaque élément. Ça rajoute également une sorte d'interaction avec les ombres des différents éléments, les rendant plus crédibles et pas juste plats et moches. Après, pour être plus précis, ce genre de techniques sont plutôt simulées dans les jeux vidéo car c'est assez gourmand, mais ça peut clairement se faire, y compris sur Switch. Ici, on voit qu'il n'y en a pas, l'arbre est juste encastré dans le sol et sa présence n'assombrit strictement rien, et lorsque c'est le cas, c'est pas suffisant. Vous voyez bien qu'il y a une lumière très forte venant d'en haut, sauf que l'ombre de l'arbre est à peine visible. Et ça vaut pour tous les éléments du décor dans tout le jeu. Quant à la perspective atmosphérique, c'est un effet de profondeur consistant à uniformiser les éléments en fonction de leur distance. Par exemple, en les éclaircissant ou en les désaturant. Je vous mets quelques images pour le voir. Et clairement, il n'y a rien de tout ça dans violet. Il y a un micro brouillard à 3% d'opacité sur les montagnes, mais ne sauve strictement rien. Montagnes qui d'ailleurs ont toujours la même texture répétée en boucle. Pour vous montrer à quel point les ombres sont ratées, j'ai deux clips. Ici, on voit que la montagne ressort un peu et le côté qui n'est pas face au soleil est sombre. Jusque là, c'est normal. Et maintenant, regardez le sol. Il est parfaitement éclairé alors qu'il est au pied de ce morceau de la montagne. Il est censé être obscurci par elle, mais à cette distance, l'ombre n'est pas chargée parce que le singe de Game Freak ne s'est juste pas programmé. Et le deuxième clip est un exemple encore pire. Ici, il y a une crevasse et on voit que plus j'avance, plus l'ombre se dessine à l'envers. L'ombre est moins opaque au pied du mur plutôt qu'à distance. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'en dire plus? Cette zone est d'ailleurs cataclysmique en termes de graphisme, l'une des plus moches du jeu sans aucun doute. C'est ici qu'on constate le plus à quel point les environnements sont vides et n'ont aucun relief ou détail. On n'a que des surfaces immenses avec une texture plate sur laquelle les développeurs ont posé un polygone avec une autre texture plate par-ci par-là et c'est tout. D'ailleurs certaines textures sont beaucoup trop réfléchissantes. Il y a certains pics de montagne qui sont aussi brillants que des diamants, pas un bon jeu au passage, et pareil pour certains sols. Regardez-moi ça putain, on voit à peine ma sucrène et de base le sol il est pas blanc, hein. Il y a motif et tout, mais comme il est trop réfléchissant, forcément dès qu'il y a un rayon de soleil, ça se transforme en flashbang. Et vous pensez que je ne prends que les pires exemples exprès pour enfoncer le jeu? Mais non, tout est comme ça, partout, tout le temps. Mais forcément, quand on est dans le déni, on s'accroche à ce qu'on peut, n'est-ce pas?
Et des fans dans le déni, il y en a un paquet, putain. Mais histoire de pas y passer trop de temps, je vais prendre deux exemples. D'abord, lui qui fait une comparaison totalement lunaire entre les graphismes d'un jeu et l'orthographe. Je ne vais même pas prendre la peine d'expliquer en quoi c'est un argument de trou du cul parce que ça me semble plus qu'évident. Zéro van, il ne mérite pas qu'on cache son pseudo, et c'est d'ailleurs pour ça que je ne le fais jamais. Sur internet, il faut assumer ce qu'on dit. Et puis on a cette véritable masterclass de débilité que j'ai chiné sur la critique de l'ami Asa, qui est d'ailleurs trop indulgent avec ce jeu à mon goût, mais on va pas se mentir, tout le monde est indulgent avec ce jeu. Vraiment, prenez la peine de lire ce commentaire, c'est légendaire. Enfin, à première vue, ça semble être juste un énième fan qui veut étouffer les critiques négatives, mais je veux utiliser cet exemple pour illustrer un point qui me gave depuis très longtemps. Notez bien qu'il dit « je n'ai pas joué au jeu, mais c'est un banger à mes yeux ». Maintenant, imaginez si c'était l'inverse, si un mec avait dit « j'ai pas joué au jeu, mais c'est de la grosse merde à mes yeux ». Il se serait fait laminer. Et c'est de ça que je parle, de cette espèce de double standard qu'on voit depuis très longtemps, où si tu critiques un jeu, on va te dire que t'es juste un rageux qui a besoin de péter un coup. Par contre, le sucer allègrement alors que tu n'y as pas touché, ça c'est totalement acceptable. Et ça m'épuise. Si t'as le droit de te branler sur un jeu, j'ai aussi le droit d'être sceptique ou même virulent envers lui. C'est tout, point. L'attitude de ce mec m'insupporte au plus haut point, car non seulement il avoue ne pas avoir joué au jeu, mais il méprise ouvertement ceux qui l'ont fait et qui citent les graphismes comme défaut, ce qui, attention, révélation de malade mental, hein, est totalement justifié. Après, effectivement, vu que 99% des internautes sont nuls à chier en débat, oui, on entend parler que des graphismes, ce qui arrange beaucoup les défenseurs de violer, car ça ne leur fait qu'un seul défaut à contredire. Quelque chose que j'aimerais changer avec cette vidéo en mettant en avant le reste de ses problèmes. Mais pour finir sur ce monsieur, il a écrit un deuxième commentaire pour prétendre que les bugs du jeu ne sont pas graves parce que les speedrunners font aussi bugger Zelda pour le finir. Je ne rigolais pas du tout quand je disais que c'était une masterclass de débilité. Comment tu peux confondre un glitch recherché et activé sciemment par un speedrunner pour finir le jeu au plus vite avec un glitch qui peut arriver n'importe quand sans prévenir alors que tu joues au jeu normalement? En étant un sombre bouffon, voilà comment. En ce qui concerne la gravité de ce défaut, je vais devoir faire une analogie pour que vous compreniez bien. Quand je vais dans un restaurant, c'est pour bien manger, pas pour pécho la serveuse ou même lui faire la conversation. Bonjour, voici ma commande, merci, je paye par carte, bonne journée, au revoir. Cependant, ça ne veut pas dire que je vais tolérer une serveuse qui m'insulte, me crache à la gueule et renverse mon plat sur la table. Je m'attends à un certain standard de service et d'hospitalité. Et bah là, c'est la même chose. Je n'achète pas les jeux pour leur graphisme, je ne m'attends pas à ce que chaque jeu ressemble à Red Dead Redemption 2, loin de là. J'irais même jusqu'à dire qu'acheter un jeu principalement pour ses graphismes est un acte superficiel. Mais il y a des limites, un seuil minimum de qualité auquel on devrait tous adhérer. Et ces limites, Pokémon Violet les a dépassées de 3000 km. À l'époque où on vit actuellement, il existe plein de façons diverses et variées de créer des environnements en 3D propres ou au moins passables, et ce jeu n'en utilise pratiquement pas. Il expose en permanence sa mocheté. Genre, en soi, c'est pas grave que les environnements lointains soient moches, c'est même normal. Mais les développeurs n'ont pas fait en sorte que ça ne se voit pas, et ce genre d'horreur se retrouve constamment dans votre gueule sans qu'on puisse les ignorer à tel point que ça en devient drôle. Ou peut-être que c'est juste mon cerveau qui peut me faire rire pour ne pas que je pense au fait que j'ai payé pour cette chiasse. Et si jamais quelqu'un répond à vos critiques sur les graphismes en vous disant que vous attendez à GTA 6, déjà vous avez légalement le droit de le traiter de gros déchets, mais en plus, ça veut simplement dire qu'il exagère vos propos pour vous décrédibiliser, ce qui est très fallacieux, mais c'est un mécanisme de défense assez classique chez ceux qui n'ont aucun argument. Tout ça pour dire que Violet n'atteint aucun standard visuel, et à chaque fois que tu penses avoir vu l'endroit le plus moche et que t'as touché le fond, le jeu arrive à creuser toujours plus loin et à repousser les limites du désastre visuel. N'importe quel individu qui a fait de la 3D dans sa vie vous dira la même chose que moi et pourra, en plus de ça, refaire en mieux les graphismes de ce jeu. Donc, pour ceux qui disent que c'est pas si mal ou que c'est carrément pas un défaut, vous avez le choix entre revenir à la réalité ou continuer à vivre dans le déni le plus total, tel des abrutis que vous êtes, sans jamais pouvoir être pris au sérieux. En résumé, sur le pan des visuels, Pokémon éclate et violet. Tu as raté ton job. Moi, j'ai fini de parler des graphismes, et je vais vous demander une petite chose. Regardez combien de temps il reste à la vidéo. Maintenant, est-ce qu'on peut arrêter de faire comme si les visuels étaient le seul problème du jeu? Merci. Parce que non seulement il se permet d'être un attentat à la beauté, mais en plus, il se paye le luxe de laguer. Game Freak est quand même un studio exceptionnel dans le sens où ils ont réussi l'exploit de régresser sur le plan technique à chaque nouvelle sortie sur Switch. C'est du jamais vu. On a eu Let's Go qui avait un style graphique enfantin et aseptisé mais propre, Epic qui avait une direction artistique très correcte mais ne dépassait pas la moyenne, Arceus qui était dégueu et jusqu'à présent tous les jeux tournaient bien. Violet combine la mocheté avec le lag tel un combo imparable de diarrhée plus vomissement. Dès qu'il pleut, ça lag. Dès qu'il y a un peu de fleurs à l'écran, ça lag. Dès qu'il y a un peu d'eau, ça lag. Il en faut vraiment pas beaucoup. Et ces ralentissements sont d'ailleurs bien pires à vivre qu'à regarder, car quand tu joues, tu ressens vraiment le lag à travers le contrôle du perso. Donc, tout ce que vous voyez là, dites-vous que c'est bien pire dans la réalité. Évidemment, c'est dû à l'optimisation inexistante et on le constate quand on regarde les falaises en particulier. Leur texture est exactement la même à longue et courte distance, ils n'ont pas mis de LOD qui réduit sa qualité au loin. Je suis sûr que c'est pas du tout la seule raison, mais franchement, est-ce que là, j'ai besoin d'élaborer ou non?
Il y a des zones entières qui rament en permanence, comme la forêt de bambou, le lac ou le champ de fleurs tout au nord. Le plus drôle, c'est quand tu remarques, et croyez-moi vous le remarquerez très vite, que l'interface rame aussi. En fait, il la superpose sur ce qu'il y a derrière, donc forcément, si la map lag déjà, l'interface fera pareil. Il y a plein de jeux qui rament, c'est un problème courant, mais un jeu qui rame aussi souvent, tout en étant moche comme un cul, c'est particulièrement affligeant. Je pense sincèrement que dans ma partie, le jeu a passé autant de temps sous la barre des 30 FPS qu'à égalité, au minimum. Mais j'ai une question pour vous. Qu'est-ce qui est pire qu'un jeu moche et qui rame ? Un jeu moche, qui rame et qui n'a même pas été fini à la bite parce que ça sous-entendrait qu'il a été fini tout court. Le jeu est bourré de problèmes graphiques souvent liés à l'éclairage mais pas que, et d'autres trucs que je ne considère pas vraiment comme des bugs mais plutôt des erreurs, des oversights pour être plus précis, mais il n'y a pas d'équivalent en français. Il y a une vidéo de Sneeze qui résume hyper bien la situation. C'est pas normal que la lumière de la classe s'éteigne avant de passer à la prochaine scène où il y a un bureau en premier plan qui disparaît, voilà. Continuons, on arrive sur notre personnage, ça lag un petit peu, et attention, attention, boum, je me téléporte. Très bien, j'imagine que c'est normal. Les putain d'ombre, c'est très grave qu'en 2022 on ait des ombres qui ressemblent à ça. D'ailleurs, tant qu'on y est, c'est pas normal qu'on ait des textures de sol qui ressemblent à ça. Même Pokémon Bouclier, elles étaient pas terribles, mais à ce point-là. Mais regardez, regardez, je cut même pas la scène. Regardez bien les ombres, y a aucun montage. Hop, non mais c'est très grave, hein. Mais attendez, 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 vous êtes pas prêts? Enfin, c'est ridicule, j'ai envie de m'arracher les yeux, vraiment. Le mec là, il est là, et là, il est plus là. Et où il est? Et puis ce mec là, il est là, et quand je me retourne, il est aussi là. Et puis le gamin, il est de nouveau là. Maintenant, j'aimerais qu'on compare la cinématique d'intro des starters. Donc on a le canard dans l'eau immonde avec une ombre carrée pixel de partout, j'ai envie de mourir. Poussacha, son modèle, il passe devant des plantes qui sont censées être un plan devant lui, alors que certaines parties du modèle, non. Et le croco, bon, le croco, ça va. Top 5 Fuecocos. Numéro 5 Fuecoco WhatsApp. Je vais quand même me permettre d'énumérer d'autres. Parmi eux, on retrouve l'ombre qui disparaît quand tu bouges la cam mais réapparaît juste après, le perso qui spawn trop haut en entrant dans une pièce et tombe un peu, une Pokéball qui sert de debug encastrée dans le sol, la caméra calée de travers pendant une frame dans les combats, le perso qui se téléporte sur le Pokémon adverse en combat au lieu d'être derrière, la caméra qui passe à travers le sol, la lueur de Pokémon Terra qui disparaît instantanément, la moitié du PC qui s'affiche avant le fond du haut noir, le brouillard qui disparaît quand une capacité modifie d'éclairage, les textures qui chargent en pleine cinématique, les PNJ qui apparaissent à la fin de la cinématique, les ombres qui se téléportent quand la caméra change, tout le putain de décor qui apparaît derrière toi quand tu lances une Pokéball. Je pourrais continuer comme ça pendant des heures entières, mais ça ne servirait à rien. Ça ne servirait à rien parce que les personnes raisonnables ont déjà compris mon point, et ceux qui sont dans le déni ne changeront jamais d'avis, peu importe l'ombre de preuves qu'on leur présentera. Et là, j'ai même pas parlé des glitches que beaucoup de gens postaient en ligne. Alors, pour être transparent avec vous, en 25 heures de jeu, je n'ai eu aucun crash, aucun softlock et aucun bug grave. On dirait que le jeu avait reconnu que c'était moi qui jouais et se retenait de bugger en pensant naïvement que je n'allais pas l'atomiser quand même. Le plus gros bug que j'ai eu, c'était un Pokémon qui avait spawn dans un mur. Tous les autres étaient purement visuels, comme ceux que j'ai énumérés à l'instant. Faut aussi dire que je ne cherchais pas à casser le jeu ou à profiter à fond de l'exploration, je voulais le finir le plus vite possible pour ne plus avoir à y retoucher. Mais pour en revenir au vrai bug, déjà dites-vous qu'il existe des êtres dotés d'un cerveau qui pensent que c'est du fake ou que c'est dû à l'émulation, mais je vais contre-argumenter ça en disant que la communauté Pokémon n'est pas assez intelligente pour mettre en place cette espèce de complot visant à décrédibiliser un jeu à sa sortie avec des faux glitchs. Et surtout que les bugs en question ne sont pas arrivés à des randoms, mais aussi à des gros youtubeurs et streamers. Mon jeu a planté, pourtant donc j'ai bien fait la mise à jour et tout, je suis allé le chercher tout à l'heure en magasin, y a pas de souci. Mais là, le jeu a planté, j'ai beau appuyer sur tous les boutons de ma manette, il ne se passe rien. Bah c'est un plaisir. C'est un plaisir en tout cas. Ou les aurait-il inventés aussi ? Qu'on soit clair, je ne prétends pas que les autres jeux n'ont pas ces problèmes. Si on les cherche, on les trouve. C'est affligeant de devoir expliquer que dans le cas de Pokémon Violet, c'est inacceptable parce que de 1, tu n'as pas besoin de les chercher, ils seront constamment dans ta gueule tout le temps, et de 2, ça vient en plus de la mocheté et du lag. Ces trois défauts sont presque suffisants à eux seuls pour qualifier ce produit d'arnaque pure et simple. C'est du niveau d'amateurisme qu'on retrouve dans des jeux flash des années 2000. En fait, ce que votre cerveau limité n'arrive pas à comprendre, c'est que des jeux comme Épée, Arceus ou Violet sont inacceptables à cause du contexte qui les entoure. Et je vais encore faire une analogie pour que ça soit limpide pour les escargots aux réanimations que vous êtes. Si tu surprends un SDF en train de voler une baguette dans la rue, tu vas sûrement te dire qu'il doit mourir de faim, qu'il peut pas s'acheter ça, bref, tu vas pas trop lui en vouloir. Par contre, si tu surprends quelqu'un de riche au hasard, Macron par exemple, voler une baguette, bah tu vas probablement être en colère parce que cette personne a les moyens de s'acheter 15 boulangeries avec son argent de poche, donc pourquoi voler un produit pareil à quelqu'un de beaucoup moins fortuné? Eh bien là, c'est le même principe. Si Violet était un jeu indé fait par deux mecs au RSA et vendu à 15 balles, ça serait carrément pas dégueu. Ça serait pas un bon jeu, mais personne ne serait outré parce que le contexte qui l'entoure fait que le produit final est acceptable. Or, Pokémon est la licence de jeux vidéo la plus lucrative au monde qui fait des chiffres astronomiques rien que sur les jeux, sans même
même prendre en compte la montagne de produits dérivés. Game Freak n'est pas non plus un petit studio, ils ont plus d'une centaine d'employés, en sachant que certains de vos jeux préférés ont été développés avec des effectifs bien moindres. Et surtout, ce n'est ni le premier jeu Switch qui sorte, ni le premier jeu en zone ouverte. Quand Let's Go est sorti et que c'était de la merde, tout le monde a dit « Oh bah c'est pas grave, c'est pas un jeu de la série principale !» Quand Épée est sorti et que c'était de la merde, tout le monde a dit « Oh bah c'est pas grave, c'est le premier vrai jeu Pokémon sur Switch, ça sera mieux après !» Quand Arceus est sorti et que c'était un crime contre nos yeux, tout le monde a dit « Oh bah c'est pas grave, on joue pas à Pokémon pour les graphismes !» Et maintenant, quand Violet sort, tout le monde justifie son état en disant que Game Freak n'avait pas le temps et que c'est pas grave et qu'on s'est habitué et que c'est quand même fun et que tout c'est un rageux, blablabla. Et si tu fermais ta gueule ? Parmi la myriade de choses qui m'insupportent chez les fans de Pokémon, on retrouve cette tendance à justifier n'importe quel défaut en disant « Bah c'est pas grave, on joue pas à Pokémon pour ça !» Quand l'histoire est à chier, d'un coup on ne joue pas pour le scénario, très ironique d'ailleurs quand tu vois que la plupart des fans de game se vantent de leur scénario parce que leurs développeurs n'ont pas les compétences pour faire quelque chose de plus intéressant. Quand les graphismes sont à chier, d'un coup on ne joue pas pour les graphismes. Quand la difficulté est inexistante, d'un coup on prétend que ça rend le jeu accessible, comme si Pokémon n'était pas déjà assez accessible depuis très longtemps et comme si être accessible impliquait n'avoir aucun challenge. Et quand l'intégralité du jeu est à chier, l'excuse devient « bah on s'y habitue ». Eh bien, laissez-moi vous dire un truc. En disant qu'on s'y habitue, vous admettez totalement que ces défauts sont là, donc au final, les critiques ont raison. C'est de la merde. Voilà, débat terminé, merci, au revoir. Et je sais que plein de gens vont me dire « Oui, mais c'est pas de la faute de Game Freak, c'est Pokémon Company qui les force, blablabla. » Écoutez, je m'en branle du fautif, sincèrement. Pourquoi ? Parce que peu importe qui est responsable, c'est nous, les consommateurs, qui en subissons les conséquences. Ça fait un petit moment que les fans défendent Game Freak, et je vais pas dire que tout est de leur faute, mais il faut arrêter de faire comme si c'était des putains d'otages. Game Freak a aussi son mot à dire sur beaucoup de choses, et ils ont montré maintes et maintes fois leur incompétence en développement, en innovation et en game design de manière générale. Ils n'ont pas les pleins pouvoirs, certes, mais tout le monde fait comme si c'était enfermé dans le sous-sol de Pokémon Company à trimer comme des petits chinois payés en lance-pierre pour sortir la 14e génération en 2024. Non, c'est faux. Ils ont tellement de liberté qu'ils se permettent de diviser leurs effectifs pour sortir des jeux en dehors de la licence Pokémon. Au bout d'un moment, il faut arrêter les conneries. Vous savez pourquoi vous sortez cette excuse à tout bout de champ? Parce qu'en réalité, vous n'arrivez pas à accepter que le jeu auquel vous venez de jouer est merdique, et par conséquent, vous vous cachez derrière l'idée que c'est bien pour ce que c'est et que les développeurs ont fait de leur mieux, au lieu de simplement avouer que c'est de la diarrhée explosive vendue à 60€. Un jour, il s'agirait d'arrêter de confondre une explication avec une excuse, et je vais aller un cran plus loin et crucifier une fois pour toutes cet argument de merde. Soyez honnête, ça vous est déjà arrivé de vous moquer des jeux sortis dans un état lamentable? Typiquement Mass Effect Andromeda, Assassin's Creed Unity, Cyberpunk, Sonic 2006. Si c'est le cas, vous êtes officiellement un hypocrite. Félicitations. Quand on creuse un peu, on voit que derrière tous ces jeux se cachent des développeurs qui ont sué pendant des mois pour les sortir dans un état stable en respectant les deadlines et les diverses demandes farfelues de la part des mecs en costard. C'est ce que j'ai réalisé en regardant un documentaire sur le développement de Sonic Boom Rise of Lyric, un jeu qui s'est fait chier dessus par absolument tout le monde et qui à la base devait sortir sur les plateformes Next Gen de l'époque avant que Sega ne passe un deal avec Nintendo pour sortir des jeux exclusivement sur Wii U et 3DS. Les développeurs ont donc dû tout changer et les résultats furent désastreux. Où est-ce que je vois venir avec tout ça? Eh bien, je vois pas pourquoi ça serait acceptable de se torcher le cul avec les mauvais jeux de n'importe quelle licence, mais quand Pokémon sort une poubelle fumante, vous êtes tous là à protéger Game Freak et leur trouver des excuses de plus en plus éclatées. La seule raison pour laquelle tout le monde défend cette abomination, c'est parce qu'il a Pokémon sur la jaquette. Littéralement. Vous n'auriez aucun scrupule à insulter un jeu aussi mauvais et pas terminé si c'était pas Pokémon. Autrement, j'imagine que vous regarderiez toujours mes vidéos si je les postais en 240p avec un micro qui grésille ou qui coupe un écho de malade et des bugs de rendu. T'inquiète, c'est habitué. Et ce serait toujours un meilleur produit que ce jeu de merde parce qu'au moins c'est gratuit. Quant à Game Freak, j'en ai assez de leur faire confiance et de leur donner des chances. Ils en sont à leur quatrième jeu Pokémon sur Switch et devraient donc maîtriser la console sur le bout des doigts. Ils ont déjà fait un jeu avec de grandes zones ouvertes. Ils ont déjà fait un jeu avec des Pokémon qui se baladent sur la carte. Le moteur de combat est le même que dans Épée Bouclier sorti en 2019. Ils ont déjà cramé au moins un, voire deux jokers concernant les graphismes. Et pourtant, à chaque fois, c'est de pire en pire. Moi, j'ai déjà arrêté de leur faire confiance après ce désastre-là, mais je peux comprendre que certains soient restés optimistes. Néanmoins, après autant d'échecs de suite, ce n'est plus possible. J'ai vu beaucoup de monde dire qu'ils pardonnent les défauts du jeu parce qu'ils voient que Game Freak cherche à aller dans la bonne direction. Sauf que, les gars, ça fait 3 jeux d'affilée que vous dites ça. Tout le monde disait qu'Arceus était le meilleur jeu Pokémon si on ignore ses graphismes, et maintenant vous dites que Violet est le meilleur jeu Pokémon si on ignore sa technique et ses visuels. Comment voulez-vous que je vous prenne au sérieux avec un niveau d'intelligence aussi abyssal? Dans quelques années, quand la 10e génération sera tout aussi exposée que les deux précédentes, vous direz exactement ce que vous dites maintenant, mais en augmentant le nombre de 1. C'est accablant. À chaque fois, vous dites que c'est une alpha du prochain jeu qui sera une turbo masterclass sa mère. Eh bien, qu'est-ce que ça fait d'avoir déjà payé 180 balles pour 3 alphas, hein? Il n'y a que les fans de Pokémon qui sont à ce point-là dans le déni concernant leur jeu. Personne dans la commune Megaman n'idolâtre les mauvais opus de la série. Les fans de Sonic sont les premiers à cracher sur le jeu de leur licence, et ainsi de suite. Mais les fans de Pokémon pourraient défendre le vomi de Masuda sur leur propre visage tellement ils sont aveuglés par la nostalgie et la mauvaise foi. Et peut-être pour le vomi en question aussi. En résumé, arrêtez d'être des putains d'attardés.
Et comme tu es fini à la bite, bah désolé Pokémon Éclat et Violet, mais tu as... raté ton job. Bon du coup là j'ai lâché mes 4 vérités sur les fans, maintenant il est temps de le faire sur le jeu aussi. Parce qu'après tout, pour avoir autant de défenseurs, les autres aspects de Violet doivent être génialissimes, non ? Les environnements de ce jeu sont génériques au possible. Énormément de plaines, quelques forêts qui rament à mort, un canyon, quelques zones montagneuses et un pic enneigé. Que des environnements vus et revus pour la plupart. Il y a des lieux un peu plus cool, comme la forêt de bambou ou encore la zone automnale près du lac. Mais les nombres sont très réduits. J'ai aussi trouvé certaines transitions entre les zones sympathiques comme la neige qui commence à tomber pendant notre ascension de la grande montagne. Le problème principal vient du fait que chaque lieu est monocorde et n'a pas de personnalité au-delà de sa base. Il y a plein d'exemples d'endroits qui mélangent plusieurs choses, genre la route 110 à Hoenn qui est un chemin entouré d'eau et surplombé par une piste cyclable, pareil pour la route 206 de Sinnoh, la route 6 de Kalos qui est une grande allée où vous pouvez aller explorer sur les côtés, et j'en passe. Paldea, c'est juste des grandes zones vides avec une texture de couleurs différentes. On notera aussi une présence extrêmement réduite de grottes et aucun donjon à proprement parler, un truc que même Arceus possédait. Mais contrairement à ce dernier, le level design semble avoir été beaucoup retouché à la main et pas généré par un algorithme. Quand on explore, on voit que les objets, et notamment les CT, ont été placés à des endroits plus éloignés, cachés ou difficiles d'accès, ce qui est toujours un plus. Mais par contre, ce qui flingue cet open world, en dehors de sa mocheté et de son lag bien sûr, c'est qu'il est vide. Game Freak sont tellement incompétents que même 4 ans après leur premier jeu sur Switch, ils ne savent toujours pas comment faire apparaître les Pokémon à plus de 5 mètres du joueur. Et ce défaut s'étend aussi à certains détails des zones, comme les herbes augmentant encore plus la sensation de vide. Et puis évidemment, le problème s'accentue encore plus quand vous êtes sur votre monture et encore plus quand vous accélérez. Ce n'est pas rare du tout de voir un Pokémon apparaître au même niveau que vous, et comme les hitbox sont assez imprécises, il vous arrivera de rentrer dedans sans faire exprès, déclenchant un combat. Les Pokémon n'ont toujours pas de comportement unique, même si certains d'entre eux essaieront de vous prendre au piège, mais ça reste extrêmement rare et c'est très mal animé. Cependant, ça leur arrive de spawn en groupe avec un leader qui sera la forme évoluée. Sauf que ce leader est exactement au même niveau que le reste du groupe alors qu'il aurait pu être plus fort. Et c'est toujours la même chose pour chaque groupe de Pokémon. Décevant. Le remplacement des Pokémon Baron d'Arceus semble être les Pokémon Terra qui se baladent avec une lueur visible de très loin et qui sont très haut niveau comparé au reste. Sauf qu'évidemment, comme ce jeu n'est pas Arceus et qu'il a jeté la plupart de ses bonnes idées à la poubelle, le résultat n'est pas le même. Vu qu'il n'y a plus de mécanique de PV pour le dresseur lui-même et que les Pokémon ne l'attaquent plus, il n'y a aucune sensation de danger puisque vous pouvez juste ignorer ces Pokémon et passer à côté sans le moindre souci. De même, on ne peut plus capturer de Pokémon sans lancer un combat. J'ai vu des gens défendre ça en disant qu'Arceus se passe des centaines d'années dans le passé et donc c'était plus dangereux avant, mais aujourd'hui ce n'est plus le cas. Et je cherche encore le rapport. Il n'y a aucune corrélation entre la période à laquelle le jeu se passe et le fait de pouvoir lancer une Pokéball vide sur un Pokémon. Aucune. Et le fait de pouvoir se faire attaquer par les Pokémon sauvages rajoutait une profondeur au gameplay qu'on n'avait pas avant, parce qu'on devait vraiment faire attention à ce qui nous entourait et à se cacher si besoin. Même si c'était loin d'être parfait, on avait beaucoup plus l'impression de chasser des Pokémon. Alors que dans Violet, on n'en a plus rien à foutre. Ils ne représentent aucun danger et peuvent être entièrement ignorés. Quel downgrade. Et histoire de bien briser l'immersion, la manière dont les Pokémon spawnent est à chier. Ici, je m'engage au bord de la falaise et vous voyez qu'il y a ces Pokémon ici, que j'esquive. Je me rends compte qu'il n'y a rien, je fais demi-tour et... coucou. Il y a des chevrooms qui ont une spawn derrière moi, comme ça. Les spawns sont réinitialisés trop souvent, cassant toute sensation d'immersion, un aspect qui semble être tellement cher aux fans de Pokémon alors que ça n'a jamais été un argument pour quoi que ce soit. Les Pokémon sauvages sont d'ailleurs toujours actifs, dans le sens où ils vont vous repérer et vous fuir, ou au contraire, foncer sur vous, même quand vous êtes dans un menu ou en plein combat. Ce qui donne des situations stupides où un Pokémon sauvage arrive à l'écran et disparaît complètement parce qu'il n'a rien à foutre là. Ne vous méprenez pas, c'est sympa de voir que les créatures continuent à vivre, si on peut appeler ça vivre, indépendamment de nous. Mais là, c'est juste ridicule. Le pire, c'est qu'on voit constamment ce problème étant donné que le menu est translucide. Sans parler de quand ils spawnent sur les pentes, alors là, c'est la fête. Une catastrophe de A à Z. Tant qu'on est sur le sujet des Pokémon, j'aimerais parler d'eux en particulier. Je ne vais pas faire un débrief du Pokédex comme avant parce que j'ai beaucoup mieux à faire et parce que j'ai pas aimé un paquet de Pokémon. Vraiment, Flabigator devrait être exterminé par le feu, sauf qu'il est déjà type feu et il est déjà mort. En fait, ceux que j'ai le plus aimés sont basés sur les designs existants comme les paradoxes ou les nouvelles évolutions. Mais bon, ça c'est subjectif et d'ailleurs je vous recommande de regarder ma vidéo sur ce sujet qui est toujours vrai à 100%, n'en déplaise aux déchets condescendants qui m'ont qualifié de relativiste ou je ne sais quoi, c'était leur façon à eux de mettre une étiquette sur le front et donc de se donner une raison pour ne pas m'écouter.
Bref, ce qui m'a un peu surpris et déçu avec ce Pokédex, c'est pas tant les designs individuels de chaque Pokémon ou leurs capacités en combat, mais plutôt les lignes évolutives en elles-mêmes. Par exemple, il y a 3 familles différentes de chiens qui évoluent une fois. 3. Et j'ai souvent trouvé que leurs évolutions étaient juste une version plus grande, et encore, du précédent. Genre Vrombi et Vrombotor ou Brio Chien, mais ça se voit surtout avec la famille de Pomme. Pomote, c'est juste Pomme, mais debout, et Pommarmotte, c'est Pomote avec un peu plus de fourrure. Ou pour prendre le meilleur exemple du jeu, on a Virovant qui évolue en Virvoreur, et c'est juste la même chose en plus grand. Et je viens de vous mentir dans les yeux, car j'ai inversé les deux. Mais je suis sûr qu'une grosse partie d'entre vous n'y ont vu que du feu. Et ne me remerciez pas de vous avoir rappelé l'existence de ce truc. Sans déconner, avant de le combattre, quand je le voyais dans les zones sauvages, je croyais que c'était un élément du décor. Parenthèse design fermé, mais ce que je voulais vraiment dire, c'est que beaucoup de Pokémon de Paldea sont minuscules. En fait, ils sont tous à échelle humaine, comme s'ils avaient été créés pour être des animaux de compagnie. En comparaison, les Pokémon plus anciens sont beaucoup plus imposants, même les pré-évolutions. Et ça peut devenir un problème au sein de l'open world, parce que la taille des Pokémon influe beaucoup sur leur visibilité. Les monstres dans les autres JRPG sont très grands, même les plus petits font souvent la même taille que votre personnage, mais ici, c'est parfois dur de voir sur quoi tu es tombé tellement certains sont rikiki. Peut-être que le problème est moindre si vous jouez sur un grand écran, parce que oui, contrairement à ce que prétendent certains déformateurs de la réalité, la Switch n'est pas une console portable, mais hybride, mais si vous jouez en portable, bah bonne chance. Mais cette remarque vaut pour tous les Pokémon de petite taille. Autant je suis content que chaque Pokémon soit à taille réelle, autant ça devient un problème dans un jeu open world avec une caméra aussi large, et tu te retrouves avec des zones vides avec plein de petites merdes qui se baladent sans que tu saches exactement ce que c'est avant de approcher de très près. Je fais un aparté sur les dresseurs car eux aussi ont subi les conséquences du développement de ce jeu. Déjà, quand on leur parle, il arrive que la caméra dézoome au lieu de zoomer sur nous et l'adversaire. Elle devrait faire le contraire, mais comme ce jeu a été programmé par un macaque sous LSD, on a ce genre de bug. Et deuxième point, les dresseurs n'ont que quelques poses différentes qui sont recyclées tout le temps, indépendamment de l'âge ou de la taille de la personne. C'est un problème que Game Freak a esquivé dans Épée grâce aux transitions entre la map et les combats qui sont absentes ici. Sans parler des expressions faciales de psychopathe que tout le monde fait. Même les dresseurs normaux sont moins bien que dans d'autres jeux, c'est chaud. Et là, après avoir entendu tout ça, vous allez dire « Oui, mais c'est innovant, gna 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 !» J'en ai ras le cul de ce pseudo-argument. Répétez après moi. Être différent ne veut pas dire être bien. Encore une fois. Être différent ne veut pas dire être bien, espèce de putain de ver de terre. L'innovation en elle-même est une bonne chose, mais ce n'est pas une qualité. Ce qui importe, c'est l'exécution. Si quelque chose est innovant, mais que c'est mal fait, bah déso pas déso, c'est un défaut. C'est ça que les gens sur internet, de manière globale, ne comprennent pas. Ce qui prime, c'est l'exécution, pas le fait que ça soit différent de ce qu'il y a eu avant. Mais vu que vous êtes incapable de le comprendre, vous rejetez la faute sur ceux qui critiquent les jeux qui innovent. Oh là là, Game Freak tente d'innover la formule, mais se fait critiquer par des fans ingrats, tu m'étonnes que la série stagne. Sauf que c'est pas l'innovation qu'on critique, c'est l'exécution. De cette innovation, la manière dont elle a été faite. Je ne suis pas opposé à ce que la formule change, bien au contraire, je suis le premier à dire qu'elle devrait évoluer. Mais si ces nouvelles choses sont anecdotiques ou carrément mal branlées, je ne vais pas aller sucer la bite de Masuda en le félicitant d'avoir tenté un truc. Non, je vais dire que c'est à chier, parce que c'est la réalité. L'argument de l'innovation est utilisé soit pour excuser des défauts, soit pour rejeter la faute sur les joueurs mécontents. Mais peut-être que ces joueurs seraient satisfaits si le produit qu'on leur vendait atteignait au moins le seuil de la médiocrité. Manque de bol, on est bien en dessous. Et puis il y a la nouvelle fonctionnalité qui remplace la Poké Récré et le Poké Camping, le pique-nique. Vous pouvez installer une table sur n'importe quelle route et jouer avec votre équipe ou faire un sandwich. C'est un mini-jeu où vous devez choisir des ingrédients puis les placer sur une tranche de pain en essayant de faire en sorte que ça tienne. Après l'avoir mangé, vous aurez divers bonus similaires aux auras dans les anciens jeux. Plus des Pokémon d'un certain type, plus d'expérience, plus d'œufs et j'en passe. Beaucoup de gens ont taclé l'animation au manche de sandwich, à juste titre d'ailleurs, quand on voit ce que d'autres jeux sont capables de proposer sur la même putain de console. Mais j'aimerais aussi parler de la mocheté des ingrédients. Je rappelle que sur Wii U, on avait le droit à ce genre de texture et des années plus tard, sur Switch, on a cette merde. Mais c'est encore une fois de la faute au singe de Game Freak qui, pour je ne sais quelle raison, ne fait pas disparaître les éléments qu'on voit hors champ. Ici, on voit que mes Pokémon continuent à courir autour de la table, ce qui veut dire que le jeu ne les enlève pas le temps du mini-jeu. Donc forcément, ça prend des ressources, et donc c'est pour ça qu'on a le droit à des textures baveuses et des éléments tellement polygonés que ça rivalise la PS2. Et concernant les bonus octroyés par les repas, ils sont négligeables dans le cadre de l'aventure principale et seront surtout utiles aux Shiny Hunter. Je n'ai pas fait un seul sandwich au cours de ma partie et ça n'a rien impacté. Mais j'aurais peut-être dû, car parfois le jeu fait spawn un petit dessert que vous pouvez manger pour mourir instantanément. Damn, mazapan.
Mais ce système de pique-nique remplace également la pension. En fait, lorsque vos Pokémon sont sortis, ceux qui sont compatibles entre eux ont une chance de copuler toutes les minutes et donc de produire un œuf qui sera d'ailleurs envoyé dans votre PC même si votre équipe a de la place. Je trouve que ce système est inférieur à la pension. Déjà, vous n'avez pas vraiment de contrôle sur quel Pokémon va baiser avec qui, sauf si vous retirez toute votre équipe sauf les deux que vous voulez. Ensuite, comme je l'ai dit, c'est une chance toutes les minutes. Or, avec la pension, c'était avec un système de pas, donc le palier pouvait être franchi bien avant une minute. Donc c'est plus long et vous ne pouvez rien faire d'autre que poireauter en tant que vos monstres décident de passer l'action. Le défaut de la pension, c'est qu'il fallait s'y rendre alors que si, vous pouvez le faire n'importe où. Mais c'est largement compensé par le fait que vous pouviez facilement contrôler qui se reproduit et aller faire autre chose pendant ce temps. Ici, vous ne faites absolument rien et vous devez vider votre équipe à chaque fois. J'ai mis 12 minutes à avoir un œuf de mon starter. 12 putains de minutes à poireauter comme un abruti le temps que mes Pokémon décident de se soulever dans les hautes herbes. Bref, ne vous habituez pas à m'entendre dire cette phrase, mais c'était mieux avant. Étant donné qu'on parle de l'open world, parlons aussi de notre monture qui possède les mêmes capacités que les montures d'Arceus, juste en moins bien. Ultirbo vous permet d'aller plus vite, comme avec Serbilin, sauf que faire demi-tour déclenche un énorme drift. En soi, c'est pas un problème et le détail est sympa puisque c'est une moto, mais ça fait perdre du temps tout en augmentant nos chances de rentrer dans un Pokémon minuscule que vous avez pas remarqué, en plus de fractionner le framerate déjà bas. Le vol a aussi été grandement nerf car il ne dure que quelques secondes, après cela vous retombez comme une pierre. Je pense qu'ils ont fait ça pour éviter qu'on traverse toute la map en volant. Rien à dire sur Surf si ce n'est que le jeu agit bizarrement dans certaines conditions. I'm under the water. Please help me. Et finalement, l'escalade qui est un peu capricieuse. Normalement, si vous sautez et qu'il y a un mur devant vous, la monture va s'agripper à lui et monter, mais les contrôles sont beaucoup moins précis qu'avec Farfurex et parfois il va se remettre en forme moto sans vraie raison. C'est fonctionnel, mais moins bien programmé que dans le jeu d'avant. Et ça, c'est purement visuel, mais je trouverais ça toujours débile comment Koraidon n'utilise pas ses roues pour se déplacer, alors que Miraidon si. Finalement, ce qui rend Paldea aussi fade, c'est un truc que j'ai évoqué dans mes vidéos sur Arceus et Sonic Frontiers, il n'y a pas de point d'intérêt qui ressortent. Par exemple, dans Sonic, vous voyez des structures énormes au loin, des choses qui ressortent de l'environnement et qui vous attirent naturellement vers eux. Tandis que dans Arceus et maintenant Violet, il n'y en a pas. C'est juste une plaine, c'est juste un canyon, c'est juste une montagne enneigée, paysage qu'on retrouve Cassino je rappelle. Il n'y a rien d'intéressant à voir. La seule fois où j'ai eu la sensation d'avoir découvert un truc, c'est quand je suis tombé par hasard sur l'un des sanctuaires des légendaires. C'est la seule et unique fois où le jeu m'a fait me sentir récompensé d'explorer son univers. D'ailleurs la civilisation en dehors des villes est inexistante, il n'y a pas une seule maison, pas de cabane, pas de campement, pas de manoir, rien du tout. Ah si, il y a des tours copier-coller dispersées un peu partout. Waouh, truc de fou. Imaginez si on avait des ruines, une forteresse, un château ou une ville fantôme à explorer. Le seul intérêt de l'exploration, c'est pour ramasser des objets qui sont parfois très nombreux dans une zone toute petite et vous pouvez en avoir tellement qu'aller en magasin sera inutile. Et puis vous aurez des CT dont je reparlerai, mais sinon la récompense s'arrête à peu près à ça. Du pur gâchis. La région de Paldea aurait pu s'en sortir mieux si l'open world s'arrêtait à ça. Mais malheureusement, il y a des villes. Et putain, les villes de ce jeu sont un désastre. D'abord, je vais commencer par le positif en disant que leur design visuel est joli et varié, ainsi que leur agencement. Voilà, c'est tout, le positif s'arrête ici. Déjà, ça rame tout le temps, surtout dans les plus grandes, mais ça encore, vous devriez y être habitué. Non, ce qui brise le peu de crédibilité qu'elles avaient, c'est les PNJ. Les villes sont toutes peuplées de robots qui marchent de la même manière sans but précis, avec parfois des Pokémon derrière eux et parfois devant parce que je soupçonne qu'il la spawn plutôt que son dresseur. Ces PNJ mobiles spawnent à des distances ridicules, ne réagissent pas aux joueurs, et surtout, dès que vous êtes à plus d'un mètre d'eux, leur FPS chute pour économiser de la mémoire. Regardez à quel point je dois m'approcher pour que leur animation soit à la bonne vitesse. Ils vont aussi disparaître quand on s'éloigne de leur point de spawn pour ensuite reprendre leur existence quand on revient. Je ne peux même pas dire que c'est du cache-misère parce que je ne vois que de la misère là-dedans. Et les Pokémon qui les suivent sont souvent les mêmes à chaque fois. Ah bah c'est bien Game Freak, super pour la variété, génial, hein, ton jeu c'est de la chiasse, c'est pas grave hein. Et le peu de PNJ avec qui vous pouvez parler ne disent qu'une phrase bateau comme souvent. Game Freak a fait un système de bulles de couleur et les bulles jaunes indiquent les PNJ qui ont quelque chose d'intéressant pour vous. C'est super, maintenant on peut ignorer tout le monde dans les villes sans conséquence parce qu'on sait exactement à qui parler. Mais le clou final dans le cercueil, mesdames et messieurs, c'est les maisons. Je vais revenir sur un truc que j'ai dit auparavant, le fait que c'était un défaut que chaque maison soit la même à l'intérieur. En vrai, ça a quasiment toujours été le cas dans la série, même si dans les jeux 2D, les éléments en intérieur étaient souvent réarrangés. Mais dans les jeux comme Épée ou Arceus, les intérieurs étaient tous identiques et c'est dommage, mais c'est pas un défaut propre aux jeux récents. Cependant, Game Freak a esquivé entièrement le problème dans Violet car il n'y a tout simplement plus de maisons. Les seuls intérieurs modélisés, c'est le coiffeur et quelques maisons liées au scénario. Personnellement, je ne trouve pas que c'est une si grande perte que ça, car dans tous les cas, les développeurs n'exploitaient quasiment pas ces intérieurs. Mais ça montre qu'ils ont fait des sacrifices dans tous les endroits qu'ils pouvaient. Alors comment ont-ils comblé ce manque d'habitation? Eh bien, vous savez comment dans certains jeux à partir de XY, il y a une boutique de vêtements dans chaque ville? Bah, ils ont pris cette boutique et ont étalé son contenu sur plusieurs magasins dans la même ville. Genre, il y a des magasins qui ne vendent que des chaussures, d'autres ne vendent que des sacs. Et il n'y a plus de pantalons ou de t-shirts car vous avez toujours
toujours votre uniforme scolaire sur vous, qui a 4 variantes par défaut. C'est de la grosse merde. Non seulement il a moins de customisation, mais le processus est rendu pénible parce que vous devez trouver la boutique qui correspond aux vêtements que vous voulez, y aller, et s'il n'y est pas, vous devez aller en chercher une autre. Ah, parce que oui, il y a parfois plusieurs boutiques qui vendent le même type de vêtements dans la même ville, et sachant que le jeu rame en permanence, putain. Et c'est la même chose pour les restaurants et les magasins d'ingrédients pour les sandwichs. En gros, les villes sont devenues des galeries commerciales mal agencées, en plus d'être peuplées par des bots qui ont des capacités de camouflage. Pathétique et lamentable. Donc, encore une fois, Pokémon Écarlate et Violet, tu as raté ton job. Après avoir entendu tout cela, vous devez vous dire qu'il y a déjà beaucoup de problèmes dans ces jeux. Mais si je vous disais que c'est même pas ça qui a ruiné mon expérience personnelle? Non, c'est pas l'open world mal codé et dégueulasse, ni les pseudo-villes éclatées, ni les bugs d'éclairage ou d'animation. Non, c'est les combats. Ce jeu est le diamant et perle des Pokémon 3D en termes de combat, et vous savez pertinemment que c'est tout sauf un compliment. Mais tout comme dans les combats de Gen 4, il y a des choses rapides qu'il ne faut pas négliger. Déjà, l'envoi de notre Pokémon face à un sauvage a été totalement supprimé, il y a toujours l'animation du rugissement, mais notre Pokémon est déjà présent sur le terrain juste après. C'est l'amélioration la plus positive que j'ai constatée. Ensuite, la navigation de l'interface est ultra rapide, et il n'y a pas trop de latence entre la sélection d'une attaque et son exécution. En fait, tout ce qui est lié aux capacités elles-mêmes est rapide. Mais tout comme pour les villes, mes louanges s'arrêtent ici. Tout le reste est pire. Tout. En fait, ce qui flingue tout le rythme, c'est cette espèce de temps de latence entre chaque message et chaque événement du combat qui n'est pas une attaque. Genre l'activation des talents, les boosts de stats, les statues ou les dégâts liés à la météo pour ne citer que ça. Mais il est à son paroxysme au moment où on change de Pokémon ou lors de l'utilisation d'un objet. Dans ce jeu, il faut 10 secondes au total pour switcher de Pokémon entre l'instant où on confirme notre choix et l'instant où la suite du combat arrive. 10 secondes de vide. Et j'ai fait la comparaison avec Épée ainsi qu'Emeraude, histoire d'avoir un jeu 3D récent et un vieux jeu. Eh bien, dans Emeraude, ça prend 5 secondes, et le temps peut légèrement varier en fonction de l'animation d'entrée du Pokémon. Mais globalement, c'est 5 secondes. Et dans Épée, ça en prend 7. Donc déjà, objectivement, la Gen 9 est plus lente. Sachant que cette latence est la même lorsqu'on utilise un objet. Je soupçonne que le problème vient de la caméra libre durant les combats. En gros, pendant les combats pas importants, genre des sauvages ou des dresseurs random, vous pouvez bouger librement votre caméra, et généralement, la seule fois où vous en perdez le contrôle, c'est quand vous tentez une capture. Le reste du temps, vous pouvez la bouger comme bon vous semble, et ça se répercute négativement sur le reste. Je pense que le temps infernal que prend un changement de Pokémon ne vient pas d'un quelconque souci technique, mais plutôt parce que Game Freak ne voulait pas que l'animation du dresseur soit bizarre. Et ça se voit ici. Il attend bien que les VFX de la Pokéball s'arrêtent, la remet dans sa poche, se remet en position neutre, puis sort une autre Pokéball et la jette. Ça prend énormément de temps, mais ça ne peut pas vraiment être raccourci. Enfin, si, parce qu'il pourrait ne pas se remettre en position neutre, par exemple, et sortir une Pokéball en même temps qu'il remet l'autre dans le sac. Mais ça demanderait beaucoup trop de travail d'animation à ce petit studio indépendant de 15 employés, n'est-ce pas ? La solution la plus évidente serait tout simplement de fixer la caméra de manière à ce qu'on ne voit pas l'animation au complet, laissant aux développeurs l'opportunité de la raccourcir. Et je ne vois pas pourquoi ils ne le font pas s'ils prennent déjà le contrôle de la cam quand on capture un Pokémon. Ah si, je sais pourquoi, ils sont incompétents. Mais c'est pas la réponse que vous aimeriez entendre, mes chers petits soldats défenseurs. Je soupçonne aussi que c'est à cause de ça que certaines animations d'attaque sont devenues moches ou nulles comparées à avant. Genre, regardez Rapace en Gen 6, c'est stylé et tout, et maintenant, voici Rapace en Gen 9. Ouais. Dans Arceus, on pouvait aussi bouger la cam ainsi que le perso librement, et pourtant chaque animation avait beaucoup de punch, surtout pour les capacités physiques où on voyait l'attaquant se déplacer vers sa cible. Et bah là, c'est un retour en arrière. J'espère que vous avez bien profité de la fluidité de ce jeu, parce qu'il a totalement disparu dans le suivant. Je reviens sur cette fameuse latence pour vraiment vous faire comprendre à quel point c'est grave. Parce que oui, certains vont défendre ça en disant que c'est juste 3 secondes de plus, c'est pas la mort! Réponse déjà éclatée par défaut, car non seulement ça ignore tout le contexte de mon argument, mais en plus ça ignore le fait que le temps s'additionne au fur et à mesure du combat. Mais bon, passons. Donc, durant le combat contre la boss de la Team Star, Nefli, je me suis retrouvé dans la sauce parce que sa star mobile était la plus pétée du jeu. Elle booste son attaque et sa vitesse d'une traite, et si tu la touches avec un attaque physique, sa défense monte d'un cran aussi. Et si comme moi, vous comptiez la battre avec un type fée, bah elle a une attaque acier pour contrer ça. Le seul truc qui m'a sauvé, c'est le fait qu'après cette fameuse attaque, sa vitesse baisse, me laissant une chance d'attaquer en premier avec le prochain Pokémon. Ma seule stratégie possible pour gagner, c'était de ressusciter en boucle Nymphali et de l'envoyer à la mort jusqu'à ce que la vitesse de la star mobile soit assez basse, puis la taper. Le combat a duré à peine plus de 10 minutes au total, et je me suis dit que ça serait marrant de calculer combien de temps j'ai passé à attendre les changements de Pokémon. Juste les changements, pas l'utilisation d'objets ni quoi que ce soit d'autre que je considère lent. Sur 10 minutes de combat, j'ai passé 1 minute 7 secondes à regarder mon dresseur switcher de Pokémon. 1/10 du combat.
Sachant que si c'était aussi rapide qu'Emeraude, ça aurait duré environ 30 secondes et sur épée bouclier, ça en aurait duré environ 47. Et je sais qu'une fois de plus, certains d'entre vous ne seront pas convaincus, mais vous savez à quel point c'est long une minute de vide? Non, vous savez pas, donc je vais vous le montrer. Je tiens à rappeler que c'est sans les entretours qui prennent des plombes, genre le poison, et sans l'utilisation des objets. Ça, c'est parce que j'ai la flemme de le calculer. Et comme je le dis avant, ceux qui ne sont pas dans le déni sont déjà convaincus, et ceux qui le sont le resteront quoi qu'il arrive. Le problème avec ceux qui trouvent ça acceptable, c'est qu'ils ne se rendent pas compte d'à quel point on peut optimiser et fluidifier les combats au tour par tour. Des exemples, il y en a à l'appel, bordel. J'ai même fait une vidéo à ce sujet qui est toujours très d'actualité. Si vous jouez qu'à Pokémon, vous pourriez penser que c'est correct, qu'il n'y a pas grand chose à critiquer, mais à la seconde où vous jouerez à un autre RPG récent et que vous mettrez de côté votre mauvaise foi titanesque, vous verrez que les combats de Pokémon sont un gros tas de sconces fumants et qu'en réalité, vous ne faisiez que les tolérer depuis le début parce que vous y êtes habitué. Je ne dis pas que vous n'avez pas le droit d'aimer ce système de combat tel qu'il est, mais prétendre qu'il ne devrait pas être amélioré, ne serait-ce qu'en termes de fluidité, c'est d'une débilité consternante et ne fait que montrer votre culture vidéoludique inexistante. Sincèrement, je vous mets au défi de trouver un RPG au tour par tour sorti dans les 15 dernières années qui n'a pas été fait par Game Freak avec un système de combat plus rigide et chiant que celui-là. Bonne chance. Même Gen 4 Demake est meilleur sur ce point-là. Oui, ce jeu est tellement nul à chier que je me retrouve à complémenter cette escroquerie honteuse. Et les pauses ne s'arrêtent pas là, et je sais que c'était un problème dans les autres jeux, mais ici c'est plus grave. Quand plusieurs stats montent d'un coup, vous aurez l'animation du boost en même temps que le message de la première stat qui monte, puis on aura un autre avec l'autre stat, et ainsi de suite. Et pendant ce temps, il ne se passe rien. Idem pour quand une attaque rate, on a juste une pause d'une seconde, puis le message s'affiche, puis encore une pause, et après on reprend le combat. Et du coup, t'as les deux Pokémon qui se regardent pendant plusieurs secondes tels des zombies. Je me faisais tellement chier durant les combats de ce jeu que j'étais constamment sur mon téléphone et parfois j'évitais d'utiliser un objet de son exprès pour ne pas rallonger ma torture. Je sais pertinemment que certains n'ont pas été dérangés par ça, mais encore une fois, c'est uniquement parce que vous y êtes habitué. Le truc, c'est que moi aussi je suis habitué aux combats de la série et c'est ce qui rend ce défaut encore plus inacceptable. Pour moi, ça a été un véritable purgatoire et c'est la raison principale pour laquelle je n'ai pas envie de retoucher à ce jeu. Mais ok, supposons que j'exagère, supposons que c'est vraiment pas si mal, donnons autant de bénéfices du doute que possible aux défenseurs. Et bien, objectivement, les combats sont plus longs que dans les autres jeux 3D, de loin, et en plus, ceux d'Arceus étaient infiniment plus fluides et rapides. Donc même avec le maximum de bonne foi possible, on ne peut pas dire que les combats de Violet soient acceptables. Et si je devais les qualifier en utilisant un terme scientifique, je dirais que c'est un gigantesque tas d'excréments. Tant qu'on parle des combats, profitons-en pour analyser la nouvelle mécanique de combat censée remplacer les Mega, les attaques Z et le Dynamax, la Terra. Le résumé va être très rapide. Votre Pokémon devient un type unique prédéfini que vous pouvez modifier en ramassant des fragments de terra du type que vous voulez et ses capacités offensives du même type seront boostées. Et c'est tout. Je comptais faire une vidéo qui compare les 4 gimmicks, mais je ne ferai plus de vidéos sur Pokémon autre que les critiques parce que clairement vous ne méritez pas que je me fasse chier pour ça. Du coup, je vais faire une petite analyse ici. Déjà, je vais pas mettre les attaques Z dans la comparaison car c'est la seule gimmick qui n'est pas une transformation. Les méga sont pour moi la meilleure gimmick sur papier car ça donnait une chance à des Pokémon merdiques de briller. Même si le fanservice était aussi très présent, mais c'est un défaut tolérable. Puis est arrivé le Dynamax, instaurant cette mentalité débile de la part de King Freak qui dit que tous les Pokémon sont spéciaux et peuvent être forts alors que c'est totalement faux. En gros, ils ont voulu donner un pouvoir spécial à chaque Pokémon, sauf que ça n'a rien changé à l'écart de puissance entre les forts et les faibles. Je précise aussi que là, je ne parle de ces mécaniques que dans le contexte du jeu solo. Je n'ai pas les connaissances ni l'intérêt pour en parler stratégiquement. Mais pour conclure sur le Dynamax, j'ai l'impression que c'était une espèce de fusion entre les Mega et les attaques Z avec un résultat très mauvais. Il y a cependant une grosse différence dans l'exécution. Les Mega étaient utilisables tout le temps dans
dans n'importe quel combat alors que le Dynamax l'était seulement dans les arènes. Les mégas pliaient donc la difficulté du jeu en 4 alors qu'en Gen 8 c'était beaucoup plus restreint, on ne pouvait pas en abuser. Cela dit, les jeux qui proposent ces mécaniques sont déjà extrêmement faciles, c'était juste la goutte d'eau supplémentaire dans un vase qui avait déjà débordé. Avec la Terra, on est de retour sur une mécanique utilisable n'importe quand, sauf que l'avantage qu'elle donne est tellement faible que ça en devient équilibré. Il n'y a aucun bonus défensif parce que vous changez juste de type, donc ça ne fait que modifier vos faiblesses au lieu de les diminuer. Et le bonus offensif ne s'applique qu'à un seul type dans tous les cas. En plus, vous ne pouvez utiliser la Terra qu'une seule fois avant de devoir recharger votre orbe Terra au centre Pokémon, ce que je trouve excessivement punitif pour une mécanique qui donne aussi peu de bonus. Tout ça pour dire que même si la méga reste la meilleure gimmick, c'est probablement celle qui est la moins bien exécutée au sein du jeu. La Terra reste un peu du même côté flemmard que le Dynamax, mais est à la fois plus présente et moins craquée dans l'aventure. Personnellement, j'aime bien le design des chapeaux et l'effet de cristal que cette transformation donne aux Pokémon. Dommage que tout comme pour le Dynamax, l'animation prend des plombes et ne peut pas être passée. Pour résumer, les combats de ce jeu sont cataclysmiques et un véritable bond en arrière comparé à ce qu'Arceus avait fait. Je sais que ces deux jeux ont été développés presque simultanément, mais en tant que consommateur, c'est pas mon problème. Je m'attends à ce que chaque jeu s'améliore ou reste pareil, mais pas à ce qu'il retourne en arrière et fasse pire que littéralement tous les opus 3D de la licence. Et sur ce plan-là, comme sur beaucoup d'autres, Pokémon Écarlate et Violet, tu as raté ton job. Au moins, la nouvelle mécanique n'est pas une catastrophe comme je le pensais, mais ça ne rattrape pas le fait que les combats sont une torture. Restons dans le thème en parlant de l'autre aspect qui est retourné en arrière d'environ 13 ans, l'interface. J'ai pas choisi le nombre d'années au hasard, vous verrez. Déjà, il y a quelques bizarreries comme le fait que pour aller voir sa carte de dresseur, avec ses stats et tout, il faut ouvrir la carte, puis appuyer deux fois sur X. Genre, il y avait pas assez de place sur le menu principal pour cet onglet. Mais on s'en fout, personne regarde ça. Mais ferme ta chatte, bordel. On n'est pas en train de juger l'importance de cette page. Je dis juste que c'est aberrant de devoir ouvrir la carte pour y accéder alors que dans les jeux d'avant, c'était juste un onglet comme les autres. Je ne savais même pas qu'on pouvait consulter notre temps de jeu avant qu'on me dise où le trouver. Mais là où le retour en arrière est sans appel, c'est quand on utilise des potions hors combat. Alors oui, le jeu a une fonctionnalité de soins automatique, et te dit même l'ordre de priorité pour chaque objet de soin. Ça, c'est cool. Cependant, ça n'affecte que les PV et seulement sur les Pokémon vivants. Et quand vous décidez de soigner un Pokémon à la main, là c'est la merde. Vous savez que depuis la 5ème génération, le menu de l'équipe ne s'enlève pas automatiquement après l'utilisation d'une potion, ce qui nous laisse la possibilité d'en utiliser plusieurs sans devoir resélectionner l'objet et confirmer notre choix. Eh bien, Pokémon Violet a jeté cette innovation de longue date par la fenêtre, et désormais il faut resélectionner l'objet plusieurs fois. La dernière fois que l'interface était aussi lourde, c'était dans un petit jeu indé, je sais pas si vous le connaissez parce qu'il est un peu underground, il s'appelle Pokémon AGSS, un jeu sorti en 2009 au Japon. Et puis c'est pas parce que le soin auto existe qu'il n'y aura jamais de situation où vous voudrez vous soigner manuellement. Parce que le jeu, lui, il s'en branle, il va remonter votre vie à 100% même si ça implique d'utiliser une guérison pour soigner 3 PV. Il n'en a rien à foutre. Mais l'argument du soin auto tombe déjà à l'eau dès qu'on se rend compte que c'est le cas avec tous les objets de soin. Au moins, ils ont eu la décence de nous demander combien de bonbons XP on veut utiliser, c'est déjà ça, mais c'est pas du tout nouveau et ça n'efface pas les autres retours en arrière. En parlant de retour en arrière, Game Freak a supprimé deux choses. La possibilité de désactiver les animations en combat et, un peu plus grave, le mode de combat défini. Après le multi XP non désactivable, on a ça. Et après, certains osent prétendre que les jeux ne deviennent pas plus faciles. Quant aux animations, je vous jure que je les aurais désactivées juste pour perdre moins de temps dans les combats. Ouais, on en est à ce point là. Donc, on a un jeu immonde qui rame avec des bugs d'affichage constants, les pires combats de l'ère 3D voire de la série, un open world au mieux basique, au pire merdique, et une interface lourde et arriérée. Comment est-ce encore possible de défendre ce tas de poubelles fumantes? Mais encore une fois, regardez la durée de la vidéo, regardez combien de choses il reste à dire. Rien ne va dans ce jeu, rien du tout. Mais pour le moment, restons sur interface avec la gestion des Pokémon eux-mêmes. Tout à l'heure, j'ai parlé des fragments. Ce sont des objets que vous obtenez après avoir battu un Pokémon sauvage, et chaque espèce possède son propre fragment. Quand vous en avez un certain nombre, vous pouvez les utiliser pour fabriquer des CT qui ne sont plus infinis. Techniquement, c'est encore un retour en arrière, mais le fait qu'on puisse les crafter à l'infini me convient très bien. Le problème des CT dans les anciens jeux n'était pas le fait qu'elles étaient uniques, mais qu'on ne pouvait pas obtenir plusieurs exemplaires, ou alors très difficilement. En Gen 9, vous pouvez donc crafter des CT en utilisant des fragments de 2 ou 3 espèces différentes de Pokémon, souvent du même type que celui de la CT en question. C'est un système de craft simple et efficace, j'ai pas grand chose à dire dessus. Concernant la liste des CT réalisables, elle augmentera au fur et à mesure que vous battrez les boss de la Team Star ou lorsque vous trouvez une CT dans la nature, suite à quoi sa recette, si on peut appeler ça comme ça, sera ajoutée à la machine. Encore une fois, c'est l'un des points du jeu sur lequel je n'ai rien de spécial à dire. Ça fonctionne bien. Pour obtenir les fragments, vous devez battre des Pokémon sauvages et ça peut sembler long de devoir farmer genre 10 ou 15 fois le même monstre. Mais c'est là que la nouvelle fonctionnalité en avant entre en jeu. En appuyant sur R, le premier Pokémon de votre équipe sortira de sa Pokéball et ira combattre automatiquement les créatures sauvages en vous laissant vous balader tranquillement.
tranquillement. C'est un moyen beaucoup plus rapide de farmer les fragments. Mais devinez quoi, cette mécanique a aussi été codée avec le cul d'un macaque. C'est fou comment dans quasiment chaque point positif ou innovant du jeu, il y a un énorme mais. Votre Pokémon est censé combattre des sauvages, sauf qu'il lui arrivera souvent de rester planté à côté de lui ou juste marcher sans l'attaquer. Et quand il a battu l'adversaire et qu'il n'y en a pas autour, il va juste rester dans la zone sans trop bouger jusqu'à ce qu'on le rappelle ou qu'on s'éloigne suffisamment pour qu'il retourne vers nous automatiquement. Ils sont totalement incapables de chasser des Pokémon qui ne sont pas dans un périmètre très réduit autour d'eux. Et quand ils sont près de nous, ils n'attaqueront pas les Pokémon sauvages qui nous approchent tant qu'on n'aura pas donné l'ordre de le faire en appuyant sur R. Tout ça pour dire que cette mécanique était censée donner de la liberté aux joueurs et permettre une exploration plus multitâche, sauf qu'on doit constamment babyster notre Pokémon pour qu'il soit efficace. Je sais pas trop ce que t'as voulu faire avec cette mécanique et qu'elle a été violée, mais ce qui est sûr, c'est que tu as raté ton job. Oh là là, j'espère vraiment que le jeu ne nous forcera jamais à utiliser une mécanique aussi mal codée et bancale. Comme dans Arceus, vous pouvez aisément rappeler une capacité à votre Pokémon depuis le menu et d'ailleurs ses PP seront restaurés. Par contre, ça crée un manque d'équilibrage. Vous savez que dans les anciens jeux, lorsque vous vouliez utiliser un Pokémon qui évolue grâce à une pierre, vous aviez le choix entre le garder sous sa forme non évoluée pour apprendre de meilleures attaques ou le faire évoluer pour profiter de son boost de stats au détriment de certaines capacités. Eh bien, non seulement le move pool des Pokémon qui évoluent de cette manière a été agrandi avec le temps, mais grâce à cette mécanique plus le système de CT, vous n'avez presque aucune raison de ne pas faire évoluer votre Pokémon directement. Un Pokémon comme Galam profite à balle de ce système, car dès que vous le faites évoluer, vous pouvez instantanément lui apprendre des attaques comme Lame Sainte, Lame Feuille ou Tranche Nuit. Pareil pour Arcanin qui peut directement apprendre Bout de Feu, Machouille et Câlinerie, en sachant qu'il apprend automatiquement vitesse extrême en évoluant, et sachant que les pierres évolutives sont trouvables sur la map ou achetables pour certaines dans la boutique d'objets strat. Cet équilibre entre stats faibles mais bon move pool et stats fortes mais move pool naze est donc brisé par cette mécanique. Après, je préfère encore ça que devoir farmer des écailleurs un par un, de très loin. Si seulement la difficulté du jeu pouvait compenser derrière. Tout ça pour dire que l'interface du jeu a pris un coup de vieux sans aucune raison autre que la flemmardise ou le manque de temps. En résulte une expérience plus lourde et parfois frustrante quand tu constates que des fonctions aussi basiques que la recherche par nom ou par type dans le Pokédex ont été virées. La gestion des Pokémon est beaucoup plus libre qu'avant et c'est un bon point jusqu'à ce que tu te rends compte que c'est au détriment de la difficulté. Et croyez-moi, on va en parler de la difficulté de ce jeu. Il y a d'autres points positifs liés à la gestion que je n'ai pas cités et si vous êtes curieux, allez voir cette vidéo de Malisson qui en parle. Moi, je ne compte pas porter mon attention à quelques grains de poussière d'or se trouvant sur un énorme tas de bouse de vache. Je me demande si votre réponse à ma question en début de vidéo a déjà changé à ce stade, mais ce qui est sûr, c'est qu'il nous reste encore plein de choses à disséquer. Écarlate et Violet propose une progression totalement open world. Vous pouvez aller où vous voulez dès que le tutoriel est fini. Pour accéder à la quête finale et par extension au crédit, vous devez battre tous les personnages importants dispersés sur la map. Les 8 champions d'arène, les 5 Pokémon dominants et les 5 boss de la Team Star. Je détaillerai ces quêtes là plus tard, je veux juste parler de la progression du jeu et surtout du fait que c'est une énorme arnaque. Un peu comme tous les RPG Pokémon sur Switch mais je digresse. Du coup, vous pouvez combattre ces personnages dans n'importe quel ordre sauf le dominant de type dragon qui requiert surf, donc de battre un autre dominant. Ces derniers vous débloquent des capacités pour votre légendaire, les champions d'arène augmentent les niveaux auxquels les Pokémon vous obéissent et les boss stars débloquent des CT dans la machine à CT. A partir de légende Arceus, les Pokémon que vous capturez vous-même peuvent vous désobéir s'ils ont été capturés à un niveau trop élevé et c'est pareil en Gen 9. Je l'ai vite constaté quand j'ai capturé un Kainos avec un niveau supérieur à 20 avant d'avoir un seul badge. De plus, au lieu de vous empêcher de capturer les Pokémon de niveau élevé, le jeu va juste réduire leur taux de capture qui sera restauré une fois que vous avez le nombre de badges adéquat. Ça permet de rendre cette récompense plus utile et tangible que dans d'autres jeux où si vous ne faisiez pas d'échange, ça n'avait aucune utilité. Les récompenses de la Team Star sont un peu inégales. En théorie, ils vous débloquent une vingtaine de CT chacun, sauf que certaines sont déjà trouvables dans la nature, et qui plus est, Nefli, la plus forte des 5, vous en débloque une seule. Quant aux dominants, leurs capacités sont très utiles. J'ai été surpris à quel point le level design du jeu était accommodé au grand bon de notre légendaire. Au début, je pensais que c'était inutile, mais au final, je m'en servais constamment. Le planeur reste cependant une énorme déception comparée à Garrigle Dissoui. Mais du coup, quel est le problème? Pourquoi est-ce que cette progression supposément non linéaire était une arnaque? Eh bien, tout simplement parce que les niveaux de ces personnages sont fixes, et vous pouvez suivre un parcours totalement prédéfini. En gros, c'est comme si Game Freak avait créé un jeu linéaire, puis qu'ils avaient juste ouvert entièrement la région. Et ils ont le putain de culot d'appeler ça un open world où on fait ce qu'on veut. J'ai eu une grosse discussion à ce sujet avec l'ami Asa, et on a fini par ne pas être d'accord. Essentiellement, deux idées sont ressorties de cette discussion. Soit on garde le système tel quel, mais on fait en sorte que tous les adversaires deviennent un cran plus forts que celui que l'on vient de battre si on décide de les faire dans le désordre, ou les mettre tous au même niveau et les faire monter d'un cran à chaque fois qu'on en bat un. L'inconvénient du premier système, que je vais appeler système hiérarchique, c'est que le challenge ne sera pas équilibré. Tandis que dans le deuxième système, le système équilibré, il n'y a pas de hiérarchie entre les champions, ils sont tous égaux. Cependant, à mon sens, c'est ce dernier qui est le plus logique et le plus adéquat pour la vision que Game Freak avait pour ce jeu. Qu'on soit clair,
clair. Fondamentalement, je ne suis pas opposé à ce qu'il y ait des champions plus forts que d'autres. Je suis même pour cette idée dans la globalité. Les deux peuvent fonctionner, mais je vais vous expliquer pourquoi il vaut mieux mettre tous les adversaires à niveau égal dans ce cas précis. Game Freak a clairement vendu ce jeu comme une aventure open world où on peut faire ce qu'on veut, il suffit de reprendre le texte écrit sur le site officiel du jeu. Cette phrase est totalement fausse. Certes, on peut affronter n'importe qui en premier, sauf un, mais prenons un exemple lambda. T'es un joueur qui découvre le jeu, tu sors de l'académie avec ton starter, tu te retrouves au sud-ouest de la map et tu tombes sur la championne Psy, puis tu fais un anévrisme en voyant qu'elle est niveau 44. Donc, t'as le choix entre farmer comme un porc pour la vaincre ou partir faire un autre champion à la place. Si le jeu te force à changer de cible, c'est que tu ne peux pas les faire dans l'ordre qui te plaît. Si tu décides de farmer, ça fait que tu ne joues pas à ton rythme car tu dois stopper ton aventure pour buter des Pokémon en boucle et au final, tu n'explores pas librement. Et le pire, c'est que si tu butes un champion fort, bah les autres seront plus faibles que lui, donc tu vas leur rouler dessus, très approprié pour ce jeu d'ailleurs. Un contre-argument possible serait oui, tu peux explorer librement, tu peux pas faire les champions dans n'importe quel ordre, mais ça reste de la liberté. Auquel cas, premièrement, quel est l'intérêt ? À quoi bon te faire explorer toute la map si l'ordre des adversaires est linéaire ? Et deuxièmement, là où je veux en venir, c'est qu'il y a plein de signes qui montrent que Game Freak souhaitait réellement que tu puisses affronter n'importe qui, n'importe quand. En dehors du marketing et de comment le jeu se décrit, vous voyez dès le début toute la carte avec sa topographie ainsi que vos cibles. Vous avez même une description sur eux. Vous savez pratiquement tout sur vos adversaires, y compris leur niveau puisque vous pouvez facilement les deviner en affrontant les Pokémon sauvages et les dresseurs qui se trouvent dans la zone. Les développeurs ont même pris la peine de faire une animation où on voit dans quel ordre on a combattu les champions. Toutes vos cibles sont placées au même niveau d'importance. Quel intérêt de donner autant d'informations sur un dresseur ou un dominant que tu es ensuite découragé d'affronter à cause de ce niveau trop élevé. Même l'argument de « on découvre la région à notre rythme et c'est trop bien de tomber dans une zone avec des niveaux élevés car tu te sens en danger » ne marche pas. Parce que tu connais déjà la map, tu connais déjà le type de dresseur et tu peux facilement savoir leur niveau. Bonjour la découverte! En gros, Game Freak donne aux joueurs tous les moyens de choisir un adversaire puis lui tire le tapis sous les pieds avec leur niveau linéaire. C'est encore une fois du pur gâchis. Je sens que certains vont essayer de me faire croire que ça serait trop difficile de faire un tas d'équipes pour chaque dresseur, sauf que c'est très facile en réalité. Il suffit de créer l'équipe la plus forte, puis l'affaiblir palier par palier. Et les équipes ultimes, elles y sont déjà, puisque vous pouvez recombattre les boss stars et les champions. Et honnêtement, ce genre de travail, je peux le faire en 3 heures, voire moins. C'est le genre de truc que tu refiles aux stagiaires tellement c'est simple. Bref, je pense avoir suffisamment appuyé mes propos. Ce jeu avait besoin d'un système de progression, comme dans la ROMAC Pokémon Crystal Clear, où tous les champions commencent au même niveau, tu peux affronter qui tu veux, et à chaque badge, les champions restants montent d'un palier. De même, on pourrait influencer les spawns des Pokémon sauvages en fonction du nombre de badges. Et osez pas me dire que ça serait compliqué aussi, puisque c'est un système qui est littéralement présent dans le jeu sous la forme des sandwichs et des repas au restaurant. Un système hiérarchique où les dresseurs en dessous se mettent au niveau de celui que tu as battu marcherait très bien dans ce que je vais appeler un jeu semi-ouvert. C'est-à-dire un jeu où tu peux obtenir quelques badges dans le désordre, mais pas tous. Typiquement Rouge ou Vert-Feuille ou AGSS. Là, ce serait carrément plus intéressant. Mais dans Pokémon Violet, il aurait fallu implémenter un système équilibré pour que la manière dont les développeurs décrivent le jeu ne soit pas un mensonge éhonté. En l'état, ils ont juste créé un jeu linéaire, puis l'ont ouvert et essayent de faire passer ça pour un jeu open world ultra libre alors qu'ils ont juste eu la flemme ou pas le temps de faire un système qui s'adapte aux joueurs. C'est perdant-perdant parce que soit tu suis la progression qui est délimitée par les niveaux, auquel cas tu perds cet aspect de « je choisis mon propre parcours », et si tu n'en fais qu'à ta tête, tu vas avoir des pics de difficulté artificiels suivis de moments où tu vas vaincre les champions en leur soufflant dessus. Surtout que si tu essayes de suivre la route tracée par les développeurs, ça sera totalement intuitif. Non, il faudra pas du tout faire des zigzags et des allers-retours dans toute la région, absolument pas. Putain, même ça, ils l'ont raté. Si on suit l'ordre des niveaux, voici à quoi devrait ressembler votre parcours. Et accessoirement, voici celui que j'ai emprunté, et sans surprise, cette championne et ce boss furent mes deux énormes pics de difficulté. Et les seuls d'ailleurs. Ce qui est assez étrange, c'est que les champions d'arène sont les plus nombreux, mais c'est aussi ceux qui sont les plus faibles. Le plus fort d'entre eux est moins fort que le dernier dominant, et pas un, mais deux boss stars. Ça aurait pas été mieux de justement faire l'inverse et de les étaler? Ça ne fait que contribuer au sentiment que la quête des arènes n'est qu'une vaste blague, mais j'aurai l'occasion d'en reparler. Pour l'instant, on va se concentrer un peu sur la difficulté, qui, comme je l'ai un peu spoilé juste avant et artificiel dans la plupart des cas. Un truc dont je me plains depuis un moment, c'est que les Pokémon des champions n'ont même plus 4 attaques. Mais il faut rétablir la vérité. Cette tendance a commencé il y a très longtemps, et depuis, les champions se font de plus en plus brider sans vraie raison. Et cette 9ème génération fait pareil. Déjà, il faut attendre le 3ème badge pour que la moitié de l'équipe d'un champion possède 3 attaques. 3. Oui, oui, vous avez bien entendu, les deux premiers champions n'ont que des Pokémon avec 2 attaques. Mais la vanne ne s'arrête pas là, car devinez combien de Pokémon, parmi les 28 au total que tous les champions possèdent, ont 4 capacités. Devinez, sans déconner. Vous me
désespéré. Même Okuba, qui est le cinquième plus fort, n'a que deux attaques sur son meilleur Pokémon Etoraptor. Genre, c'était vraiment trop compliqué de lui mettre Atterrissage, Close Combat, Rapace, Damoclès, Gonflette. Ou est-ce que le singe n'est pas assez payé pour ça? Bien évidemment, aucun Pokémon n'a d'objet intéressant, alors que dans les anciens jeux, même les premiers champions pouvaient en avoir. Absolument pathétique. Heureusement que les boss stars remontent un peu la moyenne, enfin surtout une. Et en ce qui concerne les Pokémon dominants, ils ont tous le même fonctionnement. Vous les affrontez au début, quand ils sont affaiblis, ils s'enfuient, se boostent et vous les recombattez de nouveau, mais cette fois avec un partenaire. Au final, ça se résume à un combat classique contre un Pokémon avec des PV enflés, non sans rappeler les combats des dominants en Gen 7, mais en moins bien car ils n'appellent pas à l'aide, donc c'est plus facile. Mais au moins ils ont 4 attaques, eux. Et donc, quel rapport avec le fait que la difficulté est artificielle? Bah, si les champions n'ont même pas de moveset complet et qu'ils utilisent plus de potions et qu'ils n'ont aucun objet, ça veut dire que le seul point sur lequel ils peuvent être plus forts que vous, c'est les niveaux. Et spoiler, mais augmenter les niveaux n'est pas une solution pour rendre un jeu difficile, ou en tout cas, c'est la solution la plus artificielle possible. J'ai déjà parlé de ce sujet dans une vidéo qui date de janvier 2021 et qui est toujours pleinement d'actualité. Je vais pas vous la refaire ici, si vous croyez que booster bêtement le niveau de dresseur est la solution au problème de difficulté de Pokémon, allez le regarder. Un contre-argument que vous pourriez me sortir, c'est qu'un joueur expérimenté peut utiliser ses connaissances pour faire le jeu dans le désordre. Et bah justement, c'est bien ça le truc. Tout le monde n'est pas expérimenté. Tout le monde n'aura pas la connaissance nécessaire pour vaincre des champions qui ont 10 niveaux de plus. Dire que ce système est acceptable, c'est comme dire vous êtes libre d'explorer comme bon vous semble, astérisque, du moment que vous êtes fort au jeu. Or, c'est clairement pas l'expérience que le jeu cherche à proposer. Les développeurs veulent que tu puisses faire ce que tu veux, mais l'empêchent ou le découragent avec leur système mal pensé. Et ça ne résout pas le problème des champions bas niveau qui se feront rouler dessus tôt ou tard. À moins de changer d'équipe tout le temps pour s'adapter au niveau, mais à ce stade, t'es juste en train de créer la difficulté à la place des développeurs. Il n'y a pas de gagnant avec ce système, c'est tout. Je pense l'avoir assez prouvé. La progression non linéaire de ce jeu est pétée et sa difficulté ne repose que sur les niveaux et pas sur des stratégies plus poussées qui pourraient montrer aux joueurs le vrai potentiel des combats Pokémon. Et car là t'es violé, je ne peux rien te dire d'autre à part que tu as raté ton job. Eh bah dis donc, les défauts de ce jeu ne font que s'empiler et c'est pas le mode en ligne qui va changer les choses. Je vais être honnête, je n'ai fait qu'une seule partie en ligne avec Asa, mais ça m'a largement suffi. Ce jeu est ce que je pensais qu'épée bouclier serait. Tu peux te connecter avec des amis et te balader avec eux sur la map. Ça, c'est plutôt cool, mais avant d'en arriver à ce point, vous devez passer par le menu du online. Déjà, avant de créer votre club union qui permettra à vos potes de vous rejoindre, il faut manuellement se connecter à internet, je ne te propose pas de le faire par défaut, ce qui fait que vous allez juste créer un club en ligne qui ne servira à rien. Le pire, c'est que si vous oubliez de vous connecter avant de créer un club, vous n'avez pas d'option pour le transformer en club en ligne. Vous devez tout quitter, puis vous connecter, puis le recréer. Une fois que ça c'est fait, ça y est, vous êtes connecté et vous pouvez tout explorer, sauf les zones déconnectées de l'open world, comme par exemple le cratère. Super. Mais au moins, vous pouvez vous téléporter librement, j'aurais pas été surpris si Game Freak avait réussi à fourrer ça aussi. Un truc assez chiant cependant, c'est qu'il y aura des antres de raid Terra Crystal sur la map, mais non seulement seul le joueur qui le possède peut l'activer, mais en plus, vous ne pouvez faire un raid en coop que si c'est le chef du groupe qui le lance. Asa avait bien lancé un raid de son côté qui apparaissait dans mon monde, sauf que je ne pouvais pas le rejoindre. Il fallait que ça soit moi qui active un de mes propres raids. Bravo Game Freak, tu as raté ton job. Attendez-vous à pas mal de lag lors de l'exploration également, mais ça c'est avant tout la faute à Nintendo en général. Vos coéquipiers peuvent aussi se placer sur des éléments de votre jeu, comme par exemple des Pokémon sauvages, ce qui est aussi drôle que moche. Mais rien ne rivalise notre déception quand on est arrivé face à l'olive gonflable de l'épreuve de la reine insecte et qu'on s'est rendu compte que chaque joueur avait sa version de l'objet, donc on pouvait pas jouer avec à deux. J'aurais pu m'amuser une fois dans ma vie sur ce jeu de mort, mais même ça on n'y a pas droit putain. Même Géo trouve tout sauf sa dignité chacal, il est encore en train de chercher le fun dans cet immonde merde qu'est Pokémon violet. Il est où FDP ? En parlant de fun, vous pouvez aussi faire des sandwichs à plusieurs, ce qui peut vite devenir chaotique. Mais c'est marrant de créer des monstruosités culinaires comme ça. Top 5 momentos. Numéro 1, es una rana sentada frente a la casa mientras disfruta de una aura rencontre poison, ouais parce que tu vas rencontrer du poison en mangeant ça. Et pour finir, je vais parler des raids ici, car même si on peut les faire en solo et que les PNJ sont un peu plus compétents que dans épée, ça fait partie de l'aspect multijoueur. Les raids ont été vendus comme une sorte de combat en temps réel où il n'y a pas de temps d'attente, ce qui est faux parce que les attaques touchent l'adversaire une par une dans un ordre précis et il vous arrivera d'attendre plusieurs secondes avant de pouvoir refaire une action. Mais c'est surtout le côté bordélique du truc qui peut être aussi repoussant qu'attirant. La moitié du temps, tu sais pas quelle action va arriver ensuite, le Pokémon adverse fait des actions spéciales à tout va, en plus de taper comme un camion, et t'as pas l'impression d'avoir
avoir beaucoup d'influence sur le combat. On dirait une espèce de système ATB comme dans Final Fantasy, mais en mal branlé. Je pense que ça peut être sympa à faire avec vos amis, mais le problème, c'est que ça requiert de jouer à Pokémon Écarlate et Violet. En conclusion, le online de ce jeu propose enfin une exploration presque complète de la map avec vos potes, ainsi que quelques activités à faire ensemble. Cela reste cependant lourd et vous devez toujours passer par le Poképortail pour faire des échanges ou des combats, sans oublier le lag dû à l'infrastructure en ligne de Nintendo restée bloquée en 1980. Il y a eu d'autres soucis que je peux mentionner, comme le fait qu'avant un certain patch, les attaques one-shot style glaciation touchaient à tous les coups à cause d'un problème de RNG, mais déjà, j'ai la flemme, et ensuite, je pense que le reste de cette vidéo montre déjà assez l'incompétence de Game Freak, pas besoin de rajouter. D'ailleurs, petit aparté, mais pourquoi certains disent Game Freaks? Pourquoi c'est la grande spécialité des Français de rajouter des S là où il n'y en a pas et les supprimer là où il y en a? Enfin bref, passons à la supposée masterclass qu'est le scénario de ce jeu, et j'insiste bien sur le supposé. Le jeu démarre directement par une création de votre perso. C'est un step-up considérable par rapport au jeu d'avant qui ne proposait qu'une poignée de visages prédéfinis, mais bon, je vais pas non plus complimenter ce jeu d'avoir implémenté une fonctionnalité que les autres avaient déjà avant les années 2010. On a ensuite une cinématique animée, oui je le précise, animée, avec des plans sur l'académie que nous venons de rejoindre, dans ce cas-là l'académie Raisin, puis un plan sur le proviseur Clavel dans un vide blanc. Oui, je sais que dans la plupart des jeux, c'est le cas, mais ce n'était pas le cas dans Épée Bouclier, alors pourquoi avoir régressé? Ah oui, je sais pourquoi. Suite à ça, nous avons des JPEG. Ils ont mis des screenshots du jeu alors que juste avant, tout était animé. Vous comprenez pourquoi j'ai fait la précision? Et puis ça revient à des scènes animées, c'est tellement chelou, mais c'est pas la seule fois où les cinématiques seront étranges. On voit Miraidon sortir du cratère central, voler au-dessus de la région comme si c'était une promenade, puis pour une raison inconnue, il s'endort et s'écrase sur une plage très proche de notre maison. Clavel vient ensuite directement chez le héros pour remettre à sa daronne les documents d'inscription à l'académie dans un sac en carton chez Zara, le jour même où on commence les cours d'ailleurs. La suite est très classique, on nous présente les starters, on fait notre choix tout en rencontrant notre rival, Menzik, qui a la particularité d'avoir déjà fini son parcours scolaire. Elle est déjà maître de la ligue et se vante de ses talents et son équipe. On comprend assez vite qu'elle est accro au combat autant que je suis accro au bar céréales protéinées Nature Valley. Sans déconner, putain c'est trop bon, je bouffe une boîte un jour, aidez-moi. Et décide de faire un New Game Plus de sa scolarité tout en faisant de nous son rival. Évidemment, comme tout rival depuis Gen 7 qui se respecte, elle prend le starter faible au nôtre, bah oui, ce serait bien dommage que le joueur ait plus de 0% de chance de perdre. Pour une raison que j'ignore mais qui est très certainement conne, vous ne pouvez pas courir avant d'avoir atteint ce panneau spécifiquement. On a ensuite le tutoriel assez léger comparé à d'autres jeux avant d'entendre un énorme bruit venant de la plage. On part regarder et la falaise s'effondre. C'est là qu'on apprend qu'on peut chuter mais que notre téléphone nous rattrapera par magie avant qu'on s'écrase. C'est un tuto sans être un, plutôt cool. J'essaye de trouver des points positifs là où je peux, ok. On tombe sur Miraidon évanoui avec une magnifique ombre qui se téléporte, vraiment très classe. Hein. Changez rien les gars. On donne notre pas du midi au Pokémon qui se réveille et nous escorte dans une grotte qui remonte vers là où on était précédemment. Ce passage est un peu trop long pour rien, mais j'aime bien le Démolos qui nous observe de loin tel un chasseur. C'est la seule fois où un Pokémon sauvage a un comportement intéressant. Le Démolos arrive pour nous affronter un peu plus tard, et là on voit clairement que l'éclairage de la grotte n'a aucune influence sur l'éclairage des êtres vivants, mais bon passons. On a un faux combat contre lui, faux car on peut pas sélectionner d'attaque, et parce que notre Pokémon revient vers nous juste après le message de l'attaque de l'ennemi. Le jeu veut nous faire croire qu'on a perdu alors qu'aucune animation n'a été jouée. Quel storytelling visuel incroyable, un jeu fait par des visionnaires putain. Miraidon finit par nous sauver et nous ramener en haut avant de perdre sa forme combative, sûrement par épuisement. Et bien évidemment, Menzi, une maîtresse, n'est pas foutue d'envoyer un seul de ses Pokémon supposément surpuissants pour nous aider, non non. Un petit détail sympa, c'est que Miraidon fait la moue en voyant qu'il est face au phare, et on comprendra pourquoi plus tard. De manière générale, les personnages sont enfin expressifs, parfois un peu trop d'ailleurs, même si c'était déjà une amélioration dans Arceus. Mais bon, les standards sont tellement bas aujourd'hui qu'il faut désormais féliciter Game Freak de ne pas régresser plutôt que parce qu'il progresse. En arrivant devant le phare, on rencontre Pepper, que Menzi révèle être le fils de Turum, le professeur de la région. Mais Pepper a des réactions surprenantes face à notre arrivée. Il est choqué de voir Miraidon ici, sous sa forme passive, et engueule Menzi dès qu'elle mentionne son daron. Quelque chose ne tourne pas rond. Il comprend que Miraidon nous est devenu fidèle et décide de nous affronter pour juger notre force, ce qui nous récompense de sa propre Pokéball. Au fait, vous pouvez perdre ce combat sans aucune conséquence sur le scénario, et Pepper vous donnera quand même la Pokéball. Je suppose que c'est parce que Game Freak ne savait pas où nous remettre en cas de défaite, donc ils se sont dit nique sa mère, on va faire comme si de rien n'était parce que personne ne perdra ce combat de toute manière. Sauf que c'est canon que Pepper vous affronte pour tester votre force, puis vous récompense comme si vous aviez gagné, même si vous perdez. Conclusion, Game Freak, tu as raté ton job. Menzi nous invite ensuite au sommet du phare et nous laisse admirer la beauté de ce jeu. C'était pas une vanne quand je dis que Game Freak voulait sincèrement que tu admires et t'émerveilles devant cet open world dégueulasse. Ah et ces fameux lieux fantastiques,
Des plaines, des plaines, des montagnes, des plaines, de la neige, des plaines, un lac, des plaines et quelques plaines aussi. Fantastiquement inintéressant, oui. Ensuite, on poursuit le tutoriel, le jeu nous laisse explorer une petite zone avec des dresseurs, un lieu-dit et un centre Pokémon. Puis on arrive devant Mesa Ledo, la plus grande ville du jeu et la seule qui n'est pas reliée directement à la carte principale. Il faut passer par un temps de chargement pour y rentrer et en sortir. Menzi nous affronte encore, et cette fois c'est pour nous montrer la nouvelle mécanique. C'est une excellente idée de nous l'introduire de cette manière, surtout à un moment où on n'y a pas accès. Et ça rajoute un peu de challenge, car les attaques boostées font plutôt mal, surtout si vous n'avez aucune résistance. Comme quoi, Game Freak peut avoir des bonnes idées après tout. On entre enfin à Mesa Ledo et je ne veux pas trop me répéter, mais cette ville souffre des défauts inhérents de ce jeu x 1000. C'est immonde, le framerate est pratiquement jamais à 30 fps, les PNJ sont robotiques, des quartiers entiers sont vides et dénués de toute vie. Très clairement, l'une des pires villes du jeu, sachant qu'il n'y en a aucune qui est bien. L'académie se trouve tout en haut et en y montant, on tombe sur des sbires de la Team Star qui veulent qu'une jeune fille avec un sac évolué qui a plus de polygones que la ville entière intègre leur groupe de force. Un peu contradictoire par rapport à ce que la Team Star est censée être, mais bon, à ce stade, on n'en sait rien. Évidemment, on le laisse pas faire et on affronte l'un d'eux, puis Menzi arrive en lui disant qu'elle a obtenu l'autorisation d'utiliser la Terra. Et là, je vous jure que je fais de mon mieux pour ne pas avancer, mais il faut que je sois clair dès le début sur un truc. Pokémon Violet possède quelques personnages bien écrits et caractérisés, pour les standards de Pokémon bien sûr. Et Menzi n'en fait absolument pas partie. Désolé pour vous le fan club de Menzi, mais c'est un personnage de merde et un jour ou l'autre il va falloir l'accepter. Cela dit, cette scène est sa meilleure. Elle nous file l'orbe pour la Terra, puis nous dit d'affronter le deuxième sbire avec, en le laissant choisir entre nous ou elle. Elle a un côté mesquin, envéreux qui est fort appréciable. Et c'est dommage qu'elle ne soit pas du tout caractérisée dans le reste du jeu. Les sbires s'enfuient, on rentre à l'académie et... Oh bordel, le premier cours est une honte. 60 euros pour ça. Ce qui rend cette scène encore plus inacceptable, c'est que les autres cours auxquels vous pouvez assister ne sont pas du tout comme ça, ils sont fluides. Mais là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et quand on sait pas, la règle, c'est de blâmer Pokémon Company pour avoir refilé le développement des jeux Pokémon à un putain de singe. Tu sais quand ton jeu est pourri, quand même, avec un énorme flou gaussien, c'est toujours dégueu. Et quand la scène se termine, le framerate des gosses revient à la normale. Mais vous foutez quoi dans vos bureaux? Un truc que je trouve très étrange, c'est que vous affronterez énormément d'élèves au cours du jeu et ils sont de tous les âges au sens large. Il y a des fillettes, des vieillards, il y a même un dresseur qui dit qu'il étudie depuis 20 ans. Même Menzi, qui est censé être plus âgé que nous, se retrouve dans la même classe, alors que vu la gueule des élèves, on se croirait pas plus haut qu'en CM1. On dirait que Game Freak n'a pas pensé au fait qu'il y a plein de bonnes raisons de ne pas foutre des gosses et des adultes dans la même académie. Il n'y a rien de mal à vouloir reprendre des études pour faire une reconversion, mais dans tous les cas, tu les mets pas dans la même école. Point barre. Encore un point en moins pour cette fameuse immersion que vous adorez citer constamment en tant que point positif, mais quand il n'y en a pas, le jeu est quand même un banger selon vous. Peut-être parce que l'immersion dans Pokémon n'a jamais été un critère et que vous ne faites que le rajouter quand bon vous semble, comme si c'était un mot magique. On croise Pepper à la cafétéria qui nous demande de l'aider pour une mission personnelle. En gros, il cherche des épices ultra rares qui se trouvent dans la région et qui sont gardées par un Pokémon dominant. On accepte de l'aider à les combattre avant de recevoir un mystérieux appel. La fille au bout du téléphone nous parle de la Team Star, comme quoi ce sont des délinquants qui ne respectent pas le règlement de l'école et sèchent les cours. La hackeuse nous recontactera plus tard et raccroche, mais avant qu'on puisse sortir, Clavel arrive et nous demande de parler moins fort au téléphone, impliquant qu'il a tout entendu. Vient le tour de Menzi, qui, après avoir discuté avec le personnage féminin le plus moche de la série, nous propose de faire le défi des arènes. Dernier sur la liste, le proviseur Clavel qui nous appelle dans son bureau pour nous présenter... Top 5 momentos. Número 3, Coronel WhatsApp. Voici Turum, le père de Pepper, ainsi que le professeur de Paldea. Et parce que ce jeu a été codé en vomissant sur le clavier, le visage de Turum reste totalement statique quand on est dans le bureau de Clavel, et il faut qu'il y ait un fondu au noir pour le mettre en plein écran, puis le faire parler de manière animée. 60 euros. J'en profite aussi pour dire à quel point les cinématiques de ce jeu sont éclatées. Et je parle pas des cinématiques bien animées où il n'y a pas de boîte de dialogue, non, je parle du reste. Les PNJ sont extrêmement rigides dans le sens où ils se tournent comme des robots vers leur interlocuteur ou vers l'endroit où ils veulent aller. Leur manière de transitionner entre deux animations et robotique, tout est rigide exactement comme dans les combats. Je pourrais rajouter des bruits robotiques par-dessus et on aurait l'impression qu'ils ont toujours été là. Ça se voit surtout dans les cinématiques où Pepper arrive pour nous aider à affronter un dominant. Il accourt, pose, se tourne vers nous, pose, se tourne vers le Pokémon, fait un geste ultra exagéré pour faire genre il scrute le Pokémon alors qu'il est littéralement devant lui, se remet en position de base, pose, se met en position de combat, pose, et on continue la scène. Je me souviens quand j'ai repris le jeu après quelques jours à ne pas y toucher, j'ai fait le dominant de type vol, et quand j'ai vu la manière dont les cinématiques étaient animées, j'ai cru que c'était une blague. Que mon personnage avait bouffé tellement de sandwich empoisonné qu'il a commencé à halluciner. Mais non, c'est bel et bien réel.
Je me demande pourquoi c'est comme ça. Toutes les cinématiques ne sont pas aussi atroces, mais clairement, le niveau ne dépasse jamais la médiocrité. Et bien sûr, il n'y a pas de doublage. Alors que Pokémon Company a littéralement fait une vidéo promotionnelle du jeu avec une des championnes qui était doublée. Game Freak n'a aucune excuse parce que non seulement ils ont le budget pour ça, mais en plus, ce n'est pas un studio de doublage. Donc, ils demanderaient à un studio externe de s'en charger, donc ça n'aurait pratiquement aucun impact sur le développement. De toute façon, jusqu'à ce qu'on me prouve noir sur blanc que Game Freak n'a pas le droit de faire appel à des développeurs externes pour les aider dans leur projet, je les blâmerai systématiquement de ne pas le faire. Parce qu'une ressource qui ne leur manque absolument pas, c'est la thune. Donc qu'ils s'en servent, bordel de chien. Bref, Drum nous confie officiellement Miraidon car il est trop occupé pour venir le chercher. Mais comme il peut pas combattre, il restera au fond de notre menu pour le reste du jeu. Et attention, parce que là, je vais faire quelque chose de très inattendu. Défendre le jeu. En gros, les gens ont été outrés parce qu'un légendaire de la jaquette soit notre monture et qu'on l'obtienne dès le début. Alors déjà, sachez que je comprends pourquoi tout le monde était inquiet. Les derniers jeux Pokémon étaient tellement nuls que je m'attendais réellement à ce qu'on débarque à l'académie et que les scénaristes trouvent un prétexte pour qu'on nous confie un légendaire super important dès notre arrivée sans qu'il y ait de logique. Mais une fois que le jeu est sorti et qu'on a vu comment on obtenait Miraidon, les gens ont continué à dire que c'était de la merde parce que ça ruine le côté mystique des légendaires ou je ne sais quoi. Ramassis de conneries. J'ai l'impression que pour ces personnes-là, un légendaire doit forcément se trouver au fond d'une grotte et que les seules infos qu'on a sur lui, c'est son entrée du Pokédex et deux ou trois PNJ random qui nous disent une phrase vague sur qui il est. Pourtant, vous n'avez aucun problème avec Reshiram et Zekrom qui sont des pauvres cailloux pendant la majeure partie du jeu. Vous n'avez aucun problème avec Cosmog qui est un putain de renégat pendant la quasi-totalité du scénario de Gen 7 jusqu'à ce qu'il évolue à la fin. Mais par contre, monter sur le dos d'un légendaire, ah ça non, sacrilège de fou qu'on brûle les développeurs sur un bûcher. Voyons voir les caractéristiques de Miraidon. C'est un Pokémon fort, capable de briser des murs dans les grottes ainsi que d'intimider des tas de Pokémon juste avec son rugissement. Sa vraie nature est aussi un mystère. Puisqu'on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas pourquoi il s'est échappé du cratère où se trouve son dresseur d'origine, le professeur, et on ne connaît pas vraiment son lien avec Pepper non plus. De plus, son introduction est compétente, il s'attache à nous car on lui donne à manger, puis nous aide à remonter grâce à sa puissance, puis continue de nous être utile dans notre aventure. Je ne vois absolument pas ce qu'il y a de si outrant là-dedans. Votre seul argument c'est « on peut monter sur son dos, c'est n'importe quoi, gna 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 !» Et certes, le proviseur aurait pu nous demander de laisser Miraidon avec lui le temps que Turum se libère pour le récupérer, mais ça permet en retour d'avoir une monture pour le jeu et de créer un lien avec elle. Et si vous avez fini le jeu, vous savez que le scénario capitalise sur ce lien d'amitié. Donc arrêtez d'être des putains de quinquagénaires aigris qui pensent que tous les légendaires devraient attendre sagement que le joueur vienne les capturer au fin fond d'un donjon. C'est pas du tout ça qui rend un Pokémon mystique ou intéressant. C'est largement mieux que les jeux qui traitent les légendaires comme de vulgaires objets que le méchant doit invoquer pour que son plan aboutisse. Une fois la réunion terminée, Mazin nous présente notre chambre, puis on a une ellipse temporelle très attendue de la part de Pokémon. Mais ça permet de rendre l'aventure plus crédible, parce que ça serait un peu chelou d'arriver dans une nouvelle école si c'est pour jamais y aller. D'ailleurs, j'apprécie que la série mette enfin en avant le cadre scolaire, ça change des aventures où tu débarques dans la région puis tu pars défoncer la gueule à tous les habitants sans transition, même si l'école est extrêmement mal exploitée. Après le tuto, vous n'avez aucune raison d'y retourner, et d'ailleurs, je ne vous dis jamais que vous pouvez assister à des cours. Je suis certain que beaucoup de joueurs ont appris qu'il y en avait lorsqu'un prof les a accostés après avoir battu quelques arènes. Vous pouvez d'ailleurs renforcer vos liens avec les profs, sauf que ça requiert juste de leur parler. Et c'est tout. Pourquoi ne pas avoir implémenté un système semblable à Persona ou à Fire Emblem 3 Maisons ? Ah oui, je sais pourquoi. Le pire, c'est que pour le peu de temps qu'ils apparaissent, la plupart des personnages secondaires sont décemment caractérisés et il ne sera pas difficile de s'attacher à plusieurs d'entre eux, ne serait-ce que pour leur chara-design. Et on verra plus tard que les fans adorent saucer des personnages juste parce que leur chara-design leur plaît trop, mais je m'avance. Ah, et pour finir avec les cours, ils ne vous donnent pas vraiment de récompense, à part quelques connaissances basiques. C'est sympa, mais vous ne ratez rien si vous ne les faites pas. Par contre, allez à l'école de la vraie vie, hein, sinon vous allez finir rappeur et je vous assure que vous valez mieux que ça. Clavel présente la chasse au trésor qui se résume à faites ce qui vous plaît. Le principe, c'est de trouver son trésor, mais comme ça peut être tout et n'importe quoi, ça revient essentiellement à du temps libre. Cela dit, je trouve ça cool que le jeu dit indirectement au joueur d'aller faire ce qui lui plaît dans la vie. Malheureusement, je me suis engagé à faire une vidéo sur cet étron et je ne peux donc pas suivre ce conseil. Et il réutilise des screenshots de la thématique, je me demande pourquoi. On a une dernière réunion avec Pepper et Menzi ainsi que Cassiope, la hackeuse, qui ajoute les 5 repères de la Team Star à notre carte. Est-ce qu'on peut parler 2 secondes de à quel point avoir la map complète dès le début nique le sentiment de découverte? Genre vraiment, vous savez absolument tout sur la région dès le début. Les villes, les centres Pokémon, les dominants, les boss stars, même la topographie précise de chaque recoin. L'exploration n'en devient que plus fade parce qu'au lieu de découvrir par toi-même que Paldea est vide d'intérêt et n'a que des biomes génériques, tu le sais déjà d'avance. Quelle bénévolence de la part du singe de Game Freak. J'aimerais aussi souligner qu'à aucun moment le jeu ne t'incite à aller vers un objectif en premier. Menzi ne dit à aucun moment que la championne la plus faible est à Sevaro ou Cassiope ne dévoile jamais explicitement qui est le plus faible des boss stars. Ce qui implique qu'ils veulent que tu fasses toi-même le choix et que si c'est pas le bon, tu te feras laver le fion. Comme quoi mes critiques envers le système de progression sont peut-être fondées au final. Bref, pour finir ce long tutoriel, le jeu nous laisse enfin monter sur Miraidon. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Numéro 1 Bob Esponja montando motocicleta ATV.
Et sur ce, on peut enfin explorer Paldea dans son entièreté. Vous pouvez donc suivre librement les trois quêtes principales et je vais commencer par analyser celle de Pepper. Oui, une fois n'est pas coutume, on va garder le pire pour la fin. Dans ces parties, je vais à la fois parler de ce qui se passe au fil de la quête, ainsi que faire une analyse approfondie de chaque perso, ou, dans le cas de Menzi, vous montrer qu'elle a la profondeur d'une goutte de sueur sur le front de ceux qui se branlent sur elle. Mais concentrons-nous sur Pepper. C'est un personnage qui arrive à capter notre attention dès le début, car il n'est pas juste un énième perso amical qu'on rencontre et qui va s'attacher à nous sans raison. Dès sa première apparition, on se pose des questions sur lui. Pourquoi connaît-il Miraidon? Pourquoi avait-il sa Pokéball? Pourquoi ne veut-il pas entendre parler de son père? Qu'est-ce que c'est que ce laboratoire qu'il a enfermé? Sa personnalité est aussi nuancée, car il est à la fois froid avec ceux qu'il ne connaît pas bien, mais n'est pas non plus arrogant. Il sait reconnaître ses faiblesses et n'hésite pas à demander de l'aide. Et c'est sans parler de son côté très empathique qu'on verra au cours du jeu. Quand je l'ai vu la première fois, j'ai pensé qu'il allait être un anime rival à la Travis ou Blue, mais il est beaucoup plus que ça. Quand vous serez à proximité d'un Pokémon dominant, il vous le signalera en vous appelant sur votre Moti Smart, ce qui est extrêmement redondant d'ailleurs, car comme je l'ai dit, vous savez déjà exactement où sont vos cibles. Donc l'appel est inutile au possible. Quand vous battez le dominant en solo, il s'enfuira et partira briser une grotte où se trouve une des fameuses épices secrètes. Pendant qu'il la mange pour se régénérer, Pepper arrivera pour vous aider. Les combats ne sont pas spécialement durs, alors parfois il va vous carry jusqu'à la victoire. C'est ce qui s'est passé contre le dominant Sold à mon cas, où je n'ai presque pas le temps de faire des dégâts. Par contre, l'angle de la caméra dans les combats duo est mal placé, et parfois on ne voit même pas le Pokémon de Pepper, ou très mal, et la cam ne bougera pas comme dans les combats normaux. Et au cas où vous en cherchiez la raison, ce qui est bien, c'est qu'on comprend à travers le gameplay que les épices que Pepper cherche et que les dominants mangent ont des propriétés de guérison et de renforcement très intéressantes. Après qu'on ait battu un dominant, n'importe lequel, on arrive dans une grotte avec l'épice dedans. Ce qui implique qu'il y a systématiquement deux épices secrètes côte à côte, car le Pokémon dominant en mange forcément une, et même si on suppose qu'il ne la mange pas en entier, celle qu'il bouffe est à l'entrée de la grotte alors que celle qu'on trouve est au fond. Encore un exemple de Game Freak qui n'a pas vraiment réfléchi jusqu'au bout. Pepper la récolte avec une magnifique animation. Yes, je sens vraiment que mes 60 balles sont passées là-dedans. Vraiment, ça me déglingue à quel point c'est mal fait alors qu'il copie-colle cette même grotte et cette même scène 5 fois. Si tu réutilises autant tes scènes, autant bien l'animer une fois, non. Comme ça, elle sera juste répétitive au lieu d'être répétitive et ridicule. Pepper prépare ensuite des sandwichs où il rajoute cette épice secrète et on les partage ensemble. Même Miraidon sort de lui-même de sa Pokéball parce que c'est un gros dalleux et le jeu ne nous laisse pas d'autre choix que de lui donner notre repas. Pepper est choqué par notre geste et nous engueule avant de faire preuve de sa fameuse empathie en nous donnant un morceau de son sandwich. Cependant, l'épice secrète a redonné un pouvoir au Pokémon qui dépendra du dominant que vous avez battu. En gros, vous pouvez obtenir les pouvoirs dans n'importe quel ordre, sauf le pouvoir de l'escalade qui nécessite d'avoir surf avant, mais les scènes avec Pepper dans la grotte se feront de manière linéaire indépendamment de votre ordre. C'était à mon sens la meilleure solution pour cette quête-là. On laisse Pepper seul qui commence à se comporter bizarrement comme s'il nous cachait quelque chose. Mais c'est sans compter l'appel de Turum qui nous explique que Miraidon regagne ses pouvoirs et comment marche celui qu'on vient de débloquer. Au niveau des dominants, on a Kraparoi qui a déjà été montré dans les vidéos promotionnelles et qui n'a rien de spécial, Lestombelle dont j'aurais oublié l'existence s'il n'était pas un Pokémon dominant, Fer de Terre qui est moche et con, une variante de Donphan qui change en fonction de votre version et dont je reparlerai plus tard, ainsi qu'un duo de Pokémon Nigirigon et Oyakata. C'est essentiellement un combat supplémentaire, rien de transcendant. En plus, comme les dominants ont des niveaux fixes, forcément, si vous les affrontez un peu plus tard, vous allez les exploser, ce qui les rend très peu crédibles. Les Pokémon Totem de Gen 7 étaient bien mieux exécutés. Puisque les seules choses qui ne sont pas copiées-collées dans la quête de Pepper, c'est les cinématiques où on mange des sandwichs, revenons là-dessus. Comme avant, Miraidon sort dans notre poche pour demander notre sandwich et on voit le dédain de Pepper envers lui, ce qui nous fait nous poser encore plus de questions au sujet de son passé. Pepper avait quand même préparé un sandwich en plus, juste au cas où, et se met en colère quand il voit que Miraidon a envie de taper un croc dedans. Les expressions faciales sont bien réussies d'ailleurs. Pour s'excuser, Pepper décide enfin de nous expliquer pourquoi il fait tout ça. Car oui, il est fort en cuisine et on aurait pu croire que c'est juste son rêve de trouver des épices rares pour ses plats, mais on voit bien dans son comportement qu'il y a autre chose en jeu. Son objectif final est d'utiliser les épices censées redonner de la force au Pokémon pour soigner son Dogreno qui a été blessé il y a longtemps, lui faisant perdre presque toutes ses capacités. Le premier sandwich avait rétabli le flux sanguin dans ses pattes, et ce deuxième sandwich lui redonne la vue. La joie de Pepper est palpable et nous pousse à poursuivre notre quête. Beaucoup de gens crachent sur la quête de Pepper en disant que c'est pas intéressant parce que c'est juste pour son clébard qu'on fait tout ça et je suis absolument pas d'accord. Cette quête est profondément humaine, celle d'un dresseur voulant redonner des forces à un Pokémon qu'il connaît depuis plus ou moins toute sa vie et qui a été là pour lui dans les moments où sa famille ne l'était pas. Au final, tout le monde y trouve son compte car le protagoniste doit combattre de puissants Pokémon et en récompense, il débloque des capacités de déplacement tout en aidant son ami à soigner son Pokémon. Il n'y a rien d'illogique ou de forcé, c'est une histoire touchante et terre à terre qui est bien évidemment inhibée par le développement tout rapide de ce jeu, mais qui reste efficace. Elle est bien plus prenante qu'un dépressif qui veut annihiler l'univers, ou un fou furieux qui veut détruire la région parce qu'il le peut, ou un gros con qui peut pas attendre 24 pauvres heures pour activer son plan qui est de sauver la région d'une crise qui arrivera dans un putain de millénaire.
Vous remarquerez que je n'ai cité que des générations paires, peut-être que ce théorème est vrai finalement. La troisième scène démarre comme celle d'avant, avec Pepper qui a préparé un sandwich supplémentaire spécialement pour Miraidon, montrant encore une fois son humanité. Dogrino retrouve cette fois-ci la voix et on part direct pour la prochaine cible. Tout se passe à l'identique et Pepper émet l'hypothèse que même en mangeant plein d'épices, Miraidon ne retrouvera pas sa forme de combat car la perte de cette dernière serait plutôt liée à un traumatisme psychologique. Au moins ici, on a de bonnes raisons de penser que c'est le cas, n'est-ce pas le fan club de Menzi? Par contre, l'épice n'a pas eu d'effet visible sur Dogrino, mais Pepper ne se laisse pas décourager et on part choper la dernière. Déjà, ça commence mal parce que jusqu'à présent, j'avais réussi à éviter les Pokéballs encastrés dans le sol que le développeur a oublié d'enlever, mais j'en ai eu une dans cette grotte-là et vraiment, c'était pas le moment d'avoir une distraction pareille. Miraidon mange le sandwich et retrouve son dernier pouvoir, tandis que Dogrino ne semble pas réagir plus que ça. Pepper commence à être désespéré car c'est la deuxième fois de suite qu'il ne se passe rien. Mais après un fondu au noir de 20 secondes, oui, 20 putains de secondes, Dogrino finit par retrouver tous ses sens. Cette cinématique fonctionne presque sans doublage, on arrive à ressentir des émotions à travers l'animation elle-même. On peut même voir comment les yeux de Pepper tremblent pour retenir ses larmes. C'est sincèrement touchant. Et juste après, la caméra dézoome et on voit la putain de Pokéball de développeur. Game Freak, vous êtes des ignobles trous du cul. Pourquoi vous êtes aussi nul à chier sans déconner? Même quand vous faites quelque chose de bien, même quand c'est l'un des très rares moments du jeu qui est enfin réussi, vous arrivez à le ruiner par votre incompétence. Vous savez pas animer un personnage qui cueille une herbe, vous foutez des écrans noirs pendant 20 secondes juste avant une cinématique ultra importante et vous oubliez d'enlever vos Pokéballs de merde de la scène tels des bolos que vous êtes. Combien de singes allez-vous encore exploiter avant de comprendre que vos jeux sont tellement pourris que dans 20 ans le fils de JDG pourra faire des vidéos dessus? Je suis extrêmement saoulé par toutes ces choses qui ont ruiné une scène aussi belle. Mais au moins Dogrino a retrouvé la forme et Turum nous appelle. En entendant la voix de Pepper, il dit qu'il cherchait à le contacter depuis longtemps et qu'il a besoin de son aide. Ce qui est extrêmement incohérent parce que de 1, Pepper a un téléphone et n'a aucune raison de ne pas avoir son père d'enregistrer dedans. Même si leurs relations ne sont pas cordiales, il ne l'aurait pas bloqué pour autant, il n'est pas immature à ce point. Et de 2, il aurait juste pu nous demander de contacter Pepper à sa place, chose qu'il n'a jamais fait. Mais passons parce que cette incohérence est probablement la moins grave du scénario. Il nous demande d'aller dans le laboratoire du phare, celui que Pepper avait refermé au début du jeu, mais d'abord pas plus. On comprend pourquoi Pepper ne l'aime pas. Ils ne s'en sont pas depuis très longtemps et au lieu de prendre de ses nouvelles, son père lui demande d'aller faire une course pour lui. Mais bon, pas trop le choix, faut y aller quand même. Turum nous recontacte quand on entre dans son labo, abandonné depuis que Pepper l'avait refermé au début du jeu. Il dit qu'il poursuit ses recherches, mais une de ses phrases a une tournure étrange. On ne le connaît pas, donc peut-être qu'il a l'habitude de parler de lui à la troisième personne, mais c'est un petit indice pour la suite. Il souhaite qu'on apporte le livre violet que Pepper a en sa possession et qu'il a utilisé pour en apprendre davantage sur les épices secrètes au cœur du cratère de Paldea dans la zone 0. Pepper révèle d'ailleurs que c'est là que Dogrino a été blessé. Le professeur sous-entend qu'il sera compliqué d'accomplir cette tâche à deux, mais nous laisse nous débrouiller. On sort du labo et Pepper nous défie pour voir si on a le niveau pour descendre dans le cratère. Comme c'est la première quête que j'avais terminée, j'avais une petite dizaine de niveaux d'écart avec son équipe, donc le combat fut relativement intéressant. Il avait toujours un Pokémon différent pendant les combats contre les dominants et les utilisera tous dans ce duel en plus de son Dogrino. Mais parlons de sa caractérisation parce que non seulement il est le meilleur personnage du jeu, mais l'un des meilleurs de la série. Mais c'est avant tout parce que 99% des personnages sont unidimensionnels. Chaque facette de Pepper est nuancée. Par exemple, il est fort en cuisine, mais il ne l'a pas appris car il voulait devenir cuisinier. Il a été forcé de le faire car ses parents ne s'occupaient pas de lui, trop accaparés par leurs recherches. Il a une relation bizarre avec Miraidon qu'il n'aime pas spécialement, mais garde une certaine empathie envers lui. Il reste curieux face à son regain de force. Il connaît ses faiblesses et n'a pas peur de demander de l'aide, mais n'est pas impuissant pour autant. Et il veut sauver son Dogrino à tout prix, pas seulement parce que c'est un Pokémon de son équipe, mais parce qu'il lui a tenu compagnie quand ses parents l'ont délaissé. Même sa relation avec ces derniers n'est pas unidimensionnelle. Il en veut clairement à son père ou à sa mère si vous jouez à Écarlate, de la
l'avoir presque abandonné à la surface, mais il continue de s'inquiéter pour eux et prend au sérieux tout ce qu'il lui dit. Il n'a aucune haine envers eux, juste de l'incompréhension. C'est probablement cette solitude qui a fait qu'il s'attache difficilement aux gens et reste froid avec ceux qu'il ne connaît pas bien, comme Enzi. J'en ai déjà dit autant alors qu'on n'a même pas traité le segment final, mais ça résume bien sa personnalité et sa façon de penser. Je vous conseille la vidéo qu'a fait Von à son sujet si vous voulez encore plus de détails sur lui. Pour résumer, Pepper est l'un des persos les plus nuancés de la série, et le fait qu'il soit l'enfant du professeur de Paldea qui est toujours entouré de mystères permet de garder le joueur en haleine. J'ai beau avoir été incapable, malgré ma bonne foi, à surmonter les défauts flagrants de ce jeu, je n'en restais pas moins curieux de savoir ce qui allait se passer ensuite. Son thème musical est une parfaite représentation de ça. Il y a des parties plus mélancoliques qui deviennent ensuite plus énergiques, montrant que malgré ses supposées faiblesses en combat, il ne baissera jamais les bras et accomplira son objectif. Je l'aime beaucoup. Après sa défaite, Pepper nous dit que malgré tout, il faudra que d'autres personnes rejoignent cette expédition. Il dit qu'il faudrait quelqu'un qui s'y connaît en technologie ainsi que quelqu'un de fort en combat. Menzi est une candidate évidente, mais elle n'acceptera pas tant que le genre ne sera pas son égal. Et puis, on peut choisir Pania, la fille qu'on a sauvée des griffes de la Team Star au début du jeu. Donc, si vous finissez cette quête en premier, le jeu vous spoilera presque de lui-même que c'est un personnage important, mais ça se voyait déjà au nombre de polygones que son sac Evoli possède. Dans tous les cas, vous ne pouvez pas avancer l'histoire avant d'avoir fini les deux autres quêtes, et puisqu'on parle de Pania, autant rester sur ce sujet en abordant le cas de la Team Star. Si vous n'avez pas joué au jeu, vous n'avez peut-être pas saisi tout de suite le lien entre Pania et la Team Star, mais croyez-moi, ça va être limpide très rapidement. En gros, plus d'un an avant notre arrivée, il y avait plein d'élèves qui se faisaient harceler par d'autres à l'académie, notamment parce qu'ils étaient différents. Parmi eux, on retrouve Brom, harcelé à cause de son rôle d'élève modèle un peu trop à cheval sur les règles, Meloko, d'abord connue pour sa beauté, puis harcelée parce qu'elle se rebellait contre les remarques des autres filles jalouses, Erio, harcelé pour être un passionné de ninja et de poèmes, en plus de son langage très soutenu, Ortiga, harcelé parce qu'il vient d'une famille riche et dépend beaucoup de sa mère, et finalement, Nefli, harcelé pour être jolie et forte en sport. Après avoir vu tout ça, Pania, qui est forte en piratage, a décidé de contacter et rassembler les élèves harcelés, mais sans jamais venir en personne. Ensemble, ils ont monté l'opération Star, consistant à faire face aux harceleurs, et les 5 élèves dont je viens de parler en sont devenus les boss. Ils ont travaillé ensemble pour se créer des uniformes, un code d'honneur, un thème musical et des énormes voitures appelées Star Mobile. Suite à ça, ils ont fait irruption à l'académie, ont rassemblé tous les harceleurs dans la cour et leur ont dit qu'ils étaient prêts à se battre s'ils continuaient. Mais comme au fond d'eux, les harceleurs n'ont pas de couilles, y compris dans la vraie vie, ils ont tout de suite arrêté et ont même quitté l'école. Cependant, le proviseur hésitait quand même à condamner cet acte puisque les membres de la Team Star séchaient les cours. Pania est venu le voir en suppliant de mettre toute la responsabilité sur son dos, ce qu'il accepta, et en échange, il envoya étudier un an dans une autre région. C'était avant tout un prétexte pour les faire changer d'air et l'aider à se reposer après ces événements. Pania est donc parti après un dernier appel aux 5 boss sans jamais leur dévoiler son visage. Vous voyez tout ce que j'ai raconté là? Eh bien, à part cette dernière scène ainsi que les préparations des boss pour leur opération qu'on voit dans les flashbacks post-combat, rien n'est montré. Strictement rien. Tous ces événements sont racontés via des boîtes de dialogue insipides, ce qui diminue énormément l'impact de chaque action. Imaginez si on avait eu une vraie cinématique avec les 5 boss qui encerclent leur harceleur, ou ne serait-ce que des scènes où on les voit se faire harceler. Mais non, que dalle, on n'assiste jamais à un cas d'harcèlement de nos propres yeux, sauf quand 2 sbires stars essayent d'embarquer Pania au début du jeu, ce qui est littéralement le contraire de leur objectif à la base. La Team Star est, par définition, un groupe composé d'élèves qui ont été harcelés. Il y a donc 2 possibilités. Soit ils ont commencé à harceler les autres élèves en retour, niquant donc le principe de leur team, ou alors des élèves lambda ont rejoint leur rang parce qu'ils trouvaient ça trop cool, sans en avoir quelque chose à foutre de leur code d'honneur, auquel cas c'est purement de la faute des boss de les avoir acceptés. Mais ça fait partie de l'une des moindres incohérences qui tournent autour de cette histoire. Du coup, après le départ de Pania, la team a continué à sécher les cours et à vivre dans leur camp, et ils sont de nouveau menacés d'expulsion par le nouveau proviseur, Clavel. Mais pourquoi les expulser alors que Pania a déjà, entre guillemets, payé pour leur crime? Eh bien, parce que le proviseur adjoint, qu'on ne voit jamais dans le jeu, a décidé de supprimer toutes les archives liées à cet incident. Et par la suite, quasiment tout le corps enseignant a démissionné, et c'est pour ça que la plupart sont nouveaux. En gros, l'opération Star a débarrassé l'académie de tous les harceleurs ainsi que de la majorité du personnel. Clavel, qui est donc nouveau, n'a jamais vu l'archive liée à l'incident puisqu'elle a été supprimée, et voit la Team Star comme une bande de délinquants. Et ça ne tient absolument pas debout. Déjà, le proviseur adjoint a été puni pour avoir essayé d'étouffer l'affaire, donc tout le monde savait ce qui s'était passé, il y avait juste plus d'archives. Alors, pourquoi ils n'ont pas juste
refait une deuxième archive. S'il savait que c'était important, pourquoi ne pas avoir recréé une trace de cette histoire? La première chose que t'es censé faire face à un menteur, c'est rétablir haut et fort les faits. D'ailleurs, le proviseur adjoint a également effacé la mémoire des élèves, puisque personne n'est foutu de dire la vérité parmi ceux qui ont assisté à cette histoire et qui sont encore présents à l'académie. À moins que le cursus ne dure qu'un an, mais c'est juste impossible pour plein de raisons. Et puis tous les enseignants qui démissionnent parce qu'ils ont honte de ne pas avoir empêché les harceleurs, ça c'est vraiment n'importe quoi. La réaction est extrêmement disproportionnée, mais en plus, c'est une affaire qui a dû faire beaucoup de bruit. Tout le monde a dû leur poser des questions par rapport à ça. Leurs amis, leurs familles, même leurs élèves. C'est totalement absurde que suite à ça, tout le monde prenne encore la Team Star pour des délinquants. Vous allez me faire croire que toute leur réputation ne tenait qu'à des documents sur un serveur? Et dernier clou dans le cercueil, pourquoi la Team Star a non seulement poursuivi leurs actions, mais n'a jamais tenté de rétablir la vérité? Ils sont littéralement les victimes dans cette situation. Mais pourtant, ils jouent le rôle de coupable pendant un an, jusqu'à ce qu'ils soient à nouveau menacés d'expulsion. Pire, Ortiga prend des cours particuliers avec littéralement l'ancien proviseur, celui qui a envoyé Pagna à Galar. Genre, il aurait pas pu dire à Clavel que la team est innocente? Il le fait, mais beaucoup plus tard et après l'intervention directe du joueur. Tu ne peux pas étouffer une affaire d'une telle ampleur où sont impliqués plein de profs, plein de personnages de l'académie et une énorme partie des élèves, dont beaucoup qui font encore partie de l'académie, juste en supprimant quelques fichiers. Bordel, plus j'y pense, plus leur passé est totalement con et mal écrit. Il n'y a aucune logique ni bonne volonté dans les camps respectifs. Je suis navré de dire ça, mais le passé de la Team Star ne tient absolument pas debout. Ensuite, Pania rentre de Galar et voit que la Team Star est menacée. Elle décide de contacter le joueur qui l'a sauvé juste avant des sbires de sa propre team, je signale, pour monter l'opération Stardust. Le code d'honneur de la team stipule que si un boss se fait battre, il devra abdiquer et tout le monde est à cheval sur ça. Elle veut donc que le joueur batte les 5 boss, les forçant à se rendre et revenir à l'académie, supprimant ainsi le risque qu'ils encourent. Mais comme Pania veut tout faire à distance, elle se présente sous le nom de Cassiopée. Shispolé qui était derrière la hackeuse car c'est extrêmement évident, n'en déplaise au jeu qui essaie de garder le mystère tout en vendant lui-même la mèche très rapidement, contrairement à Clavel qui, après avoir entendu notre conversation, décide de nous suivre sous son déguisement de clove. Tout le monde n'y voit que du feu, sauf le joueur et la manière dont il essaie de s'exprimer pour paraître jeune est très divertissante. Et surtout, ça montre que Clavel est un proviseur impliqué qui cherche avant tout la vérité et fera le nécessaire pour la trouver, y compris se déplacer dans toute la région. C'est clairement l'un des meilleurs personnages secondaires. Dans ma partie, j'ai commencé par Meloko et Game Freak avait vachement bien choisi le boss à mettre en avant dans les vidéos promotionnelles. Sa star mobile est totalement en adéquation avec sa tenue et son tempérament enflammé. Et puis j'ai vu que toutes les stars mobiles étaient identiques à l'exception des couleurs. Ah bah c'est bien Game Freak, hein, super pour la diversité, hein, génial hein. Oui, je sais que tous les boss sont censés être égaux, mais ça empêche pas qu'ils auraient pu avoir un design unique pour leur star mobile. Celles d'Erio ou d'Ortiga ne leur correspondent absolument pas. Et puis un autre truc un peu con, c'est que quand j'ai vu le nom du groupe de Meloko, Shedar, j'ai cru que tous les noms seraient des fromages mal écrits. Si, je vous jure. Au final, ça n'a aucun rapport, mais j'étais très confus en voyant les noms des 4 autres. Et donc, parlons des fameux défis stars. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit sur la nouvelle fonctionnalité en avant? Oui, je sais, c'était il y a longtemps, mais faites un effort. Eh bien, les défis de la Team Star ne se basent que sur ça. Vous arrivez dans leur base avec les 3 premiers Pokémon de votre team et vous devez vaincre 30 Pokémon adverses uniquement avec la fonction en avant en moins de 10 minutes. Vous devez donc vous balader dans la base en spammant le bouton R devant les petits groupes de Pokémon. Et vous pouvez vous soigner en utilisant le distributeur situé un peu partout sans aucune pénalité. Et en plus, ça rame parce qu'il y a beaucoup de personnages et de Pokémon à l'écran. Quel mini-jeu pathétique, putain. De plus, les gens aiment bien dire que Gen 5 ou Gen 7 ont trop de dialogues et tout, mais visiblement ça vous dérange pas que Cassiopée vous appelle avant de rentrer dans le repère en vous racontant des banalités inutiles sur la team, puis en vous disant d'une manière différente à chaque fois qu'il voulait s'attaquer de front. Waouh, dialogue sur 10. Une fois 30 Pokémon vaincus, le boss sort de sa cachette. Je n'ai eu aucun mal contre Meloko, Ortiga et Brom, mais j'ai beaucoup galéré contre Erio car j'étais bas niveau et contre Nefli pour des raisons déjà évoquées. Et comme pour les champions, les développeurs ont beaucoup nerf la plupart des boss en leur donnant que 3 voire 2 attaques sur plusieurs de leurs Pokémon. Après, je me dois quand même de citer leur musique qui a une guitare du feu de dieu. Les points négatifs ne s'arrêtent pas là malheureusement. Déjà, quand un boss est vaincu, le jeu vous montre un flashback où le groupe discute des préparations qu'ils sont en train de faire pour l'opération Star. Et c'est toujours la même putain de chose. Tous les flashbacks, c'est les 5 boss debout en cercle avec des animations minimales qui se parlent pendant une minute et c'est tout. Il n'y a aucune action. Ça aurait été intéressant de voir Nefli se battre pour de vrai contre d'autres boss en même temps pour montrer à quel point elle est forte. Ça aurait été cool de voir Ortiga et Meloko concevoir et construire ensemble les Star Mobiles. Ça aurait été sympa de voir Brom et Erio discuter des costumes et du thème musical de la team. Mais non, à la place,
place, on a des flashbacks de merde où les autres boss exposent le passé de celui qu'on a battu et les félicitent pour leur travail sur l'opération Star. C'est toujours le même schéma, et même si c'est intéressant d'en apprendre plus sur les boss, car avant de les affronter, on sait peu de choses sur eux, ça aurait pu être exécuté infiniment mieux. Et là où la narration trébuche, c'est que contrairement à Pepper, les scènes post-flashback sont liées au boss qu'on vient de battre. C'est à travers ces scènes qu'on apprend ce qui s'est passé il y a un an, et Game Freak a totalement foiré leur importance. Celui qui en révèle le plus, c'est Ortiga, car l'ancien proviseur arrive pour expliquer quasiment tous les événements pendant et après l'opération Star. Brom nous apprend pourquoi il continue à faire vivre la Team Star. Depuis que Panya est parti, ils n'ont plus de nouvelles et ils pensent que continuer leurs activités va la faire revenir. Mais vous n'êtes même pas des délinquants à la base, alors pourquoi vous continuez à faire comme si vous étiez les méchants de l'histoire alors que c'est loin d'être la vérité? En fait, le jeu a vraiment envie d'entretenir cette espèce de mystère au sujet de la Team. Il veut qu'on les voit comme des antagonistes alors qu'à la seconde où on bat Ortiga, ça ne sera plus jamais le cas. Les scénaristes forcent beaucoup trop sur cette ambiguïté alors qu'elle n'existe que parce que tous les personnages du jeu sont cons et amnésiques en même temps. Le pire, c'est que dans le cas d'Ario, on voit que la Team Star est soutenue à l'académie à travers l'élève qui veut devenir l'apprenti du ninja. Alors pourquoi personne n'est foutu de raconter ce qui s'est passé il y a un an? Pourquoi Clavel ne s'est jamais posé de questions quand il a pris son poste de proviseur après avoir vu que tout le personnel s'est barré d'un coup? Putain, qu'est-ce que ce conflit artificiel me fatigue! Néanmoins, les boss sont loin d'être unidimensionnels. Ils ont tous leurs traits atypiques, mais leur comportement est nuancé, comme Meloko qui est une grande timide derrière son attitude vénère, ou Nefli qui s'enfuit en pleurant quand quelque chose de dramatique se produit alors qu'elle a la carrure et la force d'un colosse. On n'est pas au niveau de Pepper, mais ça reste cool. À la fin de chaque repère, Cassiopée nous contacte pour transférer des points de ligue ou PL sur notre compte. Les PL sont essentiellement une deuxième monnaie qui a exactement la même valeur que les Pokédollars, et dans les magasins, vous pouvez même payer en PL. Ils ne servent réellement qu'à crafter des CT qui sont aussi débloqués après avoir battu un boss star. Et puis il y a quelqu'un de l'équipe de ravitaillement qui arrive pour vous donner des échantillons en bonus. Alors déjà, j'ai levé mon sourcil quand j'ai lu équipe de ravitaillement, puis quand j'ai vu que c'était Panya, j'ai réellement explosé de rire. C'est ça l'équipe de ravitaillement? Comment flinguer tout le suspense au sujet de l'identité de Cassiopée en une seule scène? Pour une raison inconnue, Mirrodin sortira de sa Pokéball à chaque fois qu'elle vient pour la lécher avant de s'endormir. Je suis pas sûr de comprendre la blague ou la raison pour laquelle ça arrive systématiquement étant donné que Mirrodin n'a aucun lien avec Panya. Honnêtement, la plus grande surprise de toute cette histoire, c'est quand vous battez les 5 boss et que Clavel vous affronte en essayant de vous faire croire qu'il est Cassiopée. Ça c'était inattendu mais au final pas très utile. Ah et son thème de combat pue la merde. Mais pourquoi on l'affronte? Parce que juste avant, quand on a fait abdiquer tous les boss, Cassiopée nous révèle que c'est elle leur big boss et veut qu'on la rencontre. Clavel nous a affrontés pour nous tester et aussi parce qu'il aurait préféré régler ce problème personnellement puisque c'est le proviseur. Mais il décide de nous laisser faire et c'est ainsi qu'on apprend que le big boss est Panya. Waouh, je ne m'y attendais pas du tout. Contrairement à Clove, le jeu veut que tu prennes cette révélation au sérieux mais c'est juste impossible. Elle demande à Clove de filmer le combat pour prouver aux autres boss que Big Boss a perdu et que la Team Star est dissoute pour de bon. Son équipe est composée d'évolution, quant à son thème de combat, il est 7 tiers et ne les correspond pas je trouve. Asa a voulu me faire promettre de le passer dans la vidéo, mais quand il m'a parlé du thème de Big Boss, je me suis demandé pourquoi il voulait que je mette une musique de Metal Gear Solid dans ma critique. Quant à sa personnalité, c'est une geek qui galère un peu socialement, déjà vu et revu, mais j'admire son courage et sa détermination à sauver ses amis après l'opération Star. Et il lui arrive d'avoir des touches d'humour, comme lorsque Clavel lui révèle qu'il a été Clove depuis le début, la première chose qu'il lui demande c'est pourquoi il a choisi ce genre de perruque. Bref, Panya perd, les autres boss arrivent, convoqués par Clavel. C'est une réunion touchante et mignonne, surtout le moment où ils lui font tous le signe de la Team Star. Finalement, les sanctions de la Team Star sont levées, mais leurs camps seront convertis en terrain d'entraînement pour les élèves. C'est quand même dommage que toute cette histoire n'aurait même pas dû exister. Je sais que beaucoup d'entre vous ont aimé ce scénario, surtout pour son côté émotionnel, mais c'est la seule chose à laquelle vous pouvez vous raccrocher. La quête de la Team Star est globalement foirée à la fois narrativement et en gameplay. Les événements qui suivent directement l'opération Star n'ont aucune logique, le jeu cherche à créer une ambiguïté aux yeux de la méchanceté de la Team qui s'écroule très vite, le plot twist de Panya est une blague, les flashbacks ne montrent rien, l'importance des informations qu'on apprend sur le passé de la Team varie excessivement de boss en boss, et les affrontements de la base sont pétés au sol. Seuls quelques boss arrivent à remonter la moyenne de par la difficulté, et les personnages arrivent à être un minimum nuancé. Waouh, quel palmarès de fou! Je sais que vous serez pas d'accord avec ce verdict, parce que cette histoire vous a fait ressentir des émotions fortes! Oh pépou! Mais devinez quoi? On peut avoir des histoires émotionnelles avec une fondation qui tient la route. Et la fondation de cette histoire-là, je la cherche encore. L'objectif Stardust est catégoriquement raté. Mais au moins, il fait des efforts, et c'est déjà mieux qu'une histoire ratée qui n'en fait pas. N'est-ce pas, Menzi? Dans cette partie, je vais parler de Menzi, mais également des champions. Ce qui est bien, c'est que j'ai pas besoin de vous présenter le concept du défi des arènes, c'est exactement la même chose que dans les autres jeux. Et j'ai déjà parlé d'à quel point les champions sont des blagues carambars. Je vais parler d'eux dans l'ordre dans lequel je les ai affrontés. Et une fois n'est pas coutume, je m'attardais sur le challenge de chaque arène appelé examen parce que putain qu'est-ce qu'ils sont nuls à chier dans ce jeu. Menzi nous attend en embuscade dès l'entrée de la première pour ne rien dire et nous donner des potions avant de se barrer. Et là déjà ça ne va plus. La première arène que j'ai fait, c'est celle de Yono, oui je refuse de l'appeler par sa traduction française explosée, qui m'a donné
énormément de fils à retordre, mais il faut surtout que je parle de son épreuve. C'est un gag à la con où il faut trouver le proviseur et je savais déjà les réponses parce que j'ai vu Von y jouer quand j'étais chez lui. Ça me rappelle un peu l'épreuve de type feu de Gen 7. Marrant, mais sans fond. Passons au combat et un truc qui rend les champions encore plus ridicules qu'avant, c'est qu'ils utilisent la Terra, mais très mal. Vous savez que la Terra, c'est censé être une transformation stratégique qui surprend ton adversaire parce que tu changes de type et tout. Et bah ici, c'est tout l'inverse. Les champions vont envoyer un Pokémon sans rapport avec leur type, puis vont le Terra dans leur type de base. Tout ce que ça fait, c'est permettre au jeu de faire des références à la con, genre simularbre de type plante, ouais, super drôle, ta blague qui date de 2001, pété d'ailleurs, je suis mort. Et la seule championne qui l'utilise de manière compétente, c'est Yono ici présente. C'est son Magiref qui en bénéficie, et grâce à son talent lévitation, il n'a donc plus de faiblesse, puisque seul le type sol peut vaincre le type électrique. C'est la seule instance de tout le jeu où la Terra est utilisée à bon escient, et encore, il n'y a aucun élément de surprise, car on sait que ça sera toujours sur le dernier Pokémon. Après ça, Menzi nous appelle pour nous vanter les mérites de son Chocodile qu'elle pense être top 5 des Chocodiles. Faudrait vraiment penser à la bloquer celle-là. Mais de toute façon, ça ne suffirait pas car elle nous retrouve à chaque fois, preuve en est, elle nous attend encore devant la deuxième arène. La reine est de type insecte, c'est donc tout naturellement que l'examen consiste à pousser une olive gonflable dans un panier avec dresseur entouré d'Olivini, le fameux Pokémon de type insecte de Paldea. Cette épreuve est un nid à bug, mais je vous cache pas que j'en avais pas grand chose à foutre à ce stade, je voulais juste finir le jeu au plus vite. Le parcours lui-même n'a rien d'exceptionnel et reste extrêmement facile. On affronte la championne Hera et... oh, elle a Terra son Pokémon au même type que les autres, je peux donc juste cliquer sur la même attaque et le one-shot comme le reste au lieu d'être obligé de revoir ma stratégie et donc avoir plus de challenge. À la fin, par chance, c'est pas Menzi qui nous attend, mais plutôt le professeur Asahinilum pour nous dire que son cours est disponible. Information que je m'empresse d'ignorer. Menzi nous accoste à la troisième arène et cette fois c'est pour nous affronter. Ce qui est drôle, c'est que faire l'arène de type normal en troisième permet de constater que Game Freak n'a pas du tout réfléchi à ces scènes. Menzi dit allons sur le terrain de combat, puis fait un speech inutile sur le type de sol dont le terrain de combat est composé et on se bat dans la rue. Mais quelle branque, putain! Menzi nous montre enfin son crocodile top 5, mais j'en fais qu'une bouchée parce que, évidemment, il est faible à mon starter. Crocodile explotando. Concernant l'examen, celui-ci fait partie des meilleurs ou plutôt des moins pires. Vous devez battre des dresseurs dispersés en ville et chercher des indices sur un plat que vous devez commander dans le restaurant de la ville avec des instructions assez spécifiques. Si vous commandez le bon plat, vous pourrez affronter le champion Okuba. Et à la fin de ce combat... oh, il a Terra son Pokémon au même type que les autres, je peux donc juste cliquer sur la même attaque et le one-shot comme le reste au lieu d'être obligé de revoir ma stratégie. La maîtresse de la région, Alisma, nous accoste, ne dit rien et s'en va. Vient le tour du champion de type O. On le voit sortir de son arène pour aller dans une autre ville, mais il fait tomber son portefeuille que son assistante nous demande de lui rendre. On arrive dans l'autre ville qui ne sert que d'enchères et on affronte son apprenti. Le combat est très forcé, c'est certainement parce que Game Freak voulait absolument avoir un combat de dresseur avant qu'on puisse affronter le champion. On rend le portefeuille et le champion nous demande de participer aux enchères à sa place en guise d'épreuve d'arène. Et c'est nul à chier, vous devez juste augmenter le prix jusqu'à ce que les autres participants ne puissent plus payer. Incroyable. Juste avant qu'on puisse l'affronter, on retombe sur Asa ainsi que Porsche, personnage adoré par la communauté, il paraît. Et oui, c'est une femme. Je sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme. Ils ne disent rien et s'en vont. On affronte enfin ce putain de champion et... oh, il a Terra son Pokémon au même type que les autres. Je peux donc juste cliquer sur la même attaque et le one-shot comme le reste. Oui, je recycle cette blague, mais pour vous, un jeu qui copie-colle constamment des scènes est un énorme banger, donc je pense que vous survivrez. Un truc que je trouve extrêmement stupide, c'est l'emplacement de cette arène. C'est une ville basée sur l'eau qui se trouve juste à côté d'un désert et il y a constamment des tempêtes de sable dedans que les résidents ignorent complètement d'ailleurs. L'eau qui passe dans la ville doit être remplie de sable, c'est dégueulasse. Ah, et Menzi revient pour nous parler de son putain de Chocodile. Top 5 Fuecocos. Numéro 4 Fuecoco Clash Royale. Allez, au suivant. Menzi nous rattrape encore pour nous demander un duel, puis quand on accepte, elle dit que finalement elle doit choisir les Pokémon qu'elle utilisera, donc il faut qu'on fasse l'arène d'abord. Super, merci pour cette scène très utile qui caractérise vachement bien ce magnifique personnage de merde. Ici, vous devez rassembler 10 Eliatrons dispersés dans la ville, donc c'est un putain de cache-cache. Et les Eliatrons bougent à 3 FPS. Moi, il y a un truc qui me chiffonne, c'est que généralement, la performance d'un jeu est quelque chose que les développeurs savent bien à l'avance. Donc si la performance est exécrable, ils sont au courant bien avant que le jeu sorte. Ça veut dire que Game Freak a créé cette épreuve en connaissance de cause. Ils savaient que c'était dégueulasse, ils savaient qu'ils n'étaient pas capables de faire mieux que ça, et ils l'ont quand même fait. Pourquoi est-ce que vous êtes aussi minables? On affronte le champion plante et... oh, il a Terra son Pokémon au même type que les autres, je peux donc juste cliquer sur la même attaque et le one-shot. Alisma nous accoste, puis Menzi arrive et on fait un combat contre elle. Au passage, elle a fait tout un plat sur le fait qu'elle devait choisir son équipe pour qu'au final, elle utilise les mêmes Pokémon qu'avant. Après ça, elles ne disent rien et s'en vont.
À l'entrée de la prochaine arène, on trouve un autre prof qui nous file 9 chances, ne dit rien et s'en va. Je dois dire que l'examen de l'arène psy est l'un des moments les plus pathétiques du jeu, et croyez-moi, il y a du choix. Déjà, le jeu vous montre deux perspectives simultanées, et bien évidemment, ça rame comme pas possible, constamment. Mais en dehors de ça, l'examen est une série de QTE où vous devez appuyer sur un bouton correspondant dans un temps imparti extrêmement généreux. Le truc, et je ne sais pas s'ils l'ont patché depuis, c'est que vous pouvez spammer le bouton correspondant, ce qui arrêtera le timer momentanément, et faire ça en boucle pour rallonger cette séquence pendant très longtemps. Je suis en train de rigoler en écrivant ces lignes parce que je n'arrive pas à réagir autrement. Le jeu est en train de se vautrer tout seul dans sa propre chiasse devant moi, comment voulez-vous que je garde mon sérieux? Le pire c'est que vous devez le faire deux fois, j'ai pas les mots, c'est juste trop. On affronte la championne psy qui a beaucoup plus la gueule d'une championne fée, mais ok, soit, et... Oh, elle atterra son Pokémon au même type que les autres, je peux donc juste cliquer sur la même attaque. Asa réapparaît, ne dit rien et s'en va. Menzi nous attend encore en embuscade à la prochaine arène. On l'affronte, elle dit rien et s'en va. Pour une raison qui n'est pas explicite, toute l'arène spectre se fait en combat double. Autant ça avait du sens avec Roy. C'était le dernier champion et il utilisait la météo à son avantage. Là, je ne vois pas quels avantages le type spectre peut avoir en combat double plutôt qu'en solo. On dirait qu'ils ont voulu changer pour changer. L'examen consiste à affronter des dresseurs pour attirer du public avant le concert de la championne. Très classique, mais c'est beaucoup trop long pour rien. Quand on a fini, on assiste à un rap battle entre la championne et un autre challenger qui se fait laminer. Au passage, les punchlines de Laïm sont meilleurs que l'intégralité du rap français. Y a aucun débat. On l'affronte en combat double aussi et... Oh, elle atterra son Pokémon au même type que les autres. J'aurais préféré faire un rap battle. On retombe sur Porsche qui nous présente sa petite sœur, puis elles s'en vont. Menzi nous tombe encore dessus à la dernière arène pour nous parler de son putain de chouchou deal. Numéro 3, Fuegoku Amogus, al impostor que tiene que pasar su tarjeta. Puis on doit faire l'épreuve qui consiste à descendre la montagne en glissant. Ça aurait pu être intéressant si le jeu avait un quelconque système de score qui te forçait à passer entre les drapeaux et si on ne pouvait pas finir cette épreuve sans toucher la manette. J'ai même pas besoin d'écrire de vanne. On affronte Grusha, le dernier champion. Oui, c'est un homme, je pense qu'il voulait dire le contraire. Je suis à moitié libanais. Qui nous demande si on est vraiment prêt à l'affronter. Alors qu'il est plus faible qu'un dominant et deux boss de la Team Star. Imagine, t'es le dernier champion et tu te fais dépasser par deux gamins et un sushi. Et une fois qu'on a vaincu trois de ces Pokémon... Oh... Suite à ça, Alisma et Menzi viennent nous voir. Menzi nous fait encore chier avec son chouchou deal. Numéro 2, Fuegokos illuminado y oscuro. Et Alisma ne dit rien et s'en va. Ah, et j'ai eu une Pokéball des développeurs dans cette pièce. Du coup, on doit rouler sur toute la ligue comme dans les autres jeux. Ça fait que le scénario des Menzi est potentiellement le plus long car il contient le plus de personnages à défier sur la map, puis une autre volée de combat juste après. Alisma nous attend à l'entrée, ne dit rien et s'en va, nous laissant débuter l'examen final. Je vais en profiter pour parler un peu des membres du Conseil 4 parce qu'en contrairement à l'écrasante majorité des anciens jeux, Pokémon Violet les met en avant. Il prend la peine de te les présenter plusieurs fois même au cours de la quête des arènes et on voit vite fait les relations qu'ils ont entre eux. Enfin, trois d'entre eux car on ne sait pas qui est le dernier pour le moment. En tout cas, j'apprécie qu'ils soient mis en avant parce que très souvent, les membres du Conseil 4 étaient mémorables uniquement parce que c'était votre premier jeu Pokémon. Genre pour en prendre un exemple, j'ai fait les conseils 4 de Johto et Sinnoh relativement tard dans ma vie, donc ils sont beaucoup plus oubliables pour moi que les conseils 4 de Hoenn ou d'Unis. Mais je peux totalement comprendre que certains pensent l'inverse. Objectivement, la plupart des membres des conseils 4 sont enfermés à la ligue et ne sont pratiquement pas caractérisés et c'est cool de voir que Game Freak cherche à y remédier. Même si c'est pas vraiment nouveau puisque Gen 7 utilisait déjà des personnes qu'on connaissait dans le rôle du conseil 4. Avant de les affronter pour de vrai, on doit passer un entretien avec Porsche et pour une fois, si vous répondez mal, vous perdez. C'est fou quand même. En gros, c'est un test assez basique où il faut répondre que t'aimes les Pokémon et que tu cherches ton trésor, blablabla. Mais là où vous pouvez vous foirer, c'est quand elle vous pose des questions plus pointues concernant les champions, genre leur nom ou leur type. C'est absolument rien de transcendant, mais ça demande à un minimum de mémoire. Porsche nous amène dans une autre salle où on l'affronte. Tout comme les champions, ils utilisent la terrasse sur leur dernier Pokémon et c'est toujours le même type que le reste. Ce qui est sympa, c'est que les types du Conseil 4 sont basés sur ceux des dominants. Sol, acier, vol et dragon. Alisma n'a pas de type de prédilection, mais utilise une terra de type roche comme le premier dominant. Et le membre du Conseil 4 qu'on ne connaissait pas était en fait Okuba, le champion de type normal. Il raconte qu'Alisma l'a un peu forcé à changer de type pour le sortir de sa zone de confort. Quelque chose qui est fortement appréciable, c'est la relation de tout ce groupe. Ils ont une dynamique de collègues de travail qui s'entendent bien et jouent sur leurs excentricités respectives. Une fois de plus, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vraiment eu avant. Puis arrive le tour d'Alisma et... Oh putain, c'est quoi cette merde? Plein de gens l'ont dit, donc j'ai pas tourné autour du pot, cette conne peut envoyer son scalpereur n'importe quand durant le combat, alors qu'il a le talent général suprême, augmentant de 10% ses stats offensives par Pokémon KO dans l'équipe, et envoie Floreclea en dernier, alors que son talent, c'est d'envoyer des pics toxiques sur le terrain adverse à chaque fois qu'il reçoit un coup. Et le reste de sa team est tellement aléatoire que je vais finir par croire que Game Freak a réellement engagé un singe pour la créer. Certains diront qu'elle a deux Pokémon de Gen 6 parce que l'Espagne est juste à côté de la France et que c'est une référence voire même un teaser pour la suite, mais honnêtement, je m'en branle. Son équipe pue la merde.
Point. Et puis désolé, mais Floreclat est un Pokémon éclaté du cul dans ce contexte-là. Il est censé être l'équivalent de Karchakrok, Metalos, Pyrax, Mega Gardevoir, et j'en passe. Mais c'est rien de plus qu'un Pokémon random de la deuxième moitié du Pokédex. Et puisqu'on est là, permettez-moi de péter un câble sur ce véritable cirque qu'est le défi des arènes. Tout le long du jeu, on te bassine constamment avec le fait que la ligue c'est du sérieux, qu'Alisma est trop forte, et que toi aussi t'es trop fort parce que t'as battu tel ou tel champion, que tu fais partie des quelques élèves à l'avoir fait gna. Et pourtant, les champions de Paldea sont objectivement les plus faibles de la série, n'ayant jamais accès à 4 capacités par Pokémon, ni aux potions, ni aux objets tenus, et utilisant une terre de leur propre type. Dans les anciens jeux, les épreuves de l'arène, c'était des puzzles divers et variés, ou des idées plus originales comme l'arène Feu de Galar. Et les épreuves de Paldea, c'est du cache-cache, des Où est Charlie, des enchères ridicules que tu gagnes en appuyant deux fois sur A, des QTE qui rament programmés avec le Q, ou des chasses aux indices. Comment veux-tu qu'on prenne les champions, et par conséquent, la ligue, au sérieux, quand ils sont plus faibles que des écoliers, et que leurs épreuves sont dignes d'une activité de colonie de vacances? Et je vous assure que je ne serais pas si vénère concernant ces points si le jeu ne t'arrêtait pas à littéralement chaque arène pour te vanter tes propres mérites ainsi que de saucer la ligue Pokémon. C'est insupportable et extrêmement répétitif si vous faites beaucoup d'arènes d'affilée comme ce qui m'est arrivé. Si la ligue est si prestigieuse et forte, montre-le moi en gameplay, bordel. Les champions sont des grosses merdes, le seul membre du conseil 4 qui vaut quelque chose est Asa, et Alisma, vous savez, la femme super mystérieuse que vous croisez parfois et dont tout le monde chante les louanges, a une équipe comme ça. Comme quoi, il n'y avait même pas besoin de Mainzy pour que cette quête soit ratée. Parce que oui, le consensus général, c'est que le défi des arènes est le point faible du jeu, mais je voulais vous montrer à quel degré c'était de la merde. Je pourrais taper Black Carambar sur Google, cliquer sur n'importe quel lien et trouver une vingtaine de vannes plus drôles que cette farce pathétique. Et je sais pas vous, mais je trouve ça un peu exagéré de dire qu'un jeu est un banger alors qu'un tiers de celui-ci est considéré comme moyen ou carrément mauvais. Alisma nous accompagne à la sortie et Mainzy nous accoste pour nous féliciter, puis on décide de nous battre en plein centre-ville de Messaledo. Et maintenant qu'on arrive à la fin de ce scénario pourri, parlons de Mainzy en tant que personnage. Je l'ai déjà dit, Mainzy est nul. Mais comme j'ai déjà vu les arguments claqués de son fan club, je vais devoir prêcher les convaincus parce que ceux qui pensent qu'elle est bien sont irrécupérables. Prenez ce segment comme une explication de pourquoi c'est un perso de merde et peut-être que vous pouvez ressortir quelques arguments aux défenseurs de cette planche inintéressante. Mais d'abord, un peu de positif. Déjà, j'ai trouvé son carré design vraiment top, l'un des meilleurs de ce jeu. Elle garde l'uniforme de l'académie, la rattachant ainsi à son rôle de délégué, tout en ajoutant des choses par-dessus qui font ressortir sa personnalité, comme sa mèche verte ou son gant. Le problème des protagonistes de ce jeu, c'est que leur design de base n'a aucun charme et ça a du sens puisque c'est un uniforme d'école. Mais puisqu'on peut pas personnaliser leurs habits autant qu'avant, il leur manque quelque chose comparé aux autres. Mainzy arrive cependant parfaitement à tenir son rôle d'étudiante sans sacrifier sa personnalité. Elle est d'ailleurs beaucoup plus grande que le joueur en taille, montrant à la fois qu'elle est son aînée, mais aussi qu'elle a atteint son objectif avant lui. J'aime aussi ces deux thèmes musicaux, l'un autant que l'autre. Le premier joue quand vous l'affrontez au cours du jeu, et le deuxième beaucoup plus développé lors de son combat final. Je suis un énorme fan de guitare électrique et de piano, donc forcément quand une musique mélange les deux, je deviens un énorme Yonkli. Et c'est ici que mes éloges s'arrêtent. Premièrement, Mainzy n'a aucune personnalité, aucune nuance. Pepper a des relations compliquées avec Miraidon et ses parents, il est froid mais sait se montrer chaleureux à ceux qui l'apprécient. Pania est distante et réservée mais possède énormément de courage, ce qui a permis de sauver ses amis d'une expulsion, sans parler de ses compétences en piratage. La personnalité de Mainzy, c'est les combats. Toute son existence tourne autour de ça. Je suis quasiment certain qu'il n'y a pas une seule apparition de Mainzy à l'écran où elle ne mentionne pas les combats. Imaginez si Pepper ne parlait que de cuisine ou si Pania ne parlait que de piratage. Or, c'est pas le cas, alors pourquoi Mainzy n'a pas le droit à une vraie personnalité? Du coup, son objectif, c'est de se trouver un bon rival pour faire plein de combats. En soi, c'est pas un mauvais prétexte pour nous affronter constamment. Sauf qu'on comprend vite que les autres élèves ont peur d'elle à la fois parce que c'est la déléguée et parce qu'elle est trop forte. Et donc, naturellement, Mainzy part harceler un nouvel élève qui ne la connaît pas et le force littéralement à devenir son rival. C'est une turbo forceuse qui ne pense qu'à assouvir son énorme dalle des combats. En plus, la peur des autres élèves n'est même pas fondée puisqu'elle est totalement capable d'adapter son équipe à son adversaire. La preuve en est, nous. De plus, Mainzy adopte un peu un rôle de mentor dans cette histoire tout en testant entre forces régulièrement. Je n'ai rien contre ça, mais rappelez-vous de ce que j'ai dit au sujet de Miraidon. Il ne faut pas être hermétique à de nouvelles idées, mais le plus important, c'est de savoir si c'est bien exécuté ou non. Et dans le cas de Mainzy, c'est un énorme non.
Déjà, difficile de prendre un mentor au sérieux quand il se retape aussi les arènes, chose superflue dans son cas qui plus est, mais soit. Les raisons principales de l'échec d'Emenzi en tant que mentor, c'est qu'elle ne nous apprend rien. Tout ce qu'elle fait, c'est de nous harceler pour qu'on fasse un combat contre elle. Et le pire, c'est qu'elle n'arrête pas de dire qu'elle possède plein de Pokémon et qu'elle doit choisir son équipe pour nos combats, sauf qu'on affronte systématiquement les mêmes Pokémon. Game Freak veut nous faire croire qu'elle a plein de créatures en stock alors que son équipe progresse de l'exacte même manière que les autres rivaux de la série. Et même dans le post-game, son équipe est la même que dans l'aventure. Ça aurait pas été beaucoup plus intelligent de faire l'inverse, c'est-à-dire changer son équipe à chaque rencontre, à part éventuellement son starter. C'est aussi pour ça qu'elle ne marche pas en tant que rivale qui a fini la ligue. On sait qu'elle est super forte, donc quand on la bat, on n'a aucune sensation d'accomplissement parce qu'on sait qu'elle se retient constamment. C'est aussi satisfaisant que de battre un mec en fauteuil roulant aux 110 mètres et, contrairement à Miraidon, cette idée-là est mal exécutée. Mais vous savez, c'est quoi le plus drôle? Le seul combat du jeu où vous êtes obligé de la battre pour progresser l'histoire, c'est le tout dernier à Messaledo. Vous pouvez perdre tous les combats avant ça sans la moindre conséquence. Et Menzi s'en branle. Ce qui veut dire qu'en réalité, elle est juste une grosse forceuse qui n'en a rien à foutre des autres et qui passe son temps à harceler un nouvel élève pour qu'il se batte contre elle. Et bien évidemment, le jeu fait comme si de rien n'était, c'est normal. Oui mais Arc, dira le fan club de ce perso de déchet, c'est parce qu'elle est traumatisée à cause de sa solitude et cherche à tout prix la compagnie de quelqu'un de fort. Allez, c'est parti. Alors déjà, utiliser un terme comme traumatisé montre que vous n'avez pas conscience de sa signification. Et ensuite, est-ce que vous pouvez me pointer vers une seule instance où elle en parle ou le montre de quelque manière que ce soit? Oui, la scène dans le post-game où elle parle de son passé! Donc, elle raconte qu'elle a consacré sa vie au combat Pokémon et qu'après avoir battu la Ligue, on lui a dit que c'est parce qu'elle est surdouée au lieu de la félicité. Sauf qu'elle en parle de manière totalement nonchalante, elle est juste vaguement agacée par ces événements et s'empresse de le balayer sous le tapis. Genre, ok, elle a été isolée des autres parce qu'elle était forte, mais rien ne montre que ça l'a traumatisée. Vous n'avez aucune putain d'idée de ce qu'est un traumatisé. À la limite, elle aurait pu être dépressive, mais son attitude dans le jeu est à l'opposé total de ça. Si vous croyez que Menzi est un bon personnage, soit vos hormones sont un peu trop hors de contrôle, soit vous avez vraiment, mais vraiment adoré son design et vous souhaitez désespérément que sa personnalité soit à la même hauteur. Je n'aime pas décrédibiliser les gens de la sorte, mais pour dire des dingueries pareilles sur cette meuf qui a la personnalité d'un meuble Ikea, il faut vraiment avoir un grain. Et encore, au moins le meuble Ikea, il sert à quelque chose lui. Par ailleurs, j'ai trouvé un commentaire sur une vidéo que je vais pas mentionner parce que je veux pas que les gens aillent taper sur la personne et aussi parce qu'elle n'a pas d'importance dans ce que je vais dire. Et je ne veux absolument pas taper sur le commentaire en question non plus. En gros, des gens pensent réellement que Menzi est autiste. J'ai même trouvé un thread qui a reçu beaucoup d'attention à ce sujet et après l'avoir lu, je me dois de le débunker parce qu'à ce stade, c'est de l'utilité publique. Alors, qu'on soit clair, je n'ai aucun souci avec la présence de personnages avec des handicaps physiques ou psychologiques dans les jeux vidéo. Mais cette théorie est du grand n'importe quoi. Déjà, oui, elle n'a d'intérêt que pour les combats. Certains vont le prendre comme un signe, mais quand vous y réfléchissez deux secondes, il y a un paquet de personnages, à la fois dans Pokémon et dans les jeux vidéo en général, qui n'ont qu'un seul centre d'intérêt. Blue ne cherche qu'à devenir fort, Max ne cherche qu'à réveiller Groudon, Bowser ne cherche qu'à conquérir le royaume champignon. Est-ce que Blue, Max ou Bowser ont des troubles du spectre autistique? Non, bien sûr que non, ils ont juste une caractérisation très simplifiée. Tout comme Menzi. Arrêtez de confondre des personnages qui n'ont qu'un seul centre d'intérêt avec des personnages ayant des troubles psychologiques, c'est limite insultant envers ceux qui ont vraiment ces troubles. Là. Ensuite, il dit qu'elle n'a pas d'amis, virgule, elle a des troubles de la communication. Et cette dernière phrase est une invention totale, je vois pas d'où ça sort. Ne pas avoir d'amis ne signifie pas avoir des troubles de la communication, ça n'a aucune corrélation directe. Et ma question suivante, c'est... Est-ce que vous avez vraiment lu les dialogues d'Emenzi? Bah j'ai pas l'impression, parce que si vous l'aviez fait, vous auriez très vite vu qu'elle n'a aucun problème pour s'exprimer. Aucun. Cette phrase est sortie du cul, purement et simplement. Si elle avait des problèmes pour communiquer, vous croyez vraiment qu'elle serait la déléguée de l'académie? Moi j'en connais qui ont des troubles de la lecture. Argument suivant, les autistes sont évités, et dans la scène au début avec Pepper, il l'évite aussi. Déjà si vous regardez la scène, il l'écoute clairement. Hein. Et ensuite, il ne répond pas à sa question sur la nature de Miraidon parce que son père lui a dit de ne pas en parler. Pareil pour la question sur la Pokéball. As-tu joué au putain de jeu? Et en plus, il a peur de Menzi, non pas parce qu'elle est autiste, mais parce que c'est la déléguée et que littéralement dans la même scène, elle lui demande d'arrêter de sécher les cours. Il veut juste l'esquiver pour pas qu'elle l'engueule pour ça, c'est tout. La distorsion de la réalité de ce tweet est effarante et je parle même pas de l'appel à l'émotion. Et on va rester sur la même chose avec le tweet suivant où il dit que les élèves refusent de manger ou juste passer du temps avec elle. Ce qui est littéralement faux parce que dans la scène en question, le gars refuse de faire un combat contre Menzi, pas autre chose. Et en plus, dans la scène suivante du post-game, elle dit que l'élève a encore refusé son offre de combat. Elle ne fait qu'harceler les gens pour qu'ils s'affrontent sans se remettre en question, c'est tout. Elle n'a que ça à la bouche. Les gens lui tournent le dos parce qu'elle ne cherche qu'une seule chose, c'est quand que vous allez le réaliser. Et le dernier tweet dont je vais parler mentionne le fait qu'elle ne s'entend qu'avec des adultes comme Alisma et Clavel. Sauf que c'est parfaitement normal qu'elle passe du temps avec ces deux-là puisque c'est la déléguée, donc elle voit le proviseur régulièrement et elle reste en contact avec Alisma car c'est la grande chef de la ligue. C'est juste de la logique de base en fait.
Ce trade est un désastre de déformation de la réalité et ne fait que confirmer que le fan club de Menzi n'a absolument rien pour se défendre. Même si je pense qu'il n'y avait rien de pernicieux derrière, juste quelqu'un qui analyse extrêmement mal et fait des conclusions beaucoup trop hâtives. Il ne faut pas attribuer trop vite de la malveillance à des choses explicables par la bêtise. D'ailleurs, le nombre de gens qui y ont cru ne fait que confirmer ce que je disais dans ma vidéo sur Metal Gear Rising. Les individus n'ont plus d'esprit critique, ils lisent un truc et se disent que c'est vrai, ne remettant jamais rien en question. Alors qu'il suffit de jouer au jeu pour se rendre compte qu'il n'y a que des conneries dans le trade. Les fans sont tous crédules. Et s'il fallait une preuve de plus, j'ai sorti un top 10 des jeux Pokémon où j'ai mis 10 fois épée bouclier pour le 1er avril et un nombre astronomique de personnes ont pris ça premier degré. Et encore, j'ai supprimé les commentaires qui insultaient tous mes ancêtres. Comment vous faites pour utiliser un smartphone ou un PC en étant aussi con ? Qui gagnerait ? Des êtres vivants qui évoluent depuis des centaines de siècles et sont aujourd'hui l'espèce la plus intelligente de la planète ? Ou du sarcasme ? Pour en revenir vite fait aux commentaires, la personne souligne qu'il ou elle aime énormément Menzi, et de ce que je comprends, il ou elle a vraiment un trouble du spectre autistique. Donc non seulement cette personne est attachée à Menzi, mais veut se reconnaître en elle. Et si ça lui fait plaisir, tant mieux. Mais il n'y a même pas un début de preuve qui montre que Menzi l'est. Le scénario ne fait aucun effort sur sa caractérisation à part nous rappeler sans cesse à quel point elle veut se battre. Tout ce que je vois, c'est un fan qui aime un peu trop le personnage et veut absolument lui donner plus d'importance qu'elle en a vraiment. Exactement ce que je dis tout à l'heure. C'est très irrationnel. Arrêtez de vous mentir à vous-même. Je vais faire appel à votre bon sens, et je sais déjà que très peu de gens en auront, mais c'est pas grave. Selon vous, est-ce que Menzi est un personnage secrètement profond et intéressant avec plein de nuances, ou est-ce que c'est un énième personnage unidimensionnel et mal écrit dans une série de jeux où la majorité des personnages sont unidimensionnels ou mal écrits ? Moi je pense que la question elle est vite répondue. Et puis sincèrement, vous croyez que Game Freak, une société japonaise, va donner un handicap mental à l'un de ses personnages principaux dans un jeu Pokémon ? Sérieux, vous en êtes à ce stade-là de déni ? Encore une fois, j'ai pas de problème avec ce genre de choses, c'est pas que je veux pas qu'elle le soit, c'est que c'est très improbable. Finalement, il y a un petit côté cynique en moi qui me dit que toute cette Zumba autour de Menzi n'existerait pas si c'était un garçon. Vraiment, soyez honnête avec vous une seule fois dans votre putain de vie. Est-ce que vous seriez tout aussi enthousiaste face à elle si c'était un mec? Ou est-ce que vous la jetteriez dans la même pile de personnages relous que les autres rivaux masculins? Si Menzi était Menzo, vous diriez que c'est un rival chiant qui te harcèle en permanence et n'a pas de personnalité. Exactement ce qu'elle est réellement. Je trouve ça effectivement très bizarre qu'on a droit dans le même jeu à des personnages très nuancés comme Pepper et des planches comme As. Mais quand on voit à quel point le défi des arènes est une catastrophe dans son intégralité, ça devient un peu plus compréhensible. Game Freak a un peu développé le Conseil 4, mais Alisma est complètement lisse et inutile. Quand je dis que les personnages ne racontaient rien d'intéressant pendant le défi des arènes, je ne mentais pas. Toutes vos conversations sont du vent. Par conséquent, la maîtresse de Paldea est la pire de toute la série à l'heure actuelle, dans toutes les catégories. Son équipe est déplorable, elle ne sert à rien dans le scénario et sa personnalité se résume à « je suis maître de la ligue ». Et en plus, elle est moche. Imagine, tu fais moins bien que Diantea. Bref, j'ai beaucoup trop parlé de Menzi, mais je vous avais prévenu au début que j'allais passer le plus de temps à expliquer pourquoi un défaut est un défaut plutôt qu'à juste parler des défauts. Maintenant qu'on a fini cette merde et que la commode de tiroir Nordli est aux anges, on peut démarrer le scénario final puisqu'on a rassemblé les deux autres membres de l'expédition. On retrouve Pepper près de la ville de l'arène normale, toujours avec des graphismes aux petits oignons, avec la transition entre le tunnel et la montagne sublime, l'éclairage magnifique, les animations exceptionnelles, vraiment tout est beau dans cette scène. Menzi et Pania nous attendent déjà à l'intérieur et les personnages se présentent entre eux avec des interactions simples mais crédibles. Le professeur nous parle un peu via l'intercom puis nous guide vers un portail où on doit sauter dans le cratère à dos de Miraidon. La cinématique est, cette fois sans ironie, assez cool et bien animée avec Miraidon qui a peur de sauter et les autres montent un par un sur lui, le faisant tomber puis on plane tout au fond de la zone 0. Je n'ai pas beaucoup parlé des musiques environnementales jusqu'à présent, car aucune ne m'a marqué, mais à partir d'ici, toutes les OST sont incroyables. Le thème de la zone 0 arrive à être mystérieux, intimidant, mais aussi très surnaturel, presque extraterrestre. Je l'ai pas précisé, mais la différence entre écarlate et violet, c'est que dans ce dernier, les Pokémon viennent supposément du futur très lointain et du passé dans l'autre. Il fallait donc créer un thème qui correspond aux deux, genre s'ils avaient commencé à mettre de la dubstep ou autre, ça n'aurait pas collé aux Pokémon du passé. Et putain qu'ils ont réussi. Même si la zone 0 reste plutôt moche, elle a une atmosphère très unique avec ses particules et son éclairage très prononcé. Son style visuel très particulier fait que je suis presque prêt à lui pardonner la mocheté des arbres et des cailloux. Cependant, je trouve très décevant que la majorité des Pokémon qui s'y trouvent soient très communs. Oui, il y a les fameux Pokémon paradoxes, mais les Pokémon communs sont tellement omniprésents que la zone en perd de son charme et de son caractère mystérieux. Ah, et ça lag aussi, mais ça change pas du reste du jeu. Le groupe se retrouve dans la zone, mais Miraidon s'est réfugié dans sa Pokéball et refuse de sortir. Étrange. Turum les appelle et a un échange bizarre avec Pepper. Le prof dit qu'il est content de voir qu'ils ont atterri sans encombre, son fils lui rétorque qu'à part le fait qu'ils ont failli crever, ils vont bien, et le prof continue à parler comme si de rien n'était. Pania dit qu'il ne comprend pas le sarcasme, laissant planer toujours plus de doutes sur qui est la personne
personne à qui on parle actuellement. Je rappelle quand même que Turum a parlé de lui à la troisième personne dans le labo du phare. Le prof dit qu'il faut ouvrir 4 verrous avant d'accéder au laboratoire central et Menzi dit « Ah trop cool, on se croirait dans un jeu vidéo !» Ah oui, totalement, c'est vrai que les graphismes immondes, le lag presque constant et les bugs techniques n'ont jamais cessé de me rappeler que je jouais à un jeu vidéo, et bien nul à chier d'ailleurs. À deux pas de l'ironie de Todd Howard à l'E3 2018 qui dit qu'il a lu sur internet que les jeux Bethesda avaient quelques bugs. I read on the internet that our games have had a few bugs. I read it on the internet, so it's true. Monsieur Ward... Désolé, mais vous êtes cringe. Ensuite, je suis désolé, mais la séquence qui suit est trop longue et lourde. Comme vous n'avez pas accès à Miraidon, vous devez tout vous taper à pied, et vos amis vont se parler entre eux dans une boîte de dialogue en bas. Et bah, bonne chance pour lire ce qu'ils disent tout en marchant et en esquivant les Pokémon sauvages. Peut-être qu'avoir du doublage aurait résolu le problème, non? Non, vous préférez claquer de la thune dans une chanson d'Ed Sheeran dans les crédits, bande de putain de branque. Le pire, c'est que c'est intéressant de voir les persos interagir entre eux, mais c'est pas toujours évident à lire. Bref, on arrive dans le poste et on peut lire des notes écrites par le professeur. Il parle d'abord d'une créature qui semble être à l'origine de la Terra et qu'on verra dans le deuxième DLC, enfin non, que vous verrez parce que je ne compte pas l'acheter, oh non. Puis le prof parle du fait qu'il a eu des subventions après avoir mis au point l'orbe Terra Crystal qu'on utilise pour transformer nos Pokémon. Ces subventions lui permettent de se créer un laboratoire au phare, mais il désire retourner au cratère pour poursuivre son étude des cristaux. Cristaux qu'on voit dès notre arrivée d'ailleurs. En arrivant au deuxième poste, Pania remarque un cas d'oiseau, mais il se révèle être un Pokémon paradoxe et nous attaque. Zéro tension puisque vos partenaires de combat double auront leurs 6 Pokémon sur eux. Ils auraient pu booster les niveaux des Pokémon sauvages pour compenser, mais non, du coup ils n'ont aucune chance. Turum révèle juste après que ce Pokémon, les autres paradoxes sont des Pokémon qui existeront dans le futur lointain et qui sont venus ici grâce à la machine temporelle construite au fond du cratère dans le laboratoire. Au fait, je suis au courant des théories qui circulent au sujet de la véritable nature de la Terra et des Pokémon paradoxes, mais j'ai pas fait cette vidéo pour spéculer. Je n'en ai rien à foutre des théories dans Pokémon, sincèrement. Du coup, dans cette vidéo, je ne vais raconter que ce que le jeu me dit. Si dans les DLC, la machine temporelle n'en est pas vraiment une ou je ne sais quoi, c'est pas mon problème. Je ne fais qu'avec ce que le jeu me donne. J'en profite pour parler du DLC en lui-même parce que j'en ai vu certains dire que Pokémon ne devrait pas en avoir. Et c'est totalement hors sujet, dans le sens où un DLC n'est jamais foncièrement mauvais. Il n'y a aucun mal à vouloir rajouter du contenu après la sortie d'un jeu, c'est juste que les studios ont décidé d'utiliser ce moyen pour finir leur jeu au lieu d'ajouter des choses à un produit terminé. Mais un DLC en soi n'est pas un problème, que ce soit dans Pokémon ou un autre jeu. Le problème, c'est pas le DLC, c'est le fait qu'ils en vendent un à 35 balles, 5 euros plus cher que celui de Gen 8, pour un jeu aussi pas fini. C'est ça qui est scandaleux, pas le fait que c'est un DLC pour Pokémon. Et ce serait inacceptable dans n'importe quel cas. On est clair là-dessus ? Bref, dans ce poste, les notes de Turum parlent du fait qu'il repart dans la zone 0 avec une équipe plus réduite qu'avant. Les cristaux sont très instables, ce qui effraie à la fois les membres de l'expédition ainsi que les investisseurs, mais Turum insiste sur le fait que s'ils arrivent à les maîtriser, ils pourraient créer un paradis. Pepper décide de nous donner le livre violet, ce que je trouve un peu étrange car c'est lui qui en est l'héritier. La seule raison de faire ça, c'est parce que nous sommes le protagoniste, on va pas se le cacher. Au détour du troisième poste, sans surprise, le groupe se fait encore agresser, cette fois par le Donphan Paradoxe. Le même dominant que vous avez affronté avant, mais en version miniature. Ce qui implique qu'au moins un Pokémon Paradoxe s'est échappé du cratère. Pania émet l'hypothèse que Miraidon est aussi un Pokémon du futur et Turum raconte que c'est le premier spécimen qui est arrivé avec sa machine temporelle. D'autres Pokémon sont venus, mais seulement deux espèces de Miraidon existent dans le présent, sous-entendant que le deuxième Miraidon est quelque part dans la zone 0. Les notes de Turum en parlent aussi et mentionnent le fait qu'il attend un enfant. Enfant qui se révélera être Pepper. Ce dernier raconte dans les dialogues éphémères de l'exploration que son père avait ramené Miraidon au phare et a tenté de cacher son existence jusqu'à ce qu'il s'attaque à un Pokémon sauvage, dévoilant son existence à ceux qui ont assisté à la scène. Depuis ce moment, Turum l'a ramené avec lui dans le cratère et Pepper ne les a plus revus depuis, jusqu'à ce qu'ils ressortent de la zone 0 au début du jeu. En tout cas, il ne reste plus qu'un seul verrou à désactiver, donc il est temps de descendre dans la grotte centrale. Cette grotte a au moins le mérite d'avoir un style particulier comparé au reste, même si le reflet dans les cristaux n'a aucun sens. Il reflète les personnages comme s'ils les regardaient de face alors qu'ils sont de dos. Quelque chose me dit que c'est pas parce que ce sont des cristaux magiques, mais plutôt parce que Game Freak est nul à chier en programmation. Le dernier poste est complètement ravagé et des cristaux commencent à se former à l'intérieur. La scène qui suit n'est vraiment pas rassurante. On apprend que la mère de Pepper l'a abandonné peu après sa naissance, au moins le jeu a la décence de le mentionner. Ça marche mieux dans Écarlate, parce que du coup c'est le père qui l'abandonne, et statistiquement ça arrive plus souvent. J'aurais limite préféré qu'ils disent que l'autre parent est mort d'une maladie ou autre, ça aurait été un peu plus crédible que juste se barrer après la naissance du fils sans vraie raison et ne plus jamais être mentionné. Je veux bien que la mère ne veuille plus être avec Turum, mais abandonner son gosse comme ça, c'est un peu limite. Les dernières notes racontent que le prof a trouvé un autre scientifique aussi brillant que lui, et qu'ensemble ils ont ramené un deuxième Miraidon qui est beaucoup plus agressif que le premier. Ça n'annonce rien de bon. Turum nous rappelle pour ses
s'excuser de sa mauvaise connexion, mais Pepper y croit moyen. Turum n'en rajoute pas et nous demande de venir au centre. J'aimerais souligner que j'aime beaucoup la tournure qu'a pris le scénario et surtout la manière de le raconter. Dans les anciens jeux, on avait un crescendo lent et prévisible où on apprenait les plans des antagonistes et la façon dont ils comptent se servir des légendaires. Formule très classique. Pokémon Violet chamboule un peu tout ça en proposant trois intrigues séparées puis un final où tous les mystères qui planent autour de l'histoire sont expliqués. D'ailleurs, la fin de chaque intrigue peut être prise différemment. La fin de la quête des arènes sonne comme la fin du jeu, la fin de l'opération Stardust ressemble à l'épilogue d'une grosse quête secondaire et la quête de Pepper a plutôt l'air d'être le début de quelque chose. C'est dommage que les scénaristes n'aient pas su relier de manière plus concrète les trois intrigues à la dernière. La Team Star et la quête des arènes n'a aucun rapport avec les événements de la Zone Zero. Tout est concentré sur Pepper. Et c'est compréhensible en soi, mais ça diminue l'importance des Menzies et Pania dans cette séquence. Mais pour en revenir au scénario actuel, ce que j'aime bien, c'est qu'on ne sait pas réellement ce qui s'est passé, ni ce qu'il va se passer. Genre, quand tu joues à Noir et Blanc, tu vois bien que Gettys est méchant et que la Team Plasma est un peu schizophrène sur leur motivation. Quand tu joues à Soleil et Lune, tu sais d'emblée qu'il se trame des choses dans le paradis Aether. Quand tu joues à Épée, tu sais que chez Rose sera le méchant parce que c'est la seule possibilité. Mais dans Pokémon Violet, tu sais pas. Tu sais pas pourquoi Pepper n'aime pas Miraidon, ni l'origine de celui-ci, ni ce qui se passe dans le cratère, ni les intentions du professeur. Évidemment, on peut le deviner, mais pas aussi facilement que dans les jeux précédents. Je doute fortement que quelqu'un ait réussi à déceler tout le détail de l'histoire avant de mettre les pieds dans le laboratoire principal de la Zone Zero. Donc, après avoir désactivé tous les verrous, on arrive tout au fond de la grotte, devant un laboratoire qui se fait doucement mais sûrement absorber par les cristaux. Turum nous dit qu'on doit y pénétrer, mais quand on ouvre la porte, des Pokémon dangereux vont en sortir et il va falloir qu'on les mette KO. Mais juste avant, on a une scène que j'aime bien. Pepper interrompt la boîte de dialogue du jeu lui-même pour nous dire que Miraidon existe et qu'il serait temps qu'il sorte de sa Pokéball. J'apprécie le fait qu'on prend des précautions supplémentaires. C'est dommage, alors, que ces précautions ne soient pas spécialement utiles étant donné que les Pokémon qui sortent sont Roue de Fer, le dominant qu'on a déjà affronté, Tête de Fer que j'ai littéralement capturé à l'entrée de la grotte et Pomme de Fer qui fait la taille de Menzi. La mise en scène est catastrophique par ailleurs. Mais juste avant ça, on a une cinématique avec le deuxième Miraidon, l'agressif, qui vient nous faire un petit coucou. Il intimide notre Miraidon avant de rentrer dans le laboratoire, ce qui veut dire qu'on va le revoir. La tension de la scène est cependant inexistante, car non seulement, comme je l'ai dit avant, vos coéquipiers ont leurs 6 Pokémon et vous êtes en 1v2 contre un Pokémon qui est plus ou moins du même niveau que vous, mais vous êtes en plus de ça, totalement soigné entre chaque combat. Le jeu est absolument terrorisé à l'idée que le joueur puisse perdre. Vraiment, on dirait que le développeur se réveillait avec des sueurs froides et de la merde dans le froid que toutes les nuits rien que d'y penser. Le pire, c'est que le jeu aurait pu profiter du fait qu'on ait un partenaire pour nous mettre face à 2 ou même 3 Pokémon à la fois, mais que dalle, on les fait un par un, c'est ridicule. Certains Pokémon finissent par fuir et Menzi et Pania les pourchassent pour les éliminer, tandis que Pepper reste pour affronter ceux qui sont encore là, nous laissant entrer dans le labo. C'est un peu con que le jeu ne te téléporte pas directement à l'intérieur parce que du coup on peut assister à cette fabuleuse mise en scène de Pepper debout face au Pokémon du futur sans la moindre animation ou semblant d'affrontement. On entre dans le labo et... Après avoir remis le Miraidon agressif dans sa Master Ball, Turum nous explique qu'il est un robot contrôlé par une IA du professeur original qui est décédé suite à l'incident du dernier poste d'observation. Depuis le début, c'est à son synthétique qu'on parlait. Et c'est aussi ça que le prof voulait dire quand il a écrit qu'il a trouvé un autre scientifique du même potentiel que lui. Évidemment, le jeu ne nous montre pas l'accident en question, mais Turum nous explique que les deux Miraidons se sont battus entre eux et le prof a voulu protéger notre Miraidon du attaque du deuxième, ce qui l'a tué. Notre Miraidon a alors fui la zone 0 et a fini entre nos mains. C'est un peu flippant de se dire qu'au moment où on voit cette cinématique, le vrai professeur Turum a perdu la vie il y a quelques heures, voire quelques minutes, à moins que le Miraidon ait traîné dans la partie supérieure de la zone 0 avant de s'envoler, mais rien ne l'indique. Son IA a donc pris le contrôle du laboratoire, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, elle est loin d'être malicieuse. Au contraire, le synthétique de Turum souhaite mettre fin aux recherches du professeur en désactivant la machine temporelle. Ça aurait été tellement facile d'en faire un méchant qui veut anéantir l'humanité en ramenant des Pokémon du futur ultra agressifs, mais c'est tout l'inverse. Il y a cependant une incohérence avec cette histoire de Miraidon. Quand le prof l'a emmené avec lui dans la zone 0, il a laissé sa Pokéball dans le labo avec Pepper. Pourquoi ? Quel intérêt ? Même si on le prend comme un espèce de cadeau d'adieu, bah c'est quand même très con parce que Pepper n'en a aucune utilité et le professeur ne peut pas remettre Miraidon dans sa Pokéball s'il en a envie. Ça n'a pas vraiment de sens. On descend avec lui dans l'ascenseur, dans lequel on trouve bien évidemment une Pokéball des développeurs au centre de la pièce. Putain. Lia nous explique que la machine temporelle sert à envoyer des Pokéballs, ou plutôt des Master Balls, dans le futur afin de capturer les Pokémon qui s'y trouvent et les ramener dans le présent. J'aime bien comment ces Pokéballs rares sont utilisés ici. Le jeu ne le dit pas, en tout cas pas à ma connaissance, mais on peut deviner que grâce à la technologie de la Terra qui booste le fonctionnement des machines, le professeur a pu fabriquer des Master Balls en masse. Ou alors il les a juste achetés avec l'argent de ses investisseurs. Les deux options sont possibles. Ce qui est sûr, c'est que le synthétique de Turum n'existerait pas sans la Terra si une technologie trop avancée. Et ça fait que le robot ne peut pas quitter la zone 0 car il doit être alimenté par les cristaux. La dernière question qu'on peut lui poser porte sur ses intentions.
génération. À la base, le professeur souhaitait vivre dans un monde où le présent et le futur cohabitent, notamment à travers les Pokémon, d'où le terme paradoxe. Il savait que les Pokémon du futur étaient agressifs et qu'ils menaceraient les autres espèces, mais pour lui c'est normal, c'est la voie du plus fort. L'IA elle-même avoue qu'elle ne comprend pas pourquoi le professeur était prêt à sacrifier l'écosystème de Paldea pour un rêve pareil. Normalement, la zone 0 est protégée par une barrière que les Pokémon ne devraient pas pouvoir franchir, mais certains, comme Roue de Fer, ont réussi à la percer et ce n'est plus qu'une question de temps avant que d'autres le fassent. Je trouve qu'ils l'ont bien intégré dans la quête des dominants. Comme on ne sait pas de quoi il s'agit, on affronte le Pokémon en se disant que c'est juste une forme d'enfant, mais la vérité derrière lui est bien plus sombre. L'IA souhaite arrêter toute cette opération pour ne pas que le présent soit menacé. Je trouve que c'est dommage qu'on n'ait pas de raison concrète sur pourquoi le professeur avait ce genre de rêve, et peut-être que vous l'apprendrez dans le DLC, mais j'aimerais partager mon interprétation. Je pense que les cristaux, ainsi que le Pokémon à la carapace hexagonale que le professeur a vu, ont altéré sa psyché et sa manière de voir les choses. Ils ont en quelque sorte exagéré sa volonté et lui est venu en tête de mettre en place cette opération. Quand il a construit son IA, il lui a transmis ses souvenirs, son intelligence et sa volonté. Mais il ne lui a pas transmis sa corruption psychologique et c'est pour ça que l'IA ne partage pas son désir fou de ramener le futur dans le présent. C'est juste mon interprétation personnelle encore une fois. Si vous pensez que les cristaux ne peuvent pas du tout modifier la psyché de quelqu'un, même à forte exposition, alors ça devient une incohérence puisqu'il n'y a aucune raison explicite pour laquelle l'IA n'a pas envie de poursuivre les travaux de l'original. On arrive au dernier sous-sol devant la machine et Toru nous demande de placer le livre violet dedans car il sert d'identifiant. Mais il nous prévient qu'une fois que c'est fait, il essaiera de nous arrêter car il est programmé pour ça. Il a beau ne pas être d'accord avec le professeur, il ne peut pas aller à l'encontre de son propre code. Il faut donc qu'on le batte pour que la machine se désactive totalement. Il précise même que son IA de combat est basé sur les maîtres et les maîtresses de Paldea, montrant que la ligue doit bel et bien être prise au sérieux pour les deux ou trois d'entre vous qui sont encore dans le déni associé. On ne peut plus reculer désormais, et après avoir placé le livre dans la machine, l'accès nous y est évidemment refusé. Mon dieu, qu'est-ce que ce thème est génial. C'est la meilleure musique du jeu et de très loin. L'équipe du professeur est composée de quelques Pokémon paradoxes qu'on n'a jamais vus, comme le Pyrax, le Tyranocif et surtout Garde de Fer. C'est un Pokémon exclusif à violet car c'est Rugilune qui le remplace dans Écarlate. Ça me fend le cœur de devoir choisir entre Dratak et Galam. Ces deux paradoxes sont spéciaux car Garde de Fer est une fusion entre Gardevoir et Galam, tandis que Rugilune est basée non pas sur Dratak mais sur sa méga évolution. Accessoirement, ils ont des stats de psychopathe. Il m'a fallu plus de temps pour mettre KO au garde de fer que les 5 autres Pokémon. Ce combat de manière générale rajoute enfin un peu de challenge dans le jeu, malheureusement beaucoup trop tard. Mais on arrive à vaincre Toroom et la machine semble se désactiver. Les 3 autres nous rejoignent et le synthétique dit à Pepper à quel point il est fier de lui et qu'il est désolé de l'avoir abandonné. D'ailleurs, son nom dans la boîte de dialogue change, passant de Toroom entre parenthèses IA à Toroom point d'interrogation, brouillant encore plus la frontière entre le programme et la conscience humaine. Mais ses retrouvailles larmoyantes sont écourtées lorsque la machine reprend son cours habituel avec une procédure de défense d'urgence. En français, ils l'ont appelé le protocole Défense Paradis, mais je préfère la traduction anglaise Paradise Protection Protocol. Toutes les Pokéballs qui n'appartiennent pas à Toroom sont verrouillées, le synthétique se terracristallise et on voit son tout dernier Pokémon, Miraidon. Ça montre vraiment à quel point Toroom était déterminé à réaliser son rêve, l'ampleur des mesures qu'il était prêt à prendre pour ne pas échouer. On tente d'envoyer un Pokémon, mais évidemment, ça ne marche pas. Et là, s'ensuit un moment que j'aime beaucoup. Vous aurez beau cliquer sur attaque, sac ou autre, il ne se passera rien et vous serez coincé indéfiniment face à Miraidon. En réalité, il faut aller dans votre équipe et sélectionner votre Miraidon que vous pourrez envoyer au combat car son dresseur d'origine est aussi le professeur. Et le jeu ne vous le dira jamais, vous devez le deviner. J'ai adoré ce petit moment où c'est toi qui devais résoudre le problème par toi-même. Croyez-moi, dans Pokémon, c'est très rare. Miraidon reprend sa forme de
combat grâce au lien qu'il unit avec son dresseur ainsi que les encouragements de Pepper. Il considère que c'est à cause de Miraidon que son père l'a abandonné, mais il n'aime pas le voir se faire victimiser et le pousse à ne pas se laisser faire. Le combat qui suit est impossible à perdre, et si vous ne faites pas ce que le jeu veut que vous fassiez, au bout d'un moment, il va littéralement vous enlever tout contrôle et faire le combat automatiquement. Je comprends que sur le papier, ça a l'air débile, et par ailleurs, ça prouve que le système de combat de Pokémon n'est pas fait pour ce genre de moment. Game Freak ne peut pas concevoir de vrais duels épiques avec ce gameplay sans faire d'énormes concessions. Genre dans Noir et Blanc, quand vous affrontez le légendaire de N, il ne possède pas d'attaque dragon parce que s'il en avait une, vous ne pourrez pas gagner en 1v1 contre lui avec votre légendaire à vous. Et ici, vous ne pouvez littéralement pas crever grâce à l'amitié que Miraidon vous porte. Du coup, ouais, je comprends pourquoi on pourrait penser que c'est de la merde. Cependant, je trouve ça parfaitement satisfaisant. Genre, oui, le combat est bofetir, mais on a déjà eu un gros combat de boss juste avant, on a une autre challenge. Ce duel-là est plus à prendre comme une cerise plutôt qu'un gâteau. De plus, Miraidon gagne grâce au pouvoir de l'amitié, ce qui est effectivement très cliché, mais c'est mérité. Il a passé tout le jeu avec un dresseur qui l'a aidé à regagner ses capacités, et il se fait encourager par ceux qui l'a aidé, notamment par le fils de son dresseur d'origine qui a vécu avec lui par le passé. Je me répète, mais même si Pepper considère Miraidon comme le responsable de ses malheurs, il ne veut pas le voir malheureux et l'encourage quand même, ce qui est très respectable et humain. Donc, même si le gameplay est aussi médiocre que d'habitude, ce combat mérite d'exister. Mais avant de passer à la suite, il serait criminel de ma part de ne pas vous faire écouter ou réécouter le thème du Professeur Turum. Turum ne félicite point notre victoire, car c'est ce qu'il souhaitait. Il déclare ensuite que tant qu'il existera, la machine ne s'arrêtera pas puisqu'il fait partie de son système. Je trouve ça un peu bizarre qu'il ne l'avait pas mentionné avant. Il n'avait aucune raison de le cacher s'il le savait, et ça me paraît étrange qu'il ne le sache pas à l'avance puisqu'il connaît tout de son propre fonctionnement. Mais quoi qu'il en soit, il dit qu'après avoir observé les quatre aventuriers que nous sommes, ainsi que Miraidon, il a eu envie d'être libre et d'explorer le monde. Il utilise donc la machine pour s'envoyer lui-même dans le futur, l'empêchant de fonctionner dans le présent. Créant ainsi une autre incohérence parce qu'il est censé être incapable de quitter la zone 0, il a dit lui-même. Pour lui, c'est l'équivalent d'un suicide, ou du moins d'une désactivation pour une durée indéterminée. Mais j'ai presque envie d'ignorer ça tellement le jeu me fait pitié. Il dévoile quand même à Pepper qu'il lui a caché la vérité au sujet de la mort de son père pour le protéger, ce qui est logique. Le synthétique s'envole vers le futur, laissant son fils dans l'amertume. Le groupe sort de la zone 0 après, et je ne vous mens pas, un écran noir de 50 secondes. Comment est-ce possible de s'auto-ruiner à ce point, bordel? Tout le monde est légèrement sous le choc après tous ces événements, mais Menzi brise la glace en proposant d'aller manger au resto, ce que Pania accepte sans trop hésiter. Comme s'il fallait un argument supplémentaire pour enterrer cette théorie à deux balles. Pepper est réticent mais se fait pousser par Miraidon qui lui rend l'appareil après ses propres encouragements. Sans déconner, cette fin m'a marqué. Vraiment. Des jours après, j'y repensais encore. C'est la première fois dans Pokémon qu'on a une fin pas totalement heureuse où le pire a été évité, mais non pas sans d'importants sacrifices. C'est ici que l'histoire de Pepper s'achève réellement et elle est tragique. Même si on l'a très peu vu parler directement avec son père, techniquement jamais mais on va faire comme si c'était le cas, on sent le poids de leur relation et le chagrin du fils face au père absent. Il y a aussi des incohérences dans ce scénario, mais elles ne sont pas fatales, du moins pas autant que celles de la Team Star. Par contre, seule l'intrigue s'améliore à partir de la zone 0. La difficulté n'est présente que pendant un seul combat, le jeu est toujours aussi moche et lag toujours autant. Et la mise en scène reste très médiocre. Donc dire que le jeu devient bien à ce moment-là me paraît toujours exagéré. Je pourrais et je devrais être plus méchant envers cette quête, mais comme je l'ai dit, le jeu me fait trop pitié. Si cette fin a marqué, elle en a certainement marqué plein d'autres, mais chez eux, c'est à tel point qu'ils étaient prêts à pardonner le reste du jeu. Une question subsiste cependant. Est-ce que Pokémon Violet est pire que Épée Bouclier? Eh bien... non. Les points faibles de Violet sont significativement pires que les points faibles d'Épée, mais il a au moins le mérite d'avoir des points forts. Violet met une tarte stratosphérique à Gen 8 en ce qui concerne l'écriture des personnages et l'exploration, et pourtant cette dernière n'est même pas si bonne que ça. Le multijoueur, bien que très imparfait, est mieux développé aussi. Le fait que le thème du harcèlement et des liens parentaux soit très mis en avant est un point fort appréciable aussi. Épée a l'avantage d'avoir un framerate stable et des graphismes moins immondes, mais n'a pas de réel point fort, c'est juste une ligne plate de nullité. De toute façon, les deux jeux sont F-tier, mais je mettrai Violet au-dessus. À un poil de cul, mais au-dessus quand même. Il m'arrive de voir des internautes dire qu'ils ont du mal avec Pokémon, qu'ils ont grandi et que ce n'est plus un jeu pour eux. Pour ces personnes-là, j'ai un message. Non, vous n'êtes pas subitement devenu trop grand pour Pokémon. Non, vous n'avez pas décroché parce que vous êtes adulte. Vous avez décroché parce que les jeux sont de pire en pire et Game Freak ne fait que le prouver à répétition. Ce n'est pas vous le problème, c'est Pokémon. Donc si vous avez perdu votre intérêt pour la licence, c'est parce que les derniers jeux sont merdiques et vous avez simplement reconnu que vous avez des standards depuis le début. Et avant de conclure, parlons du post-game qui n'a rien d'exceptionnel. Vous pouvez retirer des pieux aux quatre coins de la map pour libérer des légendaires
milliardaires enfermés dans des sanctuaires. J'aime bien leur design, sauf Yu Yu, je sais pas ce que vous lui trouvez, c'est un poisson rouge avec des yeux gonflés tout dégueulasse là. Vous pouvez faire des revanches contre la Team Star ainsi que les champions, et affronter ces derniers vous débloquera le tournoi d'académie où vous pourrez affronter les profs. C'est pas du tout transcendant et même un peu répétitif. Ah, et le thème de combat du tournoi est éclaté. Vous pouvez aussi défier Menzi en combat sur le terrain de sport de l'école, regardez. Au moins la chasse aux légendaires est pas trop mal, mais c'est toujours un peu la même chose, et la quantité de pieux à retirer est un peu excessive. Je me dois aussi de revenir un instant sur l'interface, car vous pouvez désormais utiliser Miraidon en combat. Sauf que pour ça, vous devez avoir 5 Pokémon, sélectionner Miraidon dans votre équipe, dire qu'il doit prendre sa forme au combat, et seulement là, vous pourrez l'utiliser. Et vous voyez toute cette manip? Eh ben, il faudra la refaire en entier si vous avez le malheur d'appuyer sur plus pour l'utiliser en tant que monture. Pourquoi êtes-vous aussi nul, Game Freak? Pourquoi? Et en plus, il y a une solution à ce problème. Il suffit de retourner dans la zone 0 et de capturer l'autre Miraidon qui vous attend au fond de la grotte. Du coup, vous avez deux Miraidon, un pour le combat et un pour l'exploration. Mais est-ce que ça aurait pas été plus simple de juste coder correctement votre interface, bande de putain de bras cassés? Bref, je vous repose la même question qu'en début de vidéo. Est-ce que Pokémon Écarlate et Violet sont réellement de bons jeux? Oui ou non? Pour ma part, je pense que la réponse est limpide. Ce qui est certain, c'est que peu importe à quel point vous avez kiffé la fin, vous ne pouvez pas prétendre que ça rattrape le reste du jeu. Même si on considère les deux dernières heures de Violet comme bonnes, ce qui est déjà une énorme supposition, ça ne rattrapera jamais les graphismes ignobles, la technique à la ramasse, l'open world fade, la quête de Menzi et de Pania, la fausse progression ouverte, l'interface pourrie et les combats qui dépassent les somnifères en termes d'efficacité. Deux pauvres heures à la toute fin du jeu et les émotions qu'elles vous ont fait ressentir ne changeront jamais le fait que ce jeu est à chier. Je vais pas vous bassiner avec les mêmes points, si vous êtes arrivé à ce point de la vidéo, je pense que vous avez pigé mon raisonnement et mes arguments. Juste avant de finir, j'aimerais souligner quelque chose que j'ai évoqué avant. Le fait que les fans de ce jeu le saucent sur des choses complètement subjectives ou émotionnelles. Je vais prendre deux exemples pour ça, en commençant par ce tweet d'un youtubeur que je suivais beaucoup fut un temps. Un jeu que j'ai adoré et détesté, on connaît le défaut et on va pas y revenir. Ok, soit. Ensuite, les OST, l'ambiance de fin et le dénouement étaient incroyables. Conclusion, banger. Donc on ne cite pas les défauts d'une part, et d'autre part, les principaux arguments pour dire que c'est un banger, c'est les musiques, l'ambiance de la fin, ce qui ne veut absolument rien dire, et le dénouement. Quand je vous disais que la fin du jeu avait un peu trop marqué les esprits, je ne l'accuse pas de quoi que ce soit et le but n'est pas de le tacler, mais de confronter les arguments. On continue avec un commentaire sur la critique d'Assa, encore une fois, aucune haine envers la personne. Le jeu est un banger parce que l'histoire est incroyable et touchante, touchante peut-être, mais incroyable, non, il faut doser. Hein. Trois arguments d'affilée sur les Pokémon, chose on ne peut plus subjective. Défense des graphismes, je vais pas revenir là-dessus, c'est faux. Les trois quêtes sont géniales, bah non, il y en a que deux qui sont considérées comme bonnes, et ensuite, c'est pas les trois quêtes qui sont cool, mais juste qu'il a aimé le principe d'avoir les trois quêtes en simultané. Les bugs, il y en a, même s'il n'en a pas eu, ça veut pas dire qu'ils ne sont pas là. Team Star Banger, vous savez déjà ce que j'en pense. Et on termine avec la musique encore une fois. Donc, les points principaux pour dire que le jeu est un banger, c'est soit des choses complètement subjectives, soit de la minimisation de défauts. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Oui, le jeu possède des moments marquants, parfois mérités et parfois complètement volés. Mais oui, ils sont là. Le problème, c'est que non seulement ils sont pas parfaits, mais ils n'effacent pas les défauts du jeu. Avoir un bon scénario ne supprime pas les bugs, le lag et la mocheté, ça marche pas comme ça. Sauf que les fans ont tendance à laisser leurs émotions les contrôler totalement, ainsi que de balayer sous le tapis les défauts et en résulte des messages comme ça. Vous avez le droit d'aimer un jeu et de vous amuser dessus, mais vous n'êtes pas capable d'avouer que votre fun est totalement subjectif et vous essayez donc de prétendre qu'un jeu est trop bien avec des arguments qui n'ont aucune valeur. C'est pas parce que vous pouvez faire une liste de courses de points positifs que vous avez raison. Si vous voulez défendre un jeu, faites-le avec des arguments objectifs au lieu de faire des appels à l'émotion. Et si vous n'êtes pas capable de trouver des points positifs, admettez simplement que vous avez apprécié un mauvais jeu. C'est pas fatal. Parce que là, comme ça, dire que Violet est un banger avec ces arguments-là revient à dire qu'un tas de planches et de tuiles est un immeuble somptueux. J'en ai fini avec cette déchetterie, alors voici mon verdict et je vais pas vous l'édulcorer. Les graphismes sont tellement dégueulasses qu'ils mettront en péril votre vue. La progression non linéaire est un mensonge et décourage totalement les joueurs de faire les cibles dans leur ordre de prédilection. Les combats sont une torture avec des pauses omniprésentes et frôlent la lenteur de jeux Gen 4. La région n'a aucune saveur, les biomes sont génériques au possible et la gestion des Pokémon sauvages est une catastrophe. Les villes sont un désastre. Le multijoueur est pris en sandwich entre l'incompétence de Game Freak et celle de Nintendo en général. La quête des arènes est une énorme blague. L'histoire de la Team Star tient autant debout qu'un alcoolique à 9 grammes. L'histoire de Pepper est répétitive mais meilleure et le final est correct tout en ayant des incohérences. Et durant toute la partie, vous rencontrerez constamment du lag et des problèmes techniques qui ne sont pas censés être présents dans un jeu pareil. Tout le temps. Ce ne sont pas quelques personnages bien écrits ou des nano-changements positifs au gameplay qui vont rattraper toute cette boucherie. Même dans vos rêves les plus doux, ça n'arrivera pas. Depuis quelques temps, je donne des conseils sur la vie dans mes critiques, et celui que je vous donnerai aujourd'hui, c'est respectez-vous et ne gaspillez pas votre thune et votre temps sur un produit de merde qui n'est sorti dans cet état que parce que des exécutifs de Pokémon Company voulaient avoir 3% de marge supplémentaire sur leur vente de fin d'année. Mais le plus triste, c'est que vous l'avez probablement
déjà fait.